just hate my head Cause uh -huh. baby it's natural And I got you in touch. Mesdames et messieurs, jeunes gens, jeunes filles, je vous souhaite le bonjour au nom de monsieur Jacques-Alain Bénisti, notre maire, qui ne peut être là aujourd'hui parce qu'il est qu'à contact. En ce moment, il est au laboratoire. Il ne pourra pas donc être parmi nous tout de suite, mais les élus sont là et je vous présente monsieur Michel Migaud, conseiller municipal à la cohésion sociale et moi même donc madame facchini maire adjoint à la cohésion sociale. je remercie euh, les parlementaires et les grands témoins qui sont ici présents. comme vous le savez nous sommes ici à l'escale qui résume à lui tout seul l'esprit de la loi du 5 mars deux mille dix sept sur la prévention de la délinquance que M. le maire a portée lorsqu'il était député. Les outils existent. Il nous suffit à nous, élus, de les mettre en place, de s'en donner les moyens pour proposer des politiques de prévention efficaces et ainsi limiter les effets désastreux, d'effets de délinquance en tout genre. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce fléau des RICS des jeunes qui ne savent même plus pourquoi ils se battent contre ceux du quartier ou du collège voisin et qu'il faut ramener dans le droit chemin. Les politiques seules ne peuvent pas tout, comme vous le savez. Il faut s'appuyer sur le tissu local et c'est ce partenariat qui nous permet d'obtenir des résultats et d'asseoir notre crédibilité car il est important de partager l'information, de savoir travailler ensemble et si cela a été difficile au début avec certaines corporations, ça l'est toujours en certains endroits. Nous parvenons à briser ce tabou du secret professionnel pour aboutir au secret partagé. C'est ce pacte de confiance noué et tissé depuis des années au sein d'instances comme le CLSPD qui crée les conditions de ce travail en commun. Je ne m'attarderai pas car les personnalités qui sont ici doivent prendre une parole efficace. Mais je voudrais juste associer à mes remerciements Selma, et Tarek, mon direct, le directeur de prévention médiation, qui est directement rattaché à notre cabinet pour des raisons de rapidité et de réactivité nécessaires, ce qui démontre toute l'importance que nous continuons d'attacher à cette problématique. Je vous remercie. Merci euh, Madame euh, Madame Mme euh, Madame la maire adjointe. Alors permettez moi peut être euh, de commencer une petite introduction. Une petite Petit préambule avec trois questions et trois questions qui sont extrêmement importantes et qui vont nous permettre de mieux suivre ce débat. Permettez-moi de vous les présenter. Pourquoi la mise en place de cette conférence débat sur la thématique des RICS? Vous doutez bien qu'il y a une raison sur la présence collective des uns et des autres. Il faut savoir que dans le cadre du CLSPD, on a mis en place des groupes de travail thématiques et dans ces groupes de travail thématiques, on a, les acteurs nous ont signalé de nombreuses violences, des nouvelles formes de RICS. Alors, qui existait déjà auparavant, mais c'est vrai qu'on focalise souvent sur les rixes interquartiers, mais il existe aussi des, des rixes intercollèges, collèges entre eux, collèges villiérins avec euh, des collèges au Plessis-Trévis, par exemple, pour ne citer euh, que cet exemple. On a eu aussi euh, des violences, des rixes qui ont été faites euh, entre les différents foyers. Il faut savoir que sur le territoire villiérin, Villiers est riche de quatre foyers différents et on a eu des altercations entre jeunes euh, des foyers. Donc, euh, les RICS, c'est au sens général du terme. On ne veut pas focaliser uniquement sur les RICS interquartiers. Sur la deuxième question, les RICS, ce n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. C'est, j'allais dire, un, une cause, euh, un constat qui doit être comporté par l'ensemble des acteurs de terrain. Et là, vous en êtes un, un très bel exemple qui illustre tout cela. Les parents, le tissu associatif, les éducateurs spécialisés, la collectivité, la justice. C'est un travail où toutes les personnes, malgré nos différences professionnelles, on doit se retrouver sur un terrain commun dans l'intérêt du public jeune. Donc c'est une responsabilité collective. L'objectif de ce débat, c'est de mettre surtout en avant les initiatives qui ont été portées par les acteurs de terrain et il y a bon nombre d'actions qui ont été faites. Les modalités de fonctionnement de cette conférence, parce que vous, vous doutez bien qu'on a posé un petit cadre. Alors le format va être légèrement changé, c'est-à-dire qu'on avait prévu deux heures et je vous propose pour ceux qui pourrait rester avec nous un format de trois heures grand maximum en sachant que je vais vous présenter des slides de présentation qui vont vous permettre peut-être d'appréhender au mieux ce que c'est l'ERICS, et ensuite on donnera la parole aux différents pôles le pôle parlementaire le pôle éducation nationale et le pôle acteurs de terrain à la fin sur la dernière demi-heure on laissera la possibilité aux invités aux personnes présentes de poser des questions aux différents acteurs euh, ici sur scène. Voilà. Je vais peut-être présenter euh, les euh, deux personnes qui vont euh, co-animer euh, cette, euh, cette conférence débat. Je laisse euh, l'agente féminine peut-être se présenter. On peut applaudir Tarek, hein, toujours euh, aussi bon au micro. <laughs> merci beaucoup. Alors merci beaucoup de cet accueil à Villiers-sur-Marne. Euh, voilà, où je m'en détache pas et je m'en détacherai jamais. Euh, donc merci d'accueillir aussi cette conférence Rix, comment les prévenir, puisque maintenant, euh, ça fait euh, plus de deux ans que nous sommes sur cette thématique avec nos acteurs de la société civile. Euh, donc dans des dispositifs depuis quatre ans maintenant sur Action Quartier, donc un dispositif qui, a, qui, qui appartient aujourd'hui au gouvernement, et notamment pour une cause.fr, où là, vous avez beaucoup de causes. Euh, je suis responsable de mobilisation. Euh, ville et quartier sécurité défense et je me suis dit là c'est un moyen aussi pour se faire entendre et pour rassembler en effet tous ces acteurs de la société euh, et, et de parler d'échanger sur alors non pas parler pour parler mais faire et être force de proposition merci à vous et enfin, pour terminer cette présentation, Tarek Ben Mansour, je suis le directeur médiation, prévention et coordonnateur du CLSPD ici à la ville de Villiers-sur-Marne. Euh, les présentations étant faites, alors vous doutez bien qu'en période de crise sanitaire, on va vous demander de garder euh, vos masques et de bien respecter euh, les gestes de distanciation. Euh, les sources que j'ai utilisées pour illustrer tous mes propos euh, au niveau des différents slides que vous allez avoir, alors je me suis renseigné parce que c'est extrêmement riche en termes d'informations. J'ai pris des articles récents, notamment sur l'Humanité, Libération, Actu Val-de-Marne, l'article du Parisien. Alors on a utilisé aussi le recueil de témoignages qu'on a mis en place. On a utilisé comme, comme ressource le plan interministériel de prévention de lutte contre les violences liées aux bandes et aux groupes informels. Et enfin, la stratégie parisienne de prévention des risques et euh, un ouvrage qui s'intitule comment sortons de la délinquance ce sont les différentes sources que j'ai utilisées pour vous parler un peu de, de cérix. J'aimerais saluer la présence de madame Anne-Marie Bazot, directrice académique de, des services de l'éducation nationale. Si elle est parmi nous, en tout cas, elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Madame Fatima Marzouk, conseillère technique, établissement vie scolaire. Monsieur Antoine Arqui, qui est conseiller de la directrice académique en charge de la jeunesse, de l'engagement et des sports. J'aimerais remercier la présence de M. Samir Moudir, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse. M. Omar Deret, délégué du préfet, ici présent. Un grand remerciement à Mme Sabine Patou, conseillère départementale. Monsieur Youssef Jabeur, principal du collège Pierre et Marie Curie. Et j'aimerais excuser Monsieur Hagenauer, qui est le principal, donc, du collège Les Prunets. Le député d'Escrozailles, qui euh, s'excuse de ne pas être présent et qui nous l'a indiqué euh, hier. Et euh, j'aimerais aussi saluer la présence, donc, de Monsieur euh, Daboval, médiateur euh, de la République, mais on dit euh, maintenant défenseur des droits. Voilà. Donc, les présentations étant faites, je vous propose, donc, de vous présenter un PowerPoint qui n'a de valeur que ce que je lui donne. C'est juste histoire de poser un cadre et de savoir de quoi on parle et de quoi on va discuter. Non, il y avait, il y avait juste une, un petit questionnement sur savoir euh, si je présentais les parlementaires, mais je vais les présenter. Vous inquiétez pas, je vais même vous présenter ce qu'ils ont fait. Tout ça, ça nécessite un travail de recherche et de source. Alors, la première question qu'on peut se poser, qui est extrêmement important et qui nous permet de définir le débat, c'est qu'est-ce qu'une bande Parce qu'on entend parler de bande. Alors Selon le ministère de l'Intérieur, une bande c'est un noyau dur de trois personnes. Mais certains, certains acteurs de terrain, ne parlent pas de bande. On parle de meute, on parle de groupe. Mais le, beau, le mot bande est très rarement utilisé, en tout cas par les acteurs de terrain. Le droit, d'ailleurs, a consacré le terme de bande organisée pour dessiner des, des groupes criminels. Vous avez le sociologue Marwan Mohamed, qui est un sociologue, j'allais dire, de grande réputation, en tout cas sur les, les quartiers et les les témoignages que vous avez là, ce sont des témoignages qu'il a eus en observant euh, le quartier des Hautes-Nous. Et il dit tout simplement que les jeunes eux-mêmes mettent à distance ce mot bande. Ils ne se reconnaissent pas à travers cette définition. Et d'ailleurs, sociologiquement parlant, il n'y a pas de définition sur le mot bande. Il y a juste des critères de définition. Ce sont euh, des jeunes qui possèdent un même fonctionnement. Ils sont volontairement conflictuels avec leur environnement et très expressifs sur la place publique. Hein. C'est un groupe de copains. Ils ont des pratiques instituées, des fonctions qui se perpétuent et qui leur apportent des compensations sociales, ce qu'ils n'ont pas ailleurs. Ils le retrouvent à travers leur père, à travers donc le groupe. C'est le, le décalage qu'il y a entre la France et Hollywood, quoi. les États-Unis. Les États-Unis, il y a véritablement des gangs, des bandes, mais en France, il n'y a, a pas de bandes. Fut un temps, il y avait des bandes, c'était les apaches, les bousons noirs, comme les cite Monsieur Marwan Mohamed, les zoulous ou les requins vicieux, pour ceux qui connaissaient. Je fais référence aux, aux auteurs du livre Quartier de combat. Aujourd'hui, les, euh, les, les bandes, comme on les qualifie ou comme les qualifierait la, la préfecture, ils se distinguent, Marwan Mohamed dit, euh, parce que ce sont des groupes locaux qui se retrouvent dans des lieux de socialisation issus des différents réseaux. La différence, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, quand euh, on était en bande, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les groupes de jeunes se forment très rapidement à travers les réseaux sociaux et on aura l'occasion d'en parler. Sur le profil des jeunes impliqués dans les RICS, parce qu'il y a un profil, selon la préfecture de police, elle annonce un, non, un âge moyen de 17 ans et 2 mois pour les participants d'ERICS. Il y a eu 104 faits en 2020 qui ont été répertoriés sur le département du Val-de-Marne par rapport aux forces de l'ordre, avec une application de mineurs, notamment de 12 à 15 ans, et l'utilisation d'armes blanches. Donc là, on a carrément euh, la violence banalisée. Et enfin, donc, euh, énormément de mineurs, de plus en plus de jeunes, une dizaine d'années seulement parfois. Alors vous voyez, il bon, y a une petite erreur, mais vous voyez que euh, par moment, on a... 17 ans et 2 mois, on passe de 12 ans à 15 ans pour arriver à après à souvent des, euh, des interlocuteurs qui vont nous dire qu'ils ont carrément 10 ans, il y a des fois. Euh, de plus en plus donc des jeunes de sexe masculin et déjà défavorablement connus des services de police pour des infractions de droit commun. Alors pourquoi intégrer un groupe et la bande comme échappatoire Oui, je pense que la, la bande permet en tout cas euh, aux jeunes de euh, se euh, constituer un statut social de reconnaissance, de gratification d'estime de soi à travers la transgression et ça c'est important de le dire il y a une fonction identitaire du groupe qui permet euh, d'exister et quelque chose d'important qui a été euh, dit par euh, des sociologues c'est que euh, ces jeunes-là ne connaissent pas l'histoire de leurs parents et sont pas du tout aussi euh, ils sont en conflit avec l'histoire nationale ils se situent entre les deux et vous allez voir qu'après ça peut être un combustible euh, favorable au terreau euh, d'Eriks alors les jeunes, ils se socialisent à travers les bandes. Et puis euh, Yazid Karfi nous disait à juste titre qu'à travers les bandes, les jeunes se croient protégés. On peut passer... Euh... L'autre slide vous explique euh, l'origine d'Erix. Alors l'Erix, c'est un phénomène hétérogène. C'est comme une épée Damoclès. On ne peut pas dire qu'on a réglé le problème d'Erix. C'est quelque chose de sous-jacent. C'est quand on pense qu'il est parti qu'il revient. Donc c'est euh, un travail attentif que doivent effectuer l'ensemble des acteurs. Et souvent ceux qui participent au RICS ont un besoin de reconnaissance et cherchent un besoin d'estime de soi. Il y a l'appartenance au quartier qui joue, mais pas que. Ça peut être l'appartenance à un collège. Ça peut être l'appartenance à un club sportif. Ça peut être l'appartenance au sens large du terme. Voilà. Et puis il y a cette forme de compétition, de rivalité, de virilité que se lancent les jeunes à travers ces RICs. Je me suis amusé à faire un, un petit... Euh, un petit schéma des combustibles et des accélérateurs d'erics qui me semble être important. Et je ne vais pas mâcher mes mots, je vais le dire en toute honnêteté, puisque l'objectif du débat, c'est de parler franchement. Vous avez un premier point, qui sont les politiques divergences et les échéances électorales. Ça, ça peut être une source de conflit. Euh, ça peut être de l'essence pour euh, développer des, des problématiques de bande. Pourquoi Quand on a deux territoires avec des étiquettes politiques qui sont totalement différentes, comment voulez-vous que les politiques demandent à leurs acteurs de terrain en tout cas les services de la ville, de se mettre d'accord et de travailler. Donc les différences politiques peuvent être un frein dans, euh, dans ces, dans ces RICS. Les échéances électorales aussi, qui ont été citées à de nombreuses reprises, les présidentielles, souvent on dit souvent que les présidentielles elles se gagnent à travers l'aspect sécurité, ce n'est pas faux, l'une des premières priorités des Français. Les politiques l'ont bien compris, et c'est tant mieux. Ceci étant il ne faudrait pas faire des annonces uniquement pendant les échéances électorales, mais faire que ce soit quelque chose qui soit suivi sur du long terme. Et ça, ce sont des propos que je reprends de M. Yazid Kerfi. Ce sont des propos donc, des différents acteurs que vous avez derrière moi. Les réseaux sociaux, la popularité, faire le buzz, comme dit Moussa Konaté. Ça, c'est important. Les réseaux sociaux, ça a accéléré ces problématiques de RIC, ça les a amplifiées. C'est ce qui permet de se donner rendez-vous très rapidement. Quand on prend WhatsApp, WhatsApp, c'est crypté. WhatsApp, euh, ni même WhatsApp ne peut lire les messages que les jeunes se font, ni même la police d'ailleurs. Donc ça, les jeunes l'ont bien compris. On a aussi euh, d'autres réseaux comme Snapchat, qui permet aux personnes qui l'utilisent, dès qu'ils ont été dès que le message a été lu, le message s'efface de façon instantanée. Donc autant vous dire que ces problématiques, ces réseaux sociaux, on a aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, un réseau qui s'appelait Cité de France. Qui permettait une espèce de petite classification des cités. Alors, peut-être pas forcément sur les rixes, mais sur les, les méfaits que pouvaient avoir des jeunes avec la police et essayer de faire un classement sur euh, le qui fera mieux. Ça, c'est les, les réseaux sociaux. Ensuite, on a les médias. Dans les médias, donc la presse euh, écrite, télé, qui font des, des articles un peu euh, sensationnels et qui euh, rajoutent aussi de l'escalade à la violence. Les filles hein, peuvent être aussi, à un moment donné,. Euh, des, 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 des éléments qui peuvent aussi apporter euh, et engrainer les jeunes à continuer dans ces problématiques de RICS. Et vous avez vu, j'ai mis les grands frères euh, à l'écart parce que euh, dans les différents témoignages qu'il y a eu, les grands frères jouent deux rôles. Il y a le rôle temporisateur. Il y a des grands frères qui sont présents et qui sont temporisateurs et d'autres qui soufflent le chaud, qui euh, ont tout intérêt que ces conflits perdurent et qui font en sorte que ces conflits perdurent. L'échec scolaire. L'échec scolaire, c'est extrêmement important. On a des jeunes qui sont face à des multiples échecs scolaires. Ils recherchent une valorisation personnelle et euh, ils vont se complaire à aller rejoindre leurs pères qui sont dans les mêmes difficultés. Et là, je rejoins un, un ouvrage qui s'appelle Comment sortons de la délinquance On a un doctorant qui s'appelle Valérin Benazet qui disait Ça s'appelle Le Dark Side of Agency. Ça veut dire Ça consiste à expliquer que l'image négative qu'on peut renvoyer aux jeunes le conforte à s'installer durablement dans leurs pratiques déviantes. Ça les incite à cultiver davantage cette image qu'on leur renvoie. En effet, si jamais, à longueur de journée, on dit à un élève qu'il n'est pas bon et on le met dans des situations un peu délicates, ça peut le conforter, j'allais dire, à aller alimenter cette problématique-là. Les jeux vidéo, vidéo c'est problématique aujourd'hui. Hein la différence entre le virtuel et le réel, euh, avec une banalisation de la mort qu'on a dans les jeux vidéo qui est, qui est phénoménale. La justice, la justice aussi peut être aussi problématique, problématique, en tout cas, un combustible de Rix dans le sens où on a des jeunes. Quand ils ont commis un méfait dans ces problématiques de bande ou de Rix vont se glorifier pour certains d'entre eux, vont se glorifier de ce qu'ils ont fait. Un bracelet électronique, une peine de prison devient carrément limite un, un diplôme, devient carrément quelque chose qui va élever la personne plutôt plutôt que l'inverse. La société, l'environnement, le quartier, la famille, les clubs sportifs, bah bien entendu, dans les, euh, dans les QPV, on a ce qu'on appelle les diagnostics territoires de contrats de ville. Et ici, à Villiers, on en a un, qui tend à réduire les inégalités qu'il y a entre le quartier prioritaire et le reste de la ville sur des items qui sont euh, la santé, euh, l'emploi et d'autres items. Donc, euh, le quartier prioritaire a des difficultés, des difficultés, c'est-à-dire en termes d'écart par rapport au reste de la ville, qu'il faut essayer de compenser, et ça, ça peut être problématique. On a dans ces diagnostics qui sont faits dans ces euh, diagnostics territoriaux sur le quartier des hauts par exemple, on a beaucoup de familles monoparentales. Les familles monoparentales, pas que, hein, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, peut être aussi quelque chose qui peut euh, être compliqué dans la gestion euh, des rixes et l'accompagnement de son enfant. Et les influences musicales. J'ai tendance à dire à ma fille de 16 ans, euh, fut un temps, le rap avait une valeur. Il y avait des, il y avait des paroles, il y avait des textes qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui étaient intéressants. Aujourd'hui, le rap, il est plutôt à l'inverse. Il est à l'image de notre société, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement violents. On a des jeunes qui s'illustrent en cagoule avec des kalachnikovs qui pointent du doigt d'autres quartiers. On en arrive à des, à des scènes qui sont surréalistes. Ça, ce sont les combustibles d'Eric. C'est pour illustrer tout ça, je vais. Euh, vous donner quelques petits propos pour l'environnement. Il y a quelqu'un qui a dit euh, Les rixes de jeunes sont avant tout de la responsabilité du monde des adultes où règne la violence par écran interposé et le culte de la compétition et de la concurrence. Et quelqu'un d'autre ajoute une mère de famille d'ailleurs nos enfants sont à l'image de notre société, et ils en sont le parfait reflet. Pour les réseaux sociaux et jeux vidéo, on a les bagarres existent depuis longtemps, le phénomène n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est son amplification par les réseaux sociaux et les médias. La violence devient un spectacle, il y a une confusion entre le virtuel et le réel, et celle-ci, j'aime bien. Avec leur téléphone et sur les réseaux sociaux, c'est une phrase de Yazid Kerfi, ils s'insultent en distanciel, puis ils se battent en présentiel. Pour les politiques, un interlocuteur nous a dit Je suis pour que les élections présidentielles ne se gagnent pas sur la sécurité, mais sur la prévention. Et enfin, vous voyez un, un, un petit item qui dit que la, la prévention des c'est quelque chose qui est dur à appréhender, euh, qui nécessite prendre en considération le jeune dans son parcours individuel, donc il faut mieux le connaître, connaître sa famille aussi, c'est extrêmement important, et puis euh, s'appuyer aussi énormément sur l'analyse des professionnels et acteurs de terrain. Et ça vient, cette source-là, de la stratégie parisienne des RICS. Et quand je parle des acteurs de terrain, c'est la société civile, c'est les médiateurs, les éducateurs, les parents, tous ceux qui souhaitent s'investir pleinement. Encore une fois, les RICS n'appartiennent à personne. Elles appartiennent à ceux qui ont envie de s'en saisir et ceux qui ont envie de faire des choses. Alors juste avant de vous présenter peut-être les différentes typologies de jeunes et de degrés d'implication qu'on peut avoir, je vais vous présenter une petite vidéo qui a été réalisée par la scolarité animée qui sont présents et on va en parler tout de suite après. Donc petite vidéo de la scolarité animée, c'est parti. Mais je suis choquée carrément à la société d'Amérique, tu gêne Non, Mais attrape ces cheveux, tu joues à quoi là Parle pas chez moi, il frappe là battez-vous, vous êtes là vous pour voter pour rien, à vous êtes sur les réseaux Vous êtes là, vous ouvrez grand vos bouches et là, il n'y a plus personne Allez, battez vous ma gueule Je, je, je vais appeler les surveillants ou, ou la CPE hein Ok, j'y vais Il y a une faut que j'appelle la police. Euh, Allô ah la police, je vous appelle pour une bailleur devant le collège. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, énormément. C'est un risque scolaire. Oui, vous arrivez à cette Pas que c'est papa. Non mais arrêtez de vous bagarrer Vous vous battez pour rien Juste pour ça Vous abusez, vous abusez Il n'y a pas que les bagarres dans la vie Vous savez que vous venez Parlez un peu, non Qu'est-ce qui se passe? Il y a une, une bagarre derrière Le les collègues, on trouve des mecs pour une gueule. Mais où? Oui oui, mais où? Mais où? Mais Mais où? Mais où? Mais où? Mais où? C'est ça, en fait? Là, je suis sautée là. Wesh! Oui. Mais oh my god, c'est quoi? Cool. On est au combat, tu crois, moi? Mais elle a rien fait! Mais, mais arrêtez! Mais arrêtez! En train de se battre, Et heureusement, je suis une pauvre bon. En tout cas, euh, là, je suis grave dans sur ma folie. Donc, là, si vous voyez, vous allez dire Ah, mais pourquoi j'étais malade, j'ai tout raté. Si elle se bat, elle se bat avec moi. Tu la touches pas, tu la menaces pas. Si tu veux la frapper, tu me frappes moi aussi. Vas-y, viens, attends, touche, vas-y, touche-moi. Touche -moi. Alors j'aimerais qu'on applaudisse les enfants de la scolarité animée qui sont présents du service municipal de la jeunesse. Si vous pouvez vous lever d'ailleurs, levez-vous. C'est ceux qui ont participé à, à tout cela avec leur animatrice, donc Betty Pourpoint. Vous pouvez vous, pouvez vous asseoir. Hop. Et donc du coup, ces jeunes-là, il faut savoir que non seulement ils font partie de la scolarité animée du service municipal de la jeunesse, mais pas que. Ils ont participé pour certains d'entre eux à la formation de médiateurs par les pairs qui a été faite au sein du collège les prunais, hein, vous m'avez regardé madame Gousseff qui est CPE du collège des prunais parce que j'ai tendance à inverser donc du coup il euh, y a une formation de médiateurs par les pairs qui ont été faits et ce que vous venez de décrire c'est extrêmement intéressant puisque ça permet aussi d'avoir les différents profils, les différents acteurs mais avec une vue personnalisée de la part de nos jeunes, je rappelle juste ces personnages, l'engraineuse la poucave la pas le passant, le médiateur le chauffeur d'ambiance, les choqués euh, le séparateur le cinéaste et l'empathique. Voilà donc les différents euh, euh, personnes qui sont, euh, qui sont présentées ici. Là, vous avez une typologie euh, des jeunes avec leurs différents degrés d'implication. Donc trois catégories de jeunes. Vous avez donc les obligés. Les obligés, ce sont ceux qu'on retrouve dans les RICS et qui sont les plus nombreux. Donc euh, ils viennent témoigner une certaine solidarité au groupe. On est là donc pour euh, montrer qu'on est fidèle au groupe, fidèle au quartier. Et pourquoi Parce qu'on subit une certaine pression et il y a une crainte du candidaton, c'est-à-dire que si on ne va pas avec l'ensemble de ses pairs, on risque de, bah, de traîner une image qui ne soit pas une image très valorisante. Ça, ce sont les obligés. On a un deuxième profil de catégorie de jeunes dans cette typologie, on a les engagés. Les engagés, eux, ont une affiliation beaucoup plus forte au groupe que les obligés. Ils se confortent dans le renforcement à l'estime de soi et ils ont une sociabilité avec un rattachement aux amis du quartier et eux, par contre, ont une vision décomplexée de la violence. Et enfin, les incitateurs, qui est le troisième, jeunes avec un fort degré d'implication dans les embrouilles et incitant au maintien d'un climat de tension, utilisation possible des réseaux sociaux pour provoquer des bagarres, rapport à la violence banalisée, empathie face à la violence. Je vais poser quelques petites questions et je vais commencer par les acteurs de terrain. Je vais demander juste à M. Yazid Kerfi de se lever, juste pour qu'on puisse vous identifier. Voilà. Voilà monsieur Yazid Kerfi, maintenant vous pouvez vous asseoir et je vais vous donner le micro monsieur Yazid Kerfi à moins que vous souhaitiez parler devant, c'est comme vous voulez, vous pouvez rester directement sur place. Voilà donc le micro et je vais vous présenter qui ce monsieur parce que c'est quand même une personnalité. Ce monsieur c'est il est consultant en médiation urbaine, titulaire d'un DESS en ingénierie de la sécurité obtenu à l'Institut national des hautes études de sécurité et de la justice. Il a été nommé au Conseil national des villes de 2003-2005, fondateur de la médiation nomade. Il a un camion, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est devant. Il est devant. Il a un camion où il sillonne euh, différents quartiers. Il va à la rencontre des jeunes, notamment euh, sur les horaires où euh, l'administration ne fonctionne pas, c'est-à-dire sur les horaires de nuit. Et il essaye d'établir et de garder un, un, un contact, un lien avec les jeunes. Il est enseignant à l'Université de Nanterre et auteur des livres repris de justesse et euh, guerrier non violent, et je terminerai juste sur ça pour euh, la présentation, c'est quelqu'un qui a l'initiative de nombreuses actions préventives, et il a mis en place un, une manifestation qui s'appelle La nuit nous appartient. On avait déjà participé il y a fort longtemps de cela. Très intéressant de voir ce qui se passe la nuit, parce que la nuit, c'est le côté obscur de la force. Et donc du coup, c'est le côté qui échappe à tout le monde, d'ailleurs. Et le fait d'avoir un intervenant qui euh, met en place ce type de colloque, c'était intéressant. J'ai participé récemment au colloque que vous avez fait à Condorcet, c'était sur le rapprochement police jeune. Et très intéressant. Alors, monsieur Yazid Kerfi, maintenant qu'on a fait les présentations, petite question qui va vous concerner est-ce que les problématiques de Rix elles sont diurnes ou euh, nocturnes Est-ce qu'elles interviennent de jour comme de nuit ou, euh Actuellement, quand on les voit, c'est vrai que ça a lieu plus la journée puisque le public est dehors et comme. Euh les bagarres et tout ça, c'est un spectacle. Donc, ils ont besoin qu'il y a du monde qui la regarde. Donc, c'est sur l'espace public à l'heure où il y a beaucoup de monde. Parce qu'en même temps, ils se filment. Donc, ils ont besoin d'être vus. Bah, plus c'est violent, plus ils ont l'impression de se valoriser. Donc, actuellement, quand on regarde les, les chiffres et tout ça, c'est beaucoup plus en journée qu'en soirée, quoi. D'accord. Donc, c'est la journée. Très bien. Et alors, est-ce que c'est un problème euh, sociétal fondamentalement masculin ces problématiques de rix ou est-ce que on a la gente féminine qui, euh, qui est concernée Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler que des garçons. Est-ce que la fille est-ce que les filles ont leur place dans les rixes C'est beaucoup plus les hommes, et de plus en plus, la montée des, euh, des bandes de filles, de la violence des filles est de plus en plus importante aujourd'hui. Parce qu'elles vivent un petit peu les mêmes situations que les garçons le mal-être, la stigmatisation, la, euh, la dévalorisation, le sentiment d'exclusion, le sentiment d'injustice. Et quand on met plusieurs personnes en colère ensemble, la colère parfois se transforme en haine. Dans la colère, on peut avancer dans la haine, forcément, on détruit les personnes qui sont en face de nous. Quoi. Donc les RICs c'est asexué. Ça peut concerner aussi bien les garçons que les filles, quoique là, c'est un peu plus les garçons, mais on a, d'ailleurs, à titre d'expérience, les, les, les méfaits là qui se sont commis, les RICs intercollèges, euh, c'était euh, avec des, des filles. C'était pas des, des garçons qui étaient concernés. Donc du coup, ça peut concerner aussi le public féminin. Une autre question. Vous avez dit sur un article de presse que vous faites état des problématiques de RICs, Vous parlez de l'impact désastreuse des réseaux sociaux. Que faudrait-il faire pour, pour stopper cette hémorragie si tenter qu'il y ait une solution par rapport à cela. D'abord, c'est une histoire de rencontre. Moi, je travaille beaucoup la nuit dans les quartiers et autres. C'est un monde de jeunes sans adultes. Les adultes sont de plus en plus absents sur l'espace public. Donc les jeunes entre eux, la sécurité, c'est de se mettre entre eux et au bout d'un moment, ils se mettent contre les autres. Non, ce qu'il faut, c'est être avec eux. Quoi. On ne résoudra pas les problèmes de, de RIX seulement sur les conséquences. Il faut regarder les causes, le sentiment d'exclusion, d'être tout seul, d'être abandonné. Et la question, le mot amour est le mot le plus important. Ils ont vraiment l'impression que, que les gens ne les aiment pas. La première chose que je me dis, les jeunes, ils disent les gens ne nous aiment pas. quoi. Et donc, au bout d'un moment, quand ils ne les aiment pas, ils peuvent considérer, considérer les gens comme des ennemis. Et pour exister, la violence, pour certains, c'est une façon d'exister, malheureusement. Quoi. Très bien. Je vous remercie, M. Yazid Kerfi. Et quel est, selon vous, le travail collab collaboratif que doivent effectuer les, les acteurs de terrain? On l'a cité, hein, on a des, des expertises professionnelles qui sont différentes, qui se rejoignent par moment, qui s'éloignent par moment. Comment dans l'intérêt du public jeune, on doit être amené à travailler ensemble, que ce soit avec la société civile, les services de la ville. Les éducateurs, les forces de sécurité, vous l'imaginez comment dans un monde meilleur C'est le rôle de tout le monde. moi je dis toujours que le problème des jeunes, c'est d'abord un problème d'adultes. Tant qu'on n'a pas réglé le problème chez les adultes, on ne réglera pas le problème des jeunes. À chaque fois que je vais dans un quartier, j'arrête de regarder ce qu'on me demande de regarder. C'est les jeunes. Je regarde, mais où sont les adultes Les adultes, c'est tout le monde, c'est aussi les parents, c'est les travailleurs sociaux, les partenaires. Et forcément, non, il y a un gros gros travail de partenariat à faire. Il faut que tout le monde soit ensemble, mais pas que les professionnels, mais les habitants et les jeunes eux-mêmes, les jeunes eux-mêmes qui sont dans les RICS, sont une partie de la solution. Si on écoute tout le monde, sauf les principaux concernés, on aura tort. Donc il faut transformer les leaders négatifs en des leaders positifs. en mettant, Et ça, à condition qu'on. On fait avec eux des actions citoyennes, mais euh, moi je crois en la jeunesse. Ils sont beaucoup une partie de la solution. Plus on va les écouter, plus on sera sur le terrain, plus on aura des pistes de solution. Si on réfléchit de tout en haut par rapport à des gens qui sont tout en bas, on sera toujours à côté de la plaque. Mais c'est vraiment un travail de partenariat. On s'aperçoit que souvent, beaucoup de partenaires, y compris les habitants, qu'on n'écoute pas suffisamment. Que puissent, à un moment donné, aller sur le, sur le terrain ensemble, quoi. Parce que les RICS, c'est une extrême minorité de personnes, en même temps. Alors qu'on est une grande majorité, si la majorité intervenait sur la minorité, il n'y aurait plus de problème. Mais ça, en fin de compte, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand monde qui intervient à ces moments-là, quoi. — Donc si j'ai bien compris, il y a vraiment une prise en considération du jeune dans sa globalité, y compris en amont. Et ça, c'est important. Et souvent, dans les RICS, on intervient peut-être en situation d'urgence. Pour certains, en tout cas, euh, pour d'autres, il y a cette anticipation de travailler en amont et de travailler après. Donc ça, c'est bien aussi d'intégrer le jeune dans cette prise de responsabilité. Euh, très bien. Je vais poser d'autres je vous remercie, monsieur Yazid Kafi, je vous laisserai le, le soin, vous pouvez l'applaudir parce que c'est vraiment une. Alors moi, ce que j'apprécie chez Monsieur Yazid Kerfi c'est que vous avez, et je vais me permettre de le dire, hein, vous avez un franc parler que j'apprécie énormément. Voilà, c'est-à-dire que vous dites, euh, vous murmurez à l'oreille des grands ce que vous pouvez dire, parce que vous avez, euh, j'allais dire, toute l'expertise du terrain à faire valoir. Et donc ça, c'est très intéressant. On n'est pas là pour faire de la langue de bois ou pour se faire plaisir. On est là pour dire les choses telles qu'elles sont, et ça, c'est important de les, les dire. Merci bien. On va je vais poser peut-être une autre question et là je vais présenter, je vais demander juste à Zakaria, à et Abdoulaye de bien vouloir se lever juste pour qu'on les identifie. Voilà, ils sont présents ici et eux, on va vous les présenter, ils ont écrit un bouquin qui s'appelle Quartier de combat, les enfants du 19e arrondissement. Vous pouvez vous asseoir messieurs. Et donc du coup, on va vous poser quelques questions puisque c'est c'est important. Alors c'est Abdoulaye Abdoulaye, juste une petite question. Pourquoi avoir écrit ce livre « Combat de quartier » et d'où est partie cette initiative littéraire Est-ce que c'est un héritage préventif que vous souhaitez laisser aux plus jeunes Bonjour. Euh, « Quartier de combat », le titre du livre, euh, en fait, l'idée nous est venue euh, par, nos, par, par nos combats, on va dire, associatifs à Moëzac depuis 10 ans, notre vécu aussi dans le 19e arrondissement et... Euh, Force de faire des actions, de, de, de parler, d'échanger avec les pouvoirs publics et puis euh, certains habitants, on, avait on, a, on a eu à un moment donné l'impression de ne pas être assez entendu. Et puis bah, à un moment donné, on s'est dit bah, Zach est venu me voir, moi j'étais plutôt sur un documentaire et lui euh, m'a dit bah, vous voyez, pourquoi euh, on ne raconte pas nos histoires à nous voilà, que ce soit euh, comme on a l'habitude enfin souvent entendu et vu euh, raconté par d'autres des journalistes ou autres que' euh, voilà, ils font faut leur boulot euh, sur certaines choses mais euh, Et puis quand vous parlez de quand on parle de l'héritage c'est vrai que concernant euh, par exemple quand on, nous on se dit euh, je sais pas moi par exemple je suis, euh, je suis né au milieu des années 70, on a traversé euh, l'époque voilà, des années 80, 90, la 2000, 2000... On, parle, on a l'impression, depuis 40 ans, en fait, qu'on est... Euh, le, ce problème de risque, il ne change pas. Et euh, là, comme on est en train d'en de discuter aujourd'hui, bon, pour moi, c'est clairement de pire en pire, puisque ça atteint les jeunes de plus en plus jeunes. Et euh, voilà, trop de, trop de morts inutilement, et... Euh, les acteurs, euh, j'ai envie de dire, que soient nous-mêmes parents, acteurs associatifs ou acteurs politiques ou acteurs de tout bord, comme euh, disait euh, Yazid, pour, Yazid, derrière pour moi qui a super bien résumé le tout. Et je suis entièrement, euh, franchement, il y a, pour moi, il a oublié pratiquement rien du tout. C'est euh, voilà, c'est tout simplement ça. Vraiment, c'est nous on a écrit à force, pour laisser en même temps euh, comment c'est passé à, une, à, un, à un temps donné, à une époque et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et euh, franchement, sur le, euh, voilà, sur, le, sur le déroulement du livre, euh, on a fait en sorte de n'oublier euh, personne. Vous l'avez le livre là Oui, oui. Voilà, a, vous voilà. pouvez présenter juste la couverture. Voilà, Quartier de combat pour ceux qui souhaitent euh, le lire. Très, euh, très beau livre, en tout cas, sur, euh, sur les, les problématiques de Rix. J'aimerais vous poser une autre petite question. Alors après, vous partagez la parole, vous ouais. décidez, vous avez un micro pour deux. C'est comment vous expliquez euh, ce déchaînement et déferme, déferlement de, de violence qu'il y a entre les jeunes Je cite. Un témoignage qui a été fait, je ne citerai pas le nom de la personne, mais c'est une victime qui dit, j'ai reçu des coups de barre de fer, des coups de béquille, j'ai reçu 12 coups de couteau, ça a duré une heure. Une heure à être tabassée, la plus petite lame, si je m'en souviens bien, elle faisait 20 centimètres. Ce n'est pas de simples couteaux. Ça vous fait quel effet Moi j'ai l'impression, quand, quand j'entends ça, j'ai l'impression d'être en pays de guerre. quoi. Je me dis, il y a un truc qu'on a loupé. C'est clair que nous-mêmes, j'ai envie de dire, ayant été à un moment donné de notre vie à la place de ces jeunes, on se sent aujourd'hui dépassé. Et euh, franchement, je rebondis. Vous êtes obligé de rebondir à chaque fois sur ce que Yazid disait tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, je me dis, c'est vrai qu'il faut aussi écouter ces jeunes. Écouter et pas à chaque fois les laisser, enfin les laisser livrer à eux-mêmes, se sentir exclus dans le foyer, à l'extérieur. Et euh, dans, voilà, dans toutes ces choses-là. Et là, comme on dit, bon, c est, les réseaux sociaux, c est, en fait, on a, même médiatiquement, c'est trop banalisé. Et on a l'impression que les jeunes se disent bah, plus j'en fais, plus on parle de moi. Mais est, euh, le constat, il est, euh, le regret, il est quand À quel moment Je Alors, pense qu'il n'y a pas le recul et la maturité à ce moment pour se dire euh, vraiment, j'ai fait quelque chose qui va pas. Mais on est dans un univers et dans un monde à ce moment-là qu'on se dit euh, c'est normalité. Alors justement, cette normalité, on va, on va en parler pendant tout le temps de ce débat. Il y a aussi, dans le recueil de témoignages, vous dites hein, cette phrase-là, les jeunes de chez moi ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas s'ouvrir l'esprit. Limite, ils vont au café, mais pas plus. Et c'est le problème des jeunes, ils sont accrochés à leur quartier. S'ils voyageaient, s'ils quittaient juste leur territoire, leur esprit s'ouvrirait, il s'ouvrirait de lui-même, et là, vous découvrez une autre personne. Mais en restant dans son quartier, avec les mêmes têtes, les, pr les mêmes problèmes, ça ne va pas. Est-ce que véritablement vous pensez que euh, extraire des jeunes du quartier, leur proposer des activités, ça peut aider à, à déconstruire ces problématiques de RICS ou pas Alors, Vous parliez euh, d'occuper. C'est votre collègue qui juste, l'a. Euh, oui, oui je, vous disiez je, que les. Je vais passer d'abord Lazac, mais juste pour rectifier, c'est les. Non, on ne dit pas les jeunes ne veulent pas. Ne veulent pas. Est-ce est qu'on leur offre réellement cette possibilité de sortir, d'être de, acceptés dans certaines structures autour des fois, il y, a des, euh, il y a des choses très insidieuses, il y a des petites ségrégations, il y a des endroits, il y a des lieux. Je ne sais pas, moi, dans le 19e arrondissement, moi, pas, euh, je ne pointe pas du doigt, mais peut-être, oui, en même temps, par exemple, à la Philharmonie, je... nous, on est une association dans le quartier il y a eu la fondation P.G. Euh, qui, qui a été là. Qu'est-ce qu'ils font réellement Qu'est-ce qu'ils font réellement pour ces jeunes Moi, quand on a fait certaines réunions, c'est euh, on va discuter avec euh, les plus jeunes qui sont. En... Certes, les primaires en ont besoin. Mais les jeunes qui en sont en l'âge d'adolescence, de, de, bon, j'ai vu de but en blanc que il euh, n'y avait pas forcément de solution et que personne euh, n'allait euh, à leur rencontre. Oui, donc c'est important le, de créer du lien, d'être présent sur le quartier, de pouvoir occuper ces jeunes. Dans le recueil de témoignages, on parle de l'oisiveté qui peut être aussi un terreau favorable au RICS. Et plus on laisse les jeunes livrés à eux-mêmes, plus on peut avoir des déviances et des déviances en tout genre. quoi. Donc, euh, occuper, proposer, être présent, les écouter. En tout cas, ça semble être quelque chose d'extrêmement euh, important. J'aimerais juste euh, dire une petite phrase. J'ai cité cette phrase-là de, 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 de partir à l'extérieur. Il y a ma fille qui a, qui a 16 ans qui a, qui, qui a souhaité mettre cette phrase-là. Elle m'a dit c'est un chanteur de rap qui l'a écrit, mais je vous la livre quand même parce que ça me semble être important. Tu ne guéris pas de l'environnement qui t'a rendu malade. Donc, du coup, peut-être la nécessité de faire sortir ces jeunes. D'un environnement qui peut parfois, parfois je dis bien parce que je ne veux pas qu'on tombe dans la stigmatisation en disant les quartiers sont source de problèmes, ils sont source de joie, ils sont source de, de plein de propositions. Donc j'aimerais aussi qu'on rétablisse un peu le, le, le constat. Un grand merci à, à Zacharia Alors, et à. Vas-y Selma. J'avais une question. Alors petite importante. question. Vas-y. Euh, par rapport à cet ouvrage, cet héritage, euh, pour vous, ça serait un outil de prévention au final oui, c'est un outil de prévention. En fait, c'est vraiment euh, une certaine, euh, dans, Il y a certains thèmes qui montrent même, par exemple, je sais pas, il a, le. Euh, par exemple, quand on prend la partie du dealer de crack qui a grandi euh, à Stalingrad, dont on parle énormément aujourd'hui euh, avec tout ce qui se passe, euh, qui, a être, qui a failli être footballeur et malheureusement ça ne s'est pas bien passé en centre de formation et qui, du coup bon, il est revenu euh, dans le quartier. Il a été impacté, impacté par le négatif. Euh, du, on va dire du quartier. D'accord. On peut l'applaudir et je vous invite vraiment à lire euh, quartier, euh, quartier, de combat. Vraiment un, un, un très beau livre. Un grand merci. On reviendra sur les acteurs. Vous inquiétez pas. Et je vais euh, passer peut-être euh, la parole aux parlementaires, mais je vais les présenter avant tout. Et je, vous inquiétez pas, je présenterai euh, chacun, euh, chacun d'entre eux. Le monsieur ici que vous voyez, c'est monsieur le député Fauvergue. Et euh, je vous remercie de votre participation. Parce que euh, au-delà d'être député, je pense que c'est euh, la Rolls-Royce. Je me permets cette familiarité qui peut qui peut mieux nous parler de sécurité que vous, monsieur Fauvert, puisque vous avez été patron du RAID de 2013 mille treize à deux mille dix sept, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la sécurité française, auteur de trois rapports, deux sur les crédits police gendarmerie, et le troisième comprenant soixante dix huit propositions pour la collaboration entre les différentes forces de sécurité police municipale, police nationale, gendarmerie, mais pas que, aussi avec les sociétés de sécurité. Et c'est ce que vous appeliez d'ailleurs le continuum sécurité. Vous avez présidé la commission d'enquête sur la situation, les missions et les moyens des forces de sécurité en 2019 et 2020. Et vous êtes l'animateur d'un groupe d'études parlementaires sur la sécurité intérieure. Rien que ça. Et vous êtes avilié. En tout cas, un grand merci, monsieur le député Fauvergne. Alors, petite question. Petite question pour, pour vous. Comment les forces de sécurité, police nationale, tout à l'heure, je vous ai parlé des des problématiques qu'on a, euh, qui peuvent être des combustibles aux problématiques de RIX. Il y en a une autre qui peut être une problématique, c'est quand on a deux territoires différents, deux commissariats différents. Et là, ça devient compliqué, compliqué à, à travailler. Et comment comment les, les deux commissariats devraient être amenés à travailler ensemble sur ces problématiques de RIX, hein, quand il y a deux territoires différents et euh, deux commissariats qui sont sur les deux villes euh, ennemies Alors si on peut... Euh... Merci bien. Merci de, merci de me recevoir ici. Merci à tous et à toutes. Euh, la question est complexe, évidemment. C'est la question de la coordination de l'action, euh, d'une manière générale, coordination de l'action entre les divers services de police, euh, d'un quartier à l'autre. Il peut y avoir deux commissariats différents, et effectivement, à partir du moment où il y a deux commissariats différents, comme ce sont des administrations aussi, euh, il n'y a pas que des, que des fonctionnaires de terrain, et eh bien l'information, le, le passage de l'information se fait moins bien. Donc, il faut euh, absolument favoriser le passage de l'information en travaillant sur des, sur des, groupes, euh, sur des groupes qui, qui euh, euh, de manière très pragmatique, vont pouvoir se, ch chacun, chacun s'irriguer de l'information qu'ils ont. Et puis il faut étendre ça euh, non seulement à la police nationale mais à la police municipale. Maintenant, on a de plus en plus de villes avec des policiers municipaux qui sont très présents sur le terrain et qui sont des acteurs de recueil de l'information et de la, de la vision, euh, comment évolue le, le, le quartier, comment évolue une, une, une partie de quartier, etc. Ça, c'est quelque chose d'important. Ces censeurs-là vont récupérer de l'info. Il faut que cette info soit aussi redistribuée à l'ensemble des acteurs euh, préventifs de, de, de l'ensemble du quartier, police, police nationale, police municipale, etc. etc. Donc, d'où la nécessité d'avoir aussi de la présence policière en voisinage de manière empathique sur un certain nombre de... de, de pas, pas que sur les quartiers, d'ailleurs sur un certain nombre de, de géographies urbaines, pour, pour renouer le contact avec un certain nombre d'acteurs, que ce soit des jeunes, que ce soit des commerçants, que ce soit... Ça, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, j'irai, cher Tarek, si vous me le permettez, j'irai dire aussi que... Si on veut arriver à, à, à travailler ensemble sur cet aspect préventif des choses, il faut travailler en amont sur du renseignement, sur la prévention, sur du contact avec, avec les associations, sur du contact avec les administrations. Et, et c'est quelque chose d'important de pouvoir se mélanger. C'est-à-dire qu'il faut faire exactement le contraire du plan, de, 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 du plan que vous nous avez fait. Oui, alors c'est... D'un côté l'association, de l'autre côté, l l côté vous avez raison. Les, les, les élus. Et puis au milieu, la... c'est pas un reproche. Non, monsieur le député, c'est juste, juste, que... juste pour faciliter la visibilité. C'était juste pour faciliter la visibilité, mais vous avez réflexe, raison. C'est juste un réflexe que l'on a trop souvent, euh, de ne pas se mélanger les uns les autres. Et quand on ne se mélange pas les uns les autres, vous avez une bande là, une bande ici, une bande ici... On ne va, on va, on va, va pas faire un fight ou une, une rixe entre nous, on va parler. Mais <laughs> si vous ne mélangez pas, vous n'avez pas d'échange, et les uns ne connaissent pas la sociologie des autres. C'est contre ça qu'il faut lutter. Et le politique, je, je, je parle en, en entre nom, le, le, le politique euh, avec un, un, un grand P, c'est-à-dire la personne qui s'occupe du, du, du police, de, de la cité, euh, elle, elle, a, elle est obligée de travailler euh, avec les associations d'un le côté, les administrations. Les administrations sont obligées de travailler aussi avec le politique et euh, toutes les autres organisations, la police, la gendarmerie, la police municipale, les services privés de sécurité et les citoyens d'une manière générale. Donc, on voit que ce recueil d'informations. Hein. Non, 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 il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas pris tel que. Il n'y a, a pas de problème. Ce recueil d'informations, il est extrêmement important. On parle souvent de, de mise en commun d'informations et je pense que c'est peut-être la clé aussi d'un accompagnement efficace par rapport à, à ces gestions problématiques de RICS pour mieux les anticiper. J'ai une autre question. On a abordé tout à l'heure des chiffres qui nous ont été donnés par la préfecture de police. Euh, comment la police extrait ces chiffres qu'elle fait valoir sur le nombre de bandes existantes sur le, sur le, le territoire? Est-ce qu'on Dispose d'une cartographie euh, euh, sur le territoire national des faits de RICS et de bandes existantes, si toutefois euh, ça existe. Sur la politique générale de, des chiffres d'un de, certain nombre de faits, alors que ce soit des faits euh, de société, des faits délictuels, de, de tout ce que vous voulez, euh, il faut être très prudent parce que euh, dans ce domaine-là, d'une manière générale, euh, on fait avec ce qu'on a et, et on fait avec des, des recueils d'informations qui nous viennent du terrain et qui sont divers et variés il y a une partie des faits qui passent au travers de ces, ces radars-là, et donc ça n'est jamais une, une typologie complète euh, de, 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 de ce qui se passe sur le terrain. En réalité, euh, les, les chiffres sont intéressants pour nous. En fait, c'est les évolutions qui sont intéressantes. Euh, vous l'avez tous dit, euh, les, 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 les affaires de bandes ou de groupes, ça existe depuis, euh, depuis tout le temps. C'est une forme de sociabilisation des uns et des autres. On a même fait des films, très vieux films, par exemple Wayside Story, c'est une affaire de bande qui se termine mal d'ailleurs. Donc ça existe depuis très très longtemps. Mais pour en revenir aux chiffres, il y a un certain nombre de chiffres, c'est les évolutions qu'il faut voir parce que sans doute que ces chiffres qui sont sur des faits de société ne sont pas très précis. Mais bon, ils ont le mérite d'exister. Mais il faut essayer aussi. Là encore une fois, d'avoir des, des, des recueils sur le terrain qui vont nous, nous renseigner en temps, en temps réel sur, sur une évolution. Vous trouvez qu'on manque de renseignements, euh, M. le député Fauverg Je ne trouve pas qu'on manque de, de renseignements d'une manière générale. Je trouve que les, ces, ces, ces faits-là sont des faits qui sont. Euh, euh, rapidement transformable, évanescent quelquefois, euh, qui, qui évolue très vite. Et je trouve que, on, on, avec les réseaux sociaux en plus, on en a parlé, je trouve que l'évolution des choses nous dépassent et on a toujours un temps de retard, que ce soit les associations, que ce soit les, les administrations, que ce soit les politiques, que ce soit les policiers, etc. On a toujours un temps de retard sur la, la, la réalité des choses. Donc, il faut le, le coller le plus possible à la réalité des choses. Et quand, par exemple, quand euh, deux bandes rivales se donnent rendez-vous sur... Euh, euh, par réseaux sociaux interposés quelque part, il faut pouvoir arriver à le détecter pour éviter... Et c'est souvent difficile. Mais ça, c'est valable aussi pour d'autres choses. C'est valable pour le terrorisme, c'est valable pour les stupes, c'est valable pour tout ce que vous voulez. D'accord. Dernière petite question, monsieur le député. Euh, juste, est-ce que vous pensez que nos forces de sécurité doivent s'adapter à la situation C'est-à-dire qu'on a le fonctionnement traditionnel. Euh, D'ailleurs, il y avait les îlotiers avant qui avaient ce travail de proximité avec la population. Aujourd'hui... Euh, ben, ils n'existent plus, très clairement. Euh, Est-ce que vous pensez, par exemple, à, si je vous cite euh, une expérience qui a été menée euh, à Glasgow, la police écossaise a créé en 2005 une unité de réduction de la violence, qui s'appelle VRU, pour faire face à, de, à un nombre trop élevé de meurtres où les jeunes étaient majoritaires. Plus de dix ans après, le VRU est reconnu comme l'exemple le plus réussi d'une approche de santé publique en matière de réduction de la violence au Royaume-Uni. L'unité comprend des chercheurs, des policiers et des personnes de la société civile. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça, c'est quelque chose de transposable en France Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous ai parlé de sociologie tout à l'heure, parce que la sociologie peut nous apporter des appuis, et aller voir ce qui se passe ailleurs, dans des pays étrangers, d'ailleurs, qui sont bien souvent en avance, pourrait nous être utile aussi pour, pour ces problématiques. Est-ce qu'on pourrait avoir, nous, ce type de, de réforme dans la police française J'ai deux heures, là, pour parler nous. Non, pas deux heures, mais un peu moins, un peu moins. Mais euh, on aura l'occasion, peut-être, de le... Ce n'est pas qu'une réforme de la police française, c'est une réforme de vision de, des choses dans les, dans les, dans, au niveau sociologique. Là, vous êtes en train de me citer l'exemple euh, d'un pays anglo-saxon. Les Anglo-Saxons, d'une manière générale, euh, depuis longtemps favorisent ce qu'ils appellent le community policing et, euh, et donc le, 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 la police de voisinage. La police de voisinage, de proximité, appelez-la comme vous voulez. Euh, quand je dis police, c'est police, gendarmerie, police municipale. Hein, je... euh, elle, elle, en France, elle, elle existe mal. Il y a eu des expériences qui ont été, qui ont été faites, qui n'ont pas résisté. Elle, 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 en fait, en réalité, elle existe... Pas assez sur le terrain. On a essayé de les relancer avec la police de sécurité du quotidien. Il y a eu la. Il y a eu l'épisode Covid qui a freiné un peu ce mouvement-là. Mais la réalité des choses, c'est que, et on le trouve dans la loi que, que j'ai portée avec Alice Toureau, qui est la loi sécurité globale, dans laquelle on parle aussi beaucoup des polices municipales. La réalité des choses, c'est de travailler avec tous les acteurs qui sont sur le terrain. Là, je parle pour l'instant des acteurs euh, régaliens, des acteurs policiers municipaux. Il faut qu'on ait de plus en plus de capteurs sur le terrain. Il faut qu'on arrive à échanger. Et effectivement, dans le cadre de ces échanges-là, il faudra à un certain moment qu'on qu mette aussi au centre de, 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 de ce cadre là des gens qui travaillent des sociologues des chercheurs des, des, voilà qui travaillent sur ce, sur ce phénomène là et qui effectivement, sur ces phénomènes-là, arrivent à réduire ces phénomènes-là. Quand, quand vous parlez de, la, de, de ce qui s'est passé à Glasgow, ils n'ont pas uniquement réduit les phénomènes de rix de, de bang. vous avez aussi une disparition de phénomènes de vente de stupes, vous avez un certain nombre de choses qui s'est passées, et bien, bien évidemment qu'il faut travailler là-dessus dans le cadre de, de, de ce, ce qu'on doit faire dans une politique globale euh, que, que l'on doit faire dans l'avenir, et, et je suis forcément d'accord avec ça. Un grand remerciement, Monsieur le député Fauvert, qu'on peut applaudir de par sa présence. Un grand remerciement, Monsieur le député. Je vais passer la parole donc à la députée Maud Petit ici présente donc députée de la quatrième circonscription du Val de Marne ancienne conseillère municipale à la ville de Villiers avec la délégation de la petite enfance coprésidente du groupe d'études sur la protection de l'enfance vice-présidente de la délégation outre-mer à l'Assemblée nationale et auteur de la loi sur les violences éducatives ordinaires et vous avez été organisatrice d'une réunion publique et c'était le 23 novembre 2019 sur les luttes contre les violences faites aux femmes alors petite question pour vous. madame la députée, maude petit, alors, juste, je vous donne un petit recueil. un petit recueil, je vous laisserai le soin de, de, de me dire qui est à l'origine de ce, de ce petit témoignage. on a décidé de séparer les maires et les députés. la plus grande erreur qu'on ait pu faire, le maire n'a pas le droit d'être député et le député n'a pas le droit d'être maire. aujourd'hui, la plupart des députés Connaissent pas forcément le terrain, donc ils ne peuvent pas faire remonter les vraies problématiques qu'on rencontre. Pensez-vous que la dissociation maire-députée est un handicap pour faire valoir les attentes de terrain Est-ce que ce non-cumul de mandats peut porter préjudice à ces problématiques de rix ou pas Alors avant tout, vous remercier d'avoir organisé aujourd'hui cette conférence qui est relativement intéressante et importante. Et puis pour répondre donc directement à votre question, la réponse est non. Nous ne sommes pas des élus déconnectés. Et je vais vous donner deux exemples pour expliquer ma pensée. Vous pouvez très bien avoir été député et maire. Vous êtes à ce moment-là forcément en connaissance de votre commune, mais vous n'êtes pas forcément en connaissance des communes alentour de votre circonscription. Et ça, vous savez qui me l'a dit C'est l'ancien député maire Jacques-Alain Bénistique. Lui-même le reconnaissait. En début de mandat, nous avons échangé justement. En début de mon mandat, nous avons échangé sur le sujet. Et lui-même reconnaissait que par moment, il était relativement compliqué pour lui d'aller dans les autres communes de la circonscription. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on est un élu local, on a plus de facilité à connaître les difficultés des autres communes de la circonscription. Deuxièmement, nous, aujourd'hui, effectivement, nous ne sommes peut-être pas avec des mandats locaux. Pour certains d'entre nous, c'est le cas, mais pas forcément systématiquement. Et je rappelle qu'un mandat local, ce n'est pas forcément un mandat de maire. Ça peut être un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental, de conseiller régional, par exemple. Euh, eh bien, à partir du moment où nous sommes impliqués dans ce que nous faisons, nous allons sur le terrain. Et je peux vous dire que je connais ma circonscription, je connais les difficultés qu'il y a, par exemple, au Haut-Nou, quand il y en a. J'ai échangé avec des jeunes dans le quartier des Haut-Nou. Je sais très bien ce qui se passe à Sucy aussi de temps en temps. Je sais qu'à certains endroits, à Chenevière, c'est compliqué. Et pourquoi Parce que je travaille intelligemment, et je pense que l'ensemble de mes collègues aujourd'hui fonctionnent comme ça aussi, je travaille intelligemment avec les élus locaux, justement en grande intelligence, et l'étiquette politique, je peux vous assurer, n'a aucune importance. Ce qui est essentiel, en fait, c'est d'être sur le terrain, d'échanger avec les différents acteurs locaux, les jeunes, les familles, les associations, les élus, etc., et de chercher des solutions lorsqu'il y a des difficultés, mais aussi de remonter les choses qui sont bien faites sur le terrain quand elles existent, parce qu'elles servent de valeur d'exemple justement ailleurs. Alors on aura l'occasion de vous faire remonter toutes les actions qui ont été faites par les acteurs de terrain et vous verrez qu'il y en a bon nombre. Une autre question, vous avez été la seule députée de la majorité présidentielle à avoir voté contre la réserve parlementaire, une réserve contre parlementaire qui... Contre la suppression. Contre la suppression. D'accord, ok. Contre la suppression. Est-ce que vous pensez que la réserve parlementaire aurait été quelque chose d'intéressant pour développer des actions et financer des actions sur les thématiques d'ERICS alors moi quand je fais quelque chose, j'assume toujours ce que je fais, même quand ça n'est pas dans, dans le move en fait de la majorité à laquelle j'appartiens. Euh, pourquoi j'ai voté euh, effectivement contre la suppression de la réserve parlementaire? C'est parce qu'il me semblait, en tout cas à l'époque, que c'était un moyen beaucoup plus rapide euh, pour euh, aider de façon ponctuelle des associations, des collectivités territoriales. Euh, je sais que c'était utilisé euh, relativement euh, fréquemment par euh, les anciens euh, parlementaires. Euh, c'était un outil euh, probablement efficace, mais qui manquait aussi de clarté. Et la population française, en fait, avait demandé, euh, parce qu'elle ne connaissait peut-être pas suffisamment ce qu'était la réserve parlementaire, à la supprimer. Il y avait un risque, effectivement, euh, de, de, comment ça en fait, de clientélisme avec cet outil-là. Et ce que je pensais, en tout cas à l'époque, c'était qu'il était nécessaire de mettre un cadre beaucoup plus important, un contrôle beaucoup plus important de ce qui était fait de cet argent, de l'enveloppe parlementaire qui était donnée aux députés, à l'attention, donc en fait, d'associations, de collectivités, etc. Pour moi, il fallait un cadre un petit peu plus défini, un petit peu plus précis et une transparence aussi beaucoup plus importante, de façon à ce qu'on sache exactement quelle somme avait été accordée à qui et pour quelles raisons. Donc une transparence qui n'existait peut-être pas suffisamment à l'époque. Euh, la majorité et le gouvernement ont choisi de fonctionner différemment, avec un autre fonctionnement, avec un fonds qui est aujourd'hui géré par euh, les préfets, en fait, euh, donc par l'État, euh, à destination donc, des mêmes acteurs, hein, des associations, des collectivités. Mais à mon sens, euh, et ben malheureusement, on passe à côté de, de certaines occasions d'aider et de soutenir euh, des associations, par exemple, des qui pourraient lutter. Locales. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être l'affiner encore, le rendre plus accessible. Alors, vous, en tant que député, euh, qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport aux réseaux sociaux Parce qu'on sait que c'est une véritable plaie. Comment les députés peuvent intervenir sur les réseaux sociaux On sait que c'est Difficile, c'est pas que national, c'est international la gestion, et je pense que c'est peut être cet aspect international qui rend difficile l'intervention du député, je me trompe ou pas? Alors pas, je ne dirais pas exactement, et d'ailleurs, il faut savoir que nous avons fait les choses euh, à l'Assemblée nationale. Mon collègue Erwan Balanan, qui est euh, député du Modem comme moi, a proposé euh, euh, la semaine dernière, justement, au vote, sa proposition de loi contre le harcèlement, le harcèlement scolaire. Donc nous avons voté à l'unanimité la semaine dernière son texte, justement, qui fait du harcèlement scolaire une, euh, une infraction à part entière. Ça n'était pas le cas avant. À partir du moment où ça devient une infraction à part entière, ça veut dire qu'il y a une sanction derrière. Donc les choses sont beaucoup plus ciblées et plus définies. Bien évidemment, on ne se contente pas de mettre en place une infraction. Il faut aussi donner les moyens. Eh bien euh, aux services médicaux scolaires par exemple euh, à l'éducation nationale, aux professeurs, aux enseignants à toutes les équipes d'ailleurs qui sont engagées euh, au conseil départemental, par exemple aussi dans la gestion euh, de l'enfance, de, de, de l'éducation dans les collèges, euh, dans les lycées pour la région. Il faut leur donner des moyens. Donc ça peut être des moyens financiers ou des moyens humains. Donc après, à nous de faire en sorte à ce que ces moyens soient, euh, soient attribués lors de votes de budget divers, etc. Mais en tout cas, on a déjà posé une première pierre, une première lecture à l'Assemblée nationale pour un texte contre le harcèlement scolaire. Ça peut faire partie justement euh, des d'IRIX, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce qui se passait au sein de l'établissement scolaire, maintenant sort de ce cadre-là. Et arrive jusque dans l'intime des familles, puisque le gamin qui était harcelé à l'école, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, il peut être harcelé jusque dans sa propre chambre. Enfermé, ses parents ne sont pas au courant, mais voilà. Donc, on a voulu libler, euh, cibler pardon, euh, cette action-là, cibler ces infractions-là. Donc, on travaille comme ça régulièrement. Après, moi, je ne suis pas forcément sur les solutions euh, dans l'action, sur la prévention. Et euh, il ne me semble pas que vous ayez cité le mot éducation. C'est quelque chose qui est relativement important pour moi. Mais quand on fait de la prévention, il faut beaucoup travailler sur l'éducation. D'où la Dès présence de l'éducation nationale. Exactement. Mais l'éducation, pas uniquement éducation nationale. Oui, éducation parents. Mais éducation on aura l'occasion d'en parler à aussi. à la maison, exactement. Et dans ce cadre-là, et c'est pour ça que j'ai fait voter la loi. Vous avez parlé de la loi contre les violences éducatives ordinaires. C'est ce qu'on appelle les fessées, les voilà, les gifles, etc. Je rappelle aujourd'hui, c'est interdit de frapper son enfant, de lui crier dessus pour l'éduquer. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'on a compris grâce aux neurosciences, grâce aux associations, grâce aux médecins, aux pédiatres, euh, aux défenseurs des droits, on a compris en fait que dès l'enfance, en fait, la violence est présente. Et si on supprime cette violence dès l'enfance, dans le cadre familial où il devrait y avoir, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, de l'amour avant tout. Eh bien, si on commence à éduquer l'enfant, à le faire grandir en lui donnant de l'amour plutôt que de la violence, <coughs> eh bien, ça peut aider plus tard justement à éradiquer certaines formes de violence. Parce que la violence dans l'enfance, qu'on en soit victime directement ou victime parce qu'on assiste à un parent qui frappe un autre parent, eh bien, on la retrouve quand on est adulte, soit retourné contre soi-même, on manque de confiance en soi. Euh, on, on se stigmatise, on devient anorexique, etc., etc. Soit une violence contre les autres, ce qui peut expliquer certains phénomènes. Voilà. Donc, moi, je voudrais cibler vraiment sur la prévention. Et, et la prévention, c'est l'écoute aussi des jeunes. Il faut les accompagner. Il faut peut-être, je, je réfléchissais en vous entendant toutes et tous, euh, mettre le sport, le sport de combat à l'école. C'est euh, une proposition qui est faite par. Euh, et pourquoi le sport de combat pourquoi le sport de combat Pourquoi Parce que visiblement, les gamins, ils ont besoin de se défouler, d'extérioriser une, une violence. Et en fait, le sport permettrait de l'extérioriser, mais avec un cadre. D'accord. Voilà. OK, merci Madame la députée Maude Petit. On peut la l'applaudir, la députée Maude Petit. Est-ce qu'on peut passer euh, le slide d'après alors, le slide d'après, il est, il est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, ça tombe bien qu'on soit avec euh, les, les politiques ici en place. On a eu des, des, des propositions qui ont été faites euh, par le gouvernement et des, euh, des propositions qui sont euh, relativement assez intéressantes. Vous avez euh, la, le lancement des fonds Gilets roses. C'est Madame la ministre Nadia Hay qui avait demandé euh, aux maires de famille euh, qui habitent les quartiers prioritaires, mais pas que, de se manifester auprès des préfectures justement pour accompagner les maires de famille qui ne dépendent de personne, qui se sont structurés, qui se sont euh, euh, rendus actrices sans pour autant qu'on leur donne un, un mandat. On leur a attribué un, un fonds. Moi, je serais curieux euh, de savoir si euh, ici il y, y a des mères de famille qui sont présentes, en tout cas des acteurs de terrain. Est-ce que ces acteurs de terrain, vous avez été au courant qu'à la préfecture, vous pouviez bénéficier de ces fonds Gilets Roses pour pouvoir travailler vous individuellement sur vos actions de médiation Est-ce que vous étiez au courant Penda, est-ce que vous étiez au courant pas d'informations dans ce sens Et pourtant, il y avait quand même un, un montant engagé euh, par, euh, par, la ville, euh, par la ville, du moins par, par l'État. Je vais vous dire juste le montant qui est quand même assez, euh, assez intéressant c'est le montant de 2 millions d'euros pour les gilets roses. 2 millions d'euros, donc j'aurais aimé savoir si à un moment donné, et ça on, on verra avec la préfecture, vous faire redescendre des informations. Déjà sur le territoire villéen, s'il y a des mères de famille ou des pères de famille qui connaissaient ce fonds, savoir si vous l'avez sollicité, sachez que ça existe. Sachez que vous pouvez les solliciter. On a aussi euh, les bataillons euh, d'éducateurs et de médiateurs, 300 éducateurs, 300 médiateurs, euh, qui sont très bien, des moyens humains supplémentaires, et je pense que ça manque. Euh, ceci étant, ce sont des moyens humains qui ont été mis en, en place dans des villes de reconquête républicaine. Je prends le cas par exemple de la ville de Champigny, la ville de Villiers. La ville de Champigny peut en bénéficier et la ville de Villiers ne peut pas en bénéficier parce qu'on n'est pas ville de reconquête républicaine. Donc du coup, on se retrouve nous avec à peu près des problématiques similaires, mais on ne peut pas bénéficier de moyens humains ou en tout cas de ces annonces gouvernementales, si ce n'est qu'on peut euh, voir avec euh, l'éventualité de, de, de postes d'adultes relais. Et puis, j'irai très rapidement sur le plan national de lutte contre les bandes, qui c'est un plan où le niveau d'information doit permettre d'avoir une meilleure sécurité et une réponse pénale appropriée. Pour la préfecture, trois évolutions l'augmentation du nombre de RICS et des affrontements violents entre jeunes. Je vous fais l'impasse du reste. En 2021, donc 2,6 millions d'euros pour la prévention de la délinquance. Le FIPD a déboursé 374 000 euros pour des rencontres interquartiers pour la prévention de la délinquance juvénile. La lutte contre les bandes implique une action partenariale sous l'impulsion de la préfecture et du parquet en étroite collaboration avec l'éducation nationale et les collectivités. L'intérêt de travailler euh, en réseau, mais on pourrait en rajouter plein d'autres. Hein. Et on a donc les éducateurs euh, euh, du, du, du Bois Labé. Euh, voilà donc euh, pour ces informations. Tu voulais euh, Vas-y bon, m'entendez alors, je vais, je vais juste revenir sur le lancement des fonds des, euh, des Gilets Roses. Ça a été lancé il y a une semaine. Ah <laughs> Alors, ça a été médiatisé il y a pas ça mal a de temps. Ça a été médiatisé il y a pas voilà. mal de temps. Okay. Euh, Mais c'est bien. J'ai Nathalie au moins. qui est là, qui, euh, qui, a eu, justement, qui a été reçue par, euh, par Nadia Hay, Et c'était à ce moment-là que euh, le fonds a été lancé. Donc, en effet, les mamans qui sont sur le territoire, qui font beaucoup d'actions, notamment associatives, vous devez vous déclarer auprès de votre préfecture, amener toutes vos actions et en effet c'est un fond parce qu'on estime qu'aujourd'hui les mamans sont beaucoup sur le terrain avec leur association, avec leur combat et qu'il est très important aujourd'hui de les accompagner. Sur le bataillon des 300 éducateurs, 300 médiateurs, en effet c'est sur 45 priorités. 45 quartiers prioritaires de la ville dans toute la France. C'est là où on a décelé le plus de, enfin, plus de problèmes qui ont été décelés par rapport à la préfecture et autres. Donc, en effet, il y aura, un, un, il y aura une reconduite par rapport à ça. Donc, à savoir qu'il y a eu 300 éducateurs qui ont été embauchés et médiateurs en juillet. Et là, c'est la finalité euh, du recrutement sur, euh, sur ces éducateurs-médiateurs. Voilà. Bon, ça tombe bien que tu apportes cette précision sur les, euh, les fonds Gilets roses. Donc, du coup, euh, mesdames, si vous souhaitez solliciter... N'hésitez pas, c'est important. Parce que en termes de communication, on a, là on en parle là, mais il n'y a pas de communication qui a été rendue sur, sur cette enveloppe-là. Comment on peut en profiter, en disposer Alors, moi ce que je vous, je vous conseille réellement, évidemment, ce pas des choses qu'on va voir à la télé, ce pas des choses qu'on va nous éduquer. Sur... Aujourd'hui, vous voyez bien ce qui se passe au, au sein des débats, on ne va pas rentrer dedans. Moi ce que je vous euh, là où je vous sollicite, c'est vraiment aller voir sur la plateforme du gouvernement, la cohésion sociale. Allez voir pour toutes celles qui sont sur le terrain et tous ceux, évidemment, euh, sur des appels à projets, sur des accompagnements. Vous avez toutes les informations nécessaires dessus. Donc, n'hésitez pas à aller chercher vraiment l'information sur ces sites là. Merci, Selma. Juste, je vous présente le petit slide parce que je suis aussi le garant du temps et je suis euh, polyvalent. Vous avez les axes du plan interministériel de prévention de lutte contre les violences liées aux bandes et aux groupes informels. Trois axes. Le premier, le renforcement de la prévention et de la détection. Améliorer l'information. Vous vous en parliez, monsieur le député Fauvergne. Et la sensibilisation des jeunes sur le phénomène de lutte contre le décrochage scolaire, l'absentéisme, le soutien à la parentalité. Vous en parliez, madame la députée Maude Petit. Le deuxième axe, c'est l'amélioration du suivi et l'analyse du phénomène dans un souci de faire circuler l'information entre les acteurs. Ça, c'est important. Garder les informations pour soi, ça ne fait pas forcément avancer le problème, surtout quand c'est un problème qui rayonne autour de plusieurs interlocuteurs. Et enfin, le troisième et dernier axe, qui est le développement des moyens d'enquête et de réponse pénale pour judiciariser le renseignement. Vous avez, euh, le plan met l'accent sur le partage d'informations et le savoir-faire des, des partenaires, la circulation rapide de l'info, le retour d'expérience et les mises en commun de bonnes pratiques. Je vous propose de passer à une autre petite vidéo, une autre petite vidéo qui a été faite par le service municipal de la jeunesse, scolarité animée, ici présent. Petite vidéo pour vous, pour introduire le pôle éducation nationale. Et j'en profite pour saluer donc, je l'avais dit en introduction, mais madame Anne-Marie Bazot, directrice académique des services de l'éducation nationale, et madame Fatima Marzouk, conseillère technique établissement vie scolaire, qui nous honore de leur présence. C'est parti, petite vidéo. Alors, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, ça c'était les différents profils, les différents types euh, de personnes qui peuvent influer dans une RIX. l'engraîneur, la Poucave. Mais ça c'est Madine, jeune de la scolarité animée, avec leurs propres mots. Ils ont euh, identifié les différents personnages qu'on peut avoir dans une RIX. Et là, c'est euh, plutôt un... Question-réponse que va poser euh, Betty sur les RICS. Et vous allez voir les réponses qui sont attribuées par les jeunes. Pour certaines d'entre elles, pose interrogation. Est-ce que quelqu'un a la définition de RICS scolaire Connaît la définition en tout cas alors, euh, le rixe, c'est une bagarre et euh, c'est une querelle violente accompagnée de coups dans un lieu public. Ok, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à une RICS scolaire En sachant que maintenant, on est passé par la définition. Est-ce que quelqu'un a déjà été témoin d'une rixe scolaire Ok, merci. Euh, je vais poser une deuxième question. Est-ce que quelqu'un est déjà intervenu lors d'une sco rixe scolaire Ok. Est-ce que quelqu'un a prévenu un adulte quand il a été témoin de cette rixe scolaire Est-ce que quelqu'un a prévenu des copains quand il y avait la rixe scolaire. Okay. Est-ce que quelqu'un a déjà eu peur de la rixe scolaire Est-ce que quelqu'un a déjà eu des représailles suite à une rixe scolaire Voilà donc la scolarité animée, service municipal de la jeunesse, deuxième vidéo, deuxième séquence émotion. Alors vous l'avez remarqué sur les questions qui ont été posées, il y a quand même des, euh, des interrogations sur les réponses, notamment euh, sur euh, quand on doit appeler euh, une personne. Est-ce qu'on appelle une personne adulte ou un ami ben, La personne adulte n'est pas forcément la plus plébiscitée pour les problématiques de violence. Ce sont plutôt les copains. D'où la nécessité, Madame Gousseff. De faire ces formations par les pères que vous avez portées via le collège Les Prunets et qui va être aussi mis en place au collège Pierre et Marie Curie parce que ce sont des très, très bonnes initiatives. On dit que tous les acteurs qui sont présents ici sont des acteurs de première ligne, mais il faut aussi responsabiliser nos, enf nos enfants. Il faut savoir que la médiation, c'est un art, mais vous les accompagnez dans cet art-là puisque j'ai participé à cette formation. Elle est très intéressante. Est-ce qu'on peut avoir l'autre slide? Permettez moi, juste avant de donner la parole au pôle éducation nationale, de vous présenter ce qui a été mis en place ici sur le territoire villérin avec les établissements scolaires, formation de médiation par les pairs, donc euh, euh, au collège des Prunais. Il y a eu un groupe WhatsApp qui a été euh, lancé à l'initiative, Monsieur Jaber ici présent, donc le principal du euh, collège Pierre et Marie Curie, euh, qui permet de faire circuler l'information entre les éducateurs, médiateurs, mais aussi euh, CPE, équipe mobile avec monsieur Astruc parce qu'on s'aperçoit que quand il y a quelque chose qui se passe dans l'établissement scolaire et vous l'avez dit à juste titre madame la députée Maud Petit ça continue après à l'extérieur y compris dans la famille d'où la nécessité que les acteurs puissent être vigilants par rapport à cela la médiation familiale donc mise en place par Penda qui intervient avec les mères et les pères et on aura l'occasion d'en discuter Signalement collège. On a eu euh, il y a pas mal de temps avec Madame Maraval des signalements qui nous étaient faits directement auprès de la direction médiation prévention. Et c'est Moussa Konate en tant que chef de service médiation qui intervenait sur ces problématiques quand il y avait quand il y avait des jeunes un peu euh, récalcitrants euh, au niveau des RICS. Des initiatives expérimentales à Champigny qui me semblent être intéressantes. À dire, euh, je, je pense qu'il doit y avoir un responsable du, euh, de Champigny. Très bien. Alors je ne sais pas si c'est vous qui êtes à l'occasion de cela, mais je trouve l'initiative très intéressante. Des kiosques jeunesse. Qui ont été mis à la sortie des collèges et des lycées pour créer du lien avec les jeunes, déminer les conflits, et c'est aussi pour présenter les activités du service municipal de la jeunesse. Et on l'a dit, hein, l'oisiveté euh, mère de tous les vices. Et eh ben, quand on occupe notre jeunesse, ça leur permet euh, bah, de, de penser à, à autre chose. Et vous dites qu'il y a un travail collaboratif entre le service municipal de la jeunesse, mais aussi le programme de réussite éducative. Et je vois euh, d'autres agents de la ville euh, qui suivent le PRE. Et ça, c'est intéressant. On a une autre action qui a été portée par une association qui s'appelle une action euh, réelle. En mai 2019, il y a eu trois journées euh, d'actions de sensibilisation qui ont été faites, d'échanges et d'ateliers avec euh, des élus et des grands témoins qui ont, qui ont euh, témoigné euh, euh, de ces problématiques-là. Parole d'acteur de terrain, et je vous le dis pour le Pôle éducation nationale, c'est aussi le rôle de l'école d'enseigner la non-violence. Première. Seconde. Avant, la violence s'arrêtait aux portes du collège. Aujourd'hui, elle s'y invite pleinement. Et ça, ça a été euh, euh, allez, euh, une adjointe au proviseur qui me l'avait dit. J'avais trouvé cette phrase-là à la fois très réaliste de ce qui peut se passer et des jeunes qu'on peut avoir dans les établissements scolaires et de la violence pour laquelle euh, elle est purement banalisée. L'Association des maires pour la paix de France préconise l'inscription à l'école d'un programme d'éducation à la culture de paix au titre de l'instruction civique. Et enfin, nos réponses doivent intégrer largement la prévention travailler sur l'accrochage scolaire l'estime de soi, la santé mentale, l'identité et la mémoire des quartiers et ça on en reviendra aussi. Et enfin les difficultés familiales aussi. Voilà. Et dernière petite phrase cela nécessite de coordonner les interventions entre acteurs euh, police, justice, médiation, sport, culture en s'appuyant pour ceux qui le souhaitent sur les CLSPD ainsi que sur les familles, les jeunes et développer la prévention par les pairs. Extrêmement intéressant. On va pouvoir donner la parole aux différentes personnes ici du pôle éducation nationale. Je voulais juste euh, rappeler qu'il n'y euh, a pas de lycée sur le territoire Villirin, hein, que tous les lycées sont sur le territoire de Champigny. Et ça, ça peut être problématique. Hein. Ça peut être problématique parce qu'on a des jeunes qui, quand ils font leur vœu d'affectation dans un établissement scolaire, réfléchissent à deux fois en se disant Je vais, pour certains, je dis bien, dans le terrain ennemi. Est-ce qu'à un moment donné, je me livre pas euh, Est-ce que je ne me mets pas en difficulté et on a d'autres expériences. On a des, des jeunes qui sont exclus euh, de collège euh, à Champigny, qui se retrouvent rescolarisés ici dans des collèges à Villiers, et ça peut poser euh, problème. Voilà. Donc, euh, ce qui est valable, on a aussi des, des bagarres intercollèges qu'on a, qui est un phénomène qui se développe de, de plus en plus hein, euh, et qui est relayé largement relayé sur les, sur les réseaux sociaux. Et ce qui est valable pour le collège, l'est aussi pour les dispositifs d'insertion. Et là, je le dis à titre d'expérience, il y a 12 ans de cela. On a mis en place ici à Villiers un atelier de garantie jeunes avec des jeunes de Champigny qui sont venus. Et dès qu'ils sont venus ici à l'escale, il y a eu tout de suite un, un, un blocage de certains d'entre eux qui disaient avoir reconnu d'autres jeunes avec qui ils étaient en embrouille, en embrouille du quartier des Hauts de Et du coup, ça, ça, ça peut en tout cas avoir un impact même sur l'insertion professionnelle. Alors, petite question qu'on va, qu va poser à, à madame Maraval. Ici présente, qui est l'ancienne principale du collège Pierre et Marie Curie. Un grand merci Madame Maraval, de vous être euh, mobilisée et d'être venue. Je vous cite euh, une, une phrase d'un recueil d'un témoignage qu'on a fait. Mon fils ne dormait plus. Scolarisé, hein. Scolarisé hein, ce jeune-là. Mon fils ne dormait plus. J'ai dit à son père, il y a un souci. Pour se protéger, il a décidé d'apporter un couteau à l'école. Et le matin, le jour où on lui a, on lui a dit qu'il subirait sa mort à la sortie du collège, il se lève. Il prend le couteau, il part. Vers 18h, la directrice appelle mon mari en disant ⁇ On a arrêté votre fils, il paraît qu'il avait un couteau. ⁇ Comment ils l'ont su qu'il avait un couteau ?⁇ À la récréation, mon fils s'est confié à un de ses amis et lui a dit ⁇ Je ne suis pas peureux, je suis venu avec mon couteau. S'ils me cherchent et s'ils cherchent des problèmes, ils vont avoir eux aussi des problèmes. Tu as ramené un couteau à l'école ?⁇ Il dit ⁇ Oui ⁇ Heureusement, cet ami est parti avertir la direction. Je dis ⁇ Heureusement ⁇ parce que ce jour-là, si personne ne l'avait su, je pense que mon fils ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Oui. J'ai plombé l'ambiance, Madame Maraval. <laughs> C'est une phrase qui a été, qui a été dite. Qu'est-ce que vous en pensez de, de, de cela euh, Je me souviens très, très bien de, de cette situation, effectivement. Euh, ça rejoint du coup le film de tout à l'heure euh, avec les jeunes gens où on voyait que beaucoup de jeunes ne, ne, ne prévenaient pas les adultes. C'est exactement l'inverse qui s'est passé ce jour-là parce qu'effectivement ce, ce camarade est venu nous voir à la récréation, venu voir un adulte pour expliquer qu'un élève était, était rentré dans le collège avec un couteau. Euh, on l'a alors c'est un petit peu plus compliqué que, que de -ce que je dis, dans oui, les détails. Oui. non mais que, 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 le, le, que le témoignage du parent euh, mais effectivement avec euh, donc avec la principale adjointe la CPE nous sommes tout de suite intervenus auprès du jeune. nous avons euh, essayé de comprendre euh, alors on n'a pas trouvé le couteau mais on a quand même prévenu les parents de venir le chercher pour pas euh, et puis de, de, de venir nous voir pour qu'on discute de, 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 de ce qui s'était passé de ce que nous avait dit. Euh, mais euh, c'est plus compliqué parce qu'en en fait, on a su très tardivement qu'il avait pris ce couteau pour, parce qu'il se sentait menacé, menacé. Par, euh, par des grands d'autres de quartiers de, de Champigny-sur-Marne. Mais on a mis beaucoup de temps à savoir ça. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est dramatique, c'est d'en arriver jusque-là, c'est-à-dire de garder <laughs> cette peur pour soi, euh, d'avoir les parents qu'il subit, c'est de ramener un couteau en se disant « je vais me protéger parce que je ne me sens pas protégé par la société ». Alors, je, je, je ne pense pas que c'est parce qu'ils ne se sentent pas protégés par la société, c'est parce qu'il y a aussi cette espèce de, de, de fierté entre jeunes euh, quand ils sont en, en petite, euh, en, entre rixes de, de quartier. C'est de dire, ben, nous, à Villiers-sur-Marne, donc là, en l'occurrence, c'était un jeune d'un quartier de Villiers-sur-Marne qui disait être menacé par des jeunes de quartier de Champigny et que donc. Bah, c'est le côté je suis un bonhomme, je ne vais pas me laisser impressionner. Et c'est pour ça que lui, ce n'est pas qu'il ne sentait pas en sécurité, c'est qu'il considérait qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Et qu'il pouvait utiliser le n'avait pas besoin. Et que justement, c'est pour ça que nous aussi, dans les établissements scolaires, on fait très attention à ce terme poucave euh, », que les jeunes utilisent beaucoup. Et on travaille beaucoup pour, le, pour, le, pour qu'ils ne l'utilisent plus, pour leur expliquer que euh, signaler un, un jeune, euh, signaler une bagarre, venir nous voir quand il y a une bagarre, plutôt que participer, signaler une situation un petit peu. Euh, euh, compliqué pour un jeune, c'est pas être une balance, c'est pas être une poucave, au contraire, c'est être responsable et c'est protéger un camarade. Et de plus en plus, moi, c'est pour ça que j'ai bien vu sur la vidéo, mais j'ai vu dans, dans, pendant mes quatre années au, à la tête du collège Pierre et Marie Curie, que les élèves nous faisaient de plus en plus confiance et qu'ils venaient de plus en plus nous, nous, Vous nous, nous solliciter quand ils pensaient qu'il y avait une situation qui pouvait être euh, euh, dangereuse à la sortie. Ça nous a permis d'être beaucoup plus dans la prévention et surtout de... de d'intervenir avant que la, que la situation arrive. Et c'est pour ça que voilà qu'on n'a pas eu de situation... Euh, là, ce que dit la maman, on n'a pas eu de situation qui ont dégénéré, on n'a pas eu d'élèves qui étaient euh, réellement en danger. De... Alors c'est très bien que, que vous rétablissiez euh, le, le mot poucave parce que c'est un mot qui a été utilisé par les jeunes, donc ils utilisent très certainement entre eux. Et je pense que le, le mot poucave devrait même pas exister et devrait être remplacé par la médiation par les pairs puisque c'est responsabiliser Exactement. les jeunes, eux aussi à être acteurs de ce qui se passe et à, à pouvoir avertir les adultes que vous êtes. Madame Maraval, est-ce que vous pouvez m'indiquer, il y a eu euh, un souci avec, euh, tout à l'heure je disais, euh, des pluries exclus de Champigny qui se retrouvent scolarisés malgré eux ici sur le territoire villirain. On a eu une expérience l'année dernière pour laquelle Moussa est intervenu avec le service médiation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les faits sans nous donner les détails des, euh, des individus concernés? Euh, alors, euh, pendant... Alors moi, je suis arrivée en 2017 euh, à Villiers-sur-Marne, au collège Pierre-et-Marie Curie. Euh, on, on, on était très vigilants, effectivement, euh, à la rescolarisation des élèves suite à un hein, conseil de discipline entre les élèves de, de Champigny et de Villiers-sur-Marne. Mais, en fait, ça se passait pendant, pendant plusieurs années, ça se passait bien, il n'y avait plus cette, cette guerre de, de quartier. Et c'est seulement depuis, depuis l'année dernière et depuis deux ans environ... Euh, que des petits, du coup là c'était vraiment des petits puisque c'était des élèves de sixième euh, qui avaient décidé de relancer un petit peu cette guerre entre euh, les hauts-noues et alors je sais plus si c'est le Bois-l'Abbé ou euh les mordacs ou voilà, oui. donc, peu importe. Euh, et effectivement, c'était un jeune homme qui était scolarisé depuis trois ans. Un jeune homme qui était au collège Père et Marie Curie, qui était à Champigny, qui était scolarisé depuis trois ans, qui était parfaitement euh, à, à, intégré par les camarades. Il n'y avait jamais eu de problème. Mais un jour, ces jeunes-là ces jeunes avaient décidé d'imiter. Alors c'est vrai que ça recommençait un petit peu dans le dans les quartier, d'imiter un petit peu les plus grands dans les quartiers. Et. L'ont attendu à la sortie du collège. Alors, ça se passe souvent à la sortie du collège, ça se passe souvent d'ailleurs. Aux abords ou, aux abords, ou, ou un très, petit très peu plus loin. loin. Enfin, ouais. voilà, ils essayent de faire en sorte qu'on ne puisse pas intervenir. Donc là, on était... ils étaient quand même un petit peu plus loin, c'était dans le bus. Et qu'est-ce qui s'est passé oui, Ils étaient trois, ils l'ont menacé en lui disant T'habites voilà, je... tel quartier. Tel quartier, nous on est d'ici, nous on te veut pas. Et puis. Euh... Euh, il enfin, y, 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 y a eu un dévot de plainte de la, de oui, la mer, voilà, je crois qu'il a, fait, il, a, voilà, il, a voilà, été, euh... il a été menacé, ils lui ont dit qu'ils avaient un couteau, ils lui ont dit qu'ils avaient une bombe lacrymogène et qu'ils allaient lui faire la fête et puis finalement. Ça n'est pas arrivé puisque c'était dans le bus et que des adultes sont intervenus. En revanche, le jeune a eu très, très peur, ce, que je, ce qui est tout à fait compréhensible. Et euh, voilà. Et donc, la mère nous a prévenu le soir même de ce qui s'était passé. Donc, nous, à la première, le lendemain, on l'a reçu avec son enfant pour qu'il nous donne les détails. Et là, le jeune homme a pu identifier et nous donner. Euh, l'identité oui. des jeunes gens du collège qui l'avaient menacé puis ensuite voilà on a mis en place ce que nous mettons en place euh, quand vous parliez c'était quand même il y avait un extincteur acrimo qui était quand même relativement assez conséquent des, oui, le, des, lendemain, des, oui, des ouais. le lendemain oui le lendemain on, un, on avait un, des gants avec euh, ils étaient là dans une volonté vraiment de oui, de, de, de faire mal puisque c'était pas vraiment ouais, ils, ils voulaient faire mal ils, voulaient ils voulaient faire mal. Mal. pas faire mais ils voulaient faire mal parce un extincteur de professionnel quand même c'était pas la petite gazeuse c'était vraiment le bon la mais... Très gros. Alors comment vous accompagnez-vous, Madame Maraval, les, les victimes, les auteurs et les parents Moi ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Depuis tout à l'heure, on disait c'est une responsabilité collective. Comment l'Éducation nationale, quand il y a des, des problématiques de violence, comment vous accompagnez ceux qui sont concernés par les violences, ceux qui en sont victimes et les on parents. protège On protège on on en, premier, en premier. mieux, on protège la victime. Euh, alors, peut-être que je peux plutôt vous laisser la parole. Ne ouais, je, je vous inquiétez pas, je vais laisser la, la parole à M. Astruc, mais vous, j'aimerais connaître votre, votre point de vue. -ce, comment vous les protégez la CPE Est-ce qu'elle effectue un travail bien précis que... ah bah On fait enfin on fait, on fait un, un travail d'enquête parce qu'on veut aussi avoir le, le maximum de. Ah, vous avez de des pouvoirs de police, Mme Marval On n'a pas des pouvoirs de police, mais on fait des entretiens on reçoit. Euh, on, veut, on veut être juste euh, dans la On fait de l'investigation. donc on prend le temps d'écouter tout le monde, on prend le temps d'écouter d'abord en priorité la victime, enfin l'élève victime de, de menaces, de prendre le temps d'avoir le maximum de détails et ensuite on, on reçoit les, les, les auteurs et puis la plupart du temps en fonction de la gravité nous prenons des sanctions. Euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent aller jusqu'au conseil de discipline en fonction de la gravité de la situation. Mais là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Mais la sanction, ce n'est pas la finalité. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est la sanction, mais qu'est-ce qu'il y a Alors, là, derrière moi, je en termes d'accompagnement Au niveau de la protection de l'élève victime, parce que c'est important aussi qu'il sente qu que. que euh, qu'on qu le croit et qu'on ne va pas laisser la situation euh, se, dégénérer. se dégénérer. Et ensuite, effectivement, là, on travaille avec les partenaires. Alors, systématiquement, en revanche, quand y a, je, je dois le, le préciser, nous sommes accompagnés aussi par les, par les services du rectorat. Il y a une vraie euh, prévention qui est faite aussi avec les services du rectorat, avec euh, le, les EMS. Donc voilà, nous, dès qu'on a une situation compliqué dans l'établissement on le signale et on est accompagné pour euh, bah pour apporter la meilleure réponse. Alors, comme... Après au niveau des donc on travaille également avec les acteurs de terrain Alors, et, et ça, voilà et parce que je vous sollicité à chaque fois puisqu'on travaillait beaucoup avec les médiateurs de la ville pour pour travailler ensuite se rapprocher des jeunes dans le quartier parce que finalement ce... Quand ça commence un petit peu dans le collège, c'est que ça a oui. vraiment bien commencé au niveau des quartiers. qu'il faut reprendre la... la, la vous la, vous, vous la parlez des, de des médiateurs, il y, a, il y a le service municipal de la jeunesse, voilà. il y a le centre social. Vous mais la que question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez connaissance pleinement des, des personnes et des acteurs que vous pouvez solliciter à l'extérieur, justement, pour vous servir de relais en termes d'information Parce que là, on n'en a cité que quelques-uns. Si moi, je connais... Oui, euh, non, euh, non, mais euh, vous, c'est valable aussi pour le reste. Est-ce que l'éducation nationale, vous manquez et là, je, je parle, moi, en tant que professionnel, d'informations dans ce sens, des ressources existantes à l'extérieur sur lesquelles vous pourriez vous appuyer sur ces problématiques de RICS, hein, et auquel cas, il y a peut-être un travail à vous fournir pour qu'on puisse vous faciliter l'identification des, des partenaires avec qui vous pouvez travailler. Alors, je vais peut-être laisser la parole à mes collègues, puisque nous nous avons pas mal travaillé ensemble. C'est vrai, ben c'est vrai. vrai, donc vrai. On, Alors, donc je... on, a, on a beaucoup travaillé avec le CLS, dans le cadre du CLSPD, avec les éducateurs, voilà, dans le cadre du CLSPD. Oui. Ah ben c'est le contrat je local de sécurité et euh, de prévention de la délinquance, mais. Euh... J'ai l'impression d'avoir ouais. une interrogation oh. orale. Alors... Euh... Mais alors, c'est 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 ce qui est bien, Madame. Maraval, c'est justement dans vos, dans vos interventions. Je souhaitais vraiment que vous veniez parce que vous l'aviez vécu. Euh, M. Jaber, ici présent, donc, a pris ses fonctions depuis peu. Et d'ailleurs, je, je salue son investissement et son implication et sa facilité euh, de nous laisser aussi travailler sur des actions éducatives. Et j'invite aussi le tissu associatif de se rapprocher de ce monsieur-là, euh, comme de Mme Gousseff, parce que c'est vraiment des personnes ressources avec qui vous pouvez travailler. Et là, encore une fois de plus, le travail préventif, n'est pas l'apanage uniquement que des services de la ville, mais c'est tout le monde qui a sa carte à jouer euh, par rapport à cela. Donc, euh, un grand remerciement et je souhaitais vous solliciter parce que vous aviez euh, régné pendant de longues années <laughs> ici euh, euh, à Villiers et vous aviez un peu d'expertise et un peu d'expérience à nous faire valoir. Et moi, ce côté éducation nationale, pour moi, c'est important. On peut applaudir. On a pour ceux qui la connaissent, qui avait fait un excellent travail. Allez, on va poser la question à, à Madame Imbert. Allez, Madame Imbert, qui est la proviseure du lycée marx Dormoy alors, est-ce que vous pouvez nous dire la, la proportion de, de jeunes Villiérains qu'on aurait dans votre lycée Est-ce que c'est beaucoup ou pas oh, Ils sont nombreux, évidemment. Euh, donc, euh, au lycée Max Dormoy, on a une devise hein. bien arriver, bien vivre, bien partir. Et c'est un travail euh, collectif euh, qui se fait euh, avec tous les personnels de l'établissement, parce que chacun joue un rôle. Et je crois qu'il euh, y a un vrai travail de liaison qui se fait. Entre Champigny et puis euh, les collèges de Villiers, puisque les CPE, chaque année, euh, rencontrent leurs collègues ainsi que les personnels de santé et les personnels euh, sociaux euh, pour eux, euh, travailler dans la continuité. Voilà, donc je pense que les élèves de Villiers, lorsqu'ils sont euh, à Max-dormois, euh, vivent. Euh, je pense bien leur scolarité. Leur scolarité. Donc en vous, changeant ressentez... De ville. vous ressentez... D'accord, vous ne ressentez pas d'aminosité en, entre les territoires. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou pas Est-ce que est cette culture de territoire s'invite dans le lycée Et si oui, euh, comment vous traitez euh, le problème avec euh, le staff éducatif alors, je pense que lorsqu'on est nommé à la direction d'un lycée euh, comme celui de Max Dormois, euh, nous avons une connaissance du terrain. C'est-à-dire euh, avant d'être nommé à Max Dormois, j'avais euh, plusieurs années euh, d'éducation prioritaire. Donc, on, on acquiert des euh, connaissances sur euh, le travail en réseau, euh, le partenariat et avec euh, toutes les forces qui sont euh, dans l'éducation nationale, évidemment, mais aussi.. tous les partenaires. Et donc euh, euh, il m'a fallu en arrivant en Axormois et eh connaître euh, plus précisément l'environnement euh, euh, géographique parce que euh, le plateau, on est sur le haut de Champigny, euh, c'est une connaissance qu'il faut euh, développer et puis le terrain, le terrain, je crois, euh, tous les jours au quotidien, accueillir les élèves le matin et être aux abords de l'établissement euh, euh, tout le temps. Est-ce que vous êtes à l'affût de la recherche d'informations On parlait de, de ces informations qui peuvent être essentielles. Est-ce que euh, les CPE sont euh, vigilants sur ce qu'ils peuvent entendre, sur euh, ce qu'ils peuvent voir pour, euh, pour mettre en place un certain nombre d'actions Oui, les CPE, mais on travaille en équipe. C'est-à-dire que les CPE sont à la tête euh, d'un service de vie scolaire avec des assistants d'éducation. Qui ont été formés pour les nouveaux qui arrivent par les inspecteurs euh, établissements biscolaires. Donc, euh, euh, il y a effectivement euh, euh, ce pôle-là, mais aussi les enseignants. Et les agents, je tiens vraiment à saluer aussi euh, le sûr. travail qu'ils effectuent parce qu'ils sont dans les couloirs, euh, ils sont sur le terrain. Les hommes de l'ombre, et et les femmes tout, de l'ombre. Tout le temps et euh, ils interviennent. Et je crois que euh, lorsque tout à l'heure, euh, il y avait euh, une intervention euh, au sujet des adultes euh, qui sont face euh, aux jeunes, je pense que dans l'établissement, et eh bien... Euh, tous les personnels, euh, on a à peu près 130 euh, de personnel entre les enseignants et des autres pôles. Euh, on, on intervient, c'est-à-dire que euh, évidemment il y a euh, des fois des situations de tension entre élèves, voire des bagarres entre eux. Euh, dans l'établissement, ça nous est arrivé et on les a gérés, on est intervenu et euh, il y a un traitement donc, ensuite euh, euh, en termes de sanctions. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. D'accord. Voilà. Savoir. Euh, Écouter les, les élèves et savoir leur, euh, leur parler aussi. Très bien. Euh, Est-ce que vous pensez que... Alors vous, vous siégez, je crois, sur les deux CLSPD. Absolument. Déjà vous êtes sur le, le groupe de travail à, à Villiers, vous l'êtes aussi à Champigny. Est-ce que vous pensez qu'un euh, un proviseur d'établissement scolaire dans un CLSPD a pleinement sa place Je pose, euh, j'allais dire... Euh, cette ah oui. question, je connais la réponse, mais... C'est un grand oui, évidemment, c'est fondamental. Ça permet de connaître euh, euh, ben, les acteurs du terrain, parce que nous en sommes tous, euh, là aussi, euh, l'intervention qui euh, consistait à, à faire une remarque sur l'organisation de la Cial euh, me, me paraît euh, être... Euh, euh, enfin, aller à l'encontre en tout cas de euh, ce qu'on vit en réalité au quotidien parce qu'on euh, est tous sur le terrain et puis apprendre à se connaître, euh, c'est se faire confiance. On inscrit euh, les jeunes tout à l'heure on, on parlait euh, euh, de, ces, de ces jeunes, ces adolescents. Euh, en réalité, euh, ce sont des enfants pour les parents, ce sont nos élèves pour l'éducation nationale, ce sont les jeunes à l'extérieur et ils sont inscrits dans un continuum éducatif. Ah, c'est très joli ça voilà. vous avez vu Monsieur le député Vauvergne. Il y a du plagiat sur le continuum de sécurité, on a le continuum éducatif. C'est bien. Bien. C'est pas voulu. Ouais, il faut tout, ah oui, il faut toujours s'inspirer des grands auteurs, mais vous avez tout à fait raison. Bien. Mais c'est très joli ce que vous venez de dire. Un continuum éducatif comme ça, c'est très bien. Et C'est ce qu'on disait. C'est pas l'apanage uniquement de l'éducation nationale. Les parents ont leur rôle, les éducateurs, les animateurs, tout le monde a leur rôle. Alors ce que je vais, ce que je vais vous proposer pour, rester d être, pour être dans les temps, c'est qu'on pourra interagir tout de suite après. Je suis vraiment désolé parce que je regarde le temps et j'essaye d'être le garant, le garant, du temps. Mais gardez votre question, Madame la députée. Merci bien, euh, Madame Humbert. Et je Merci vais... de me faire participer. C'est moi, la moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre participation. Monsieur Maraval, allez, Monsieur Maraval. Lui, il est fraîchement nommé. Euh, depuis peu, proviseur du lycée Langevin-Vallon. Vous me dites si je me trompe sur le fraîchement nommé. Assez fraîchement. Oui. Assez fraîchement. 1er dit... septembre 2020. Ah oui, c'est frais encore. Alors vous, comment vous appréhendez ces problématiques Vous êtes tout nouveau proviseur sur ce lycée. Est-ce que vous en avez entendu parler Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, de problèmes qu'il y aurait entre différents quartiers j'ai assez rapidement, euh, quelques semaines après mes, ma prise de fonction, rencontré ce, ce, cette problématique des RICS interquartiers. Je dois dire que c'est moins présent là sur ce début d'année scolaire. On, en revanche, la violence et le, je dirais, le consentement à la violence euh, de nos jeunes euh, est un phénomène bien présent. Et sur ce début d'année, on a eu beaucoup. Euh, euh, beaucoup de, 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 de problèmes, de violences. Ça peut être lié à des histoires avec des, sur fond de, de, de querelles à l'amoureuse. Ou... Donc, c'est pas toujours référé au quartier. En tout cas, sur cette, cette évolution récente. Mais ça peut revenir, puisque donc, effectivement, il y a, on a eu en début d'année quelque chose qui pouvait s'apparenter euh, euh, à ce phénomène-là. L'année dernière, il y a eu un drame. Il y a un jeune de Champigny, d'un collège à PVC, euh, qui a été euh, victime d'un coup de couteau. Euh, cet élève est aujourd'hui euh, chez nous, au lycée Langin-Vallon. Euh, il y a quelques semaines, on a été alerté. Donc, ça, ça rejoint un petit peu aussi un, Quelque chose qui a été évoqué, oui, on, on prend des informations et oui, il y a de l'alliance éducative euh, qui se noue entre tout un tas d'acteurs euh, qu'on apprend très rapidement à connaître quand on est proviseur euh, d'un lycée de Champigny, hein, donc euh, la ville, les équipes mobiles de sécurité euh, euh, voilà, avec lesquelles on travaille euh, très régulièrement. C'est-à-dire que quand on a des informations qui nous parviennent, euh, notamment donc je voulais dire l'alliance éducative, c'est aussi avec les élèves eux-mêmes et les, et les familles. Hein, on a parfois eu, été alerté directement par des par des mamans qui nous disaient ben, euh, sur les réseaux sociaux, il y a une rumeur euh, comme quoi il y aurait euh, telle, euh, telle bande qui viendrait euh, euh, attendre euh, quelqu'un euh, devant le lycée. Dans ces cas-là, donc je fais une petite parenthèse, dans ces cas-là, nous, effectivement, on prévient immédiatement euh, euh, les équipes mobiles de sécurité, les forces de l'ordre de, de Champigny, et on a pu euh, quand même très très souvent... Sécuriser les abords de l'établissement. Donc, évidemment, toute l'équipe de direction, les CPE, les vie scolaires, on est mobilisés dans ces cas-là. Ce qui fait qu'on passe quand même pas mal de temps dehors. Euh, et donc, je tiens à dire dehors. Hein, C'est aux abords de l'établissement. vraiment aux abords. Il y a quand même très peu de choses, contrairement à ce qui était dit avant la violence. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Avant, la violence s'arrêtait aux portes du collège. Aujourd'hui, elle s'y invite pleinement. Ou alors on pourrait dire ça de toute la société puisque oui, via on est les réseaux sociaux, on est dire, c est, c est, c est, voilà, est, mais c'est pas, il n'y a pas de problématique propre à l'espace. Il n'y a pas un manque de respect, je dirais, par rapport à, à l'espace qui doit être protégé et sanctuarisé de, de l'école. Mais bref, pour répondre à votre question, je suis parti dans deux directions différentes, mais pas trop de problèmes de, de RICS, même si on en a eu une, et j'évoquais donc à la rentrée cette situation. Pour la dégonfler aussitôt, je vais vous raconter c'est une information que j'ai eue hier, et ça renvoie à un autre cheminement possible des, euh, de l'information et de l'alliance. Euh, donc j'ai appris hier que le jeune qui donc, avait été scolar, scolarisé au lycée. En début d'année et qui effectivement une fois a été attendu par des jeunes de, de, de Villiers-sur-Marne, on a pu déjouer. De toute façon, il n'y a pas eu de, de problème. Mais à la suite de cette de cette alerte, donc la famille a demandé à ce que ce jeune soit scolarisé ailleurs. L'éducation nationale lui a trouvé une affectation dans un lycée de saint mort des fossés au dernier moment, euh, bah, quand l'affectation avait enfin été trouvée, le jeune et la famille euh, ont fait savoir qu'ils refusaient finalement euh, cette affectation. Ils ont souhaité, et le jeune est toujours dans notre établissement, et donc euh, l'anecdote que je voulais vous rapporter, c'est que la, 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 hier, j'ai discuté avec une assistante d'éducation euh, qui est par ailleurs euh, animatrice euh, au Bois-Labé, et qui me disait, mais en fait, pas, ce jeune, il, il lui arrive souvent d'avoir... Voilà, il est un peu provocateur et il a d'autres embrouilles qui ne sont pas du tout liées à des histoires de territoire. Ah oui, c'est clair. Voilà, donc il faut, juste une faut recontextualiser les choses. Mais c'est ce que vous disiez, le travail d'investigation, Mme Maraval, vous le disiez, il est extrêmement important pour dénouer le virtuel du euh, du réel, et parce que souvent il y a des gens qui s'inventent des vies et ça peut prendre des proportions. Et euh, donc c'est très intéressant ce que vous dites. Euh, Est-ce que dans le cadre du CESC, euh, Monsieur Maraval, vous avez euh, l'intention euh, de mettre en place, alors le CESC, comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté, qui permet aux acteurs éducatifs d'ailleurs du collège, mais aussi aux partenaires extérieurs, de proposer des actions dans les deux domaines, la santé et la citoyenneté. Est-ce que vous prévoyez de mettre en place, je sais pas moi, des modules de formation ou de sensibilisation à la non-violence ou des choses comme ça? Oui, alors le, effectivement, dans le cadre du CSC, je dirais que c'est assez classique dans les établissements scolaires, euh, d'ailleurs qu'on soit à Champigny ou ailleurs, euh, c'est le lieu euh, dans lequel on coordonne des actions de prévention, l'intervention euh, de professionnels euh, extérieurs, hein, qui, donc ça peut être le, le référent, euh, comme c'est notre cas par exemple, on travaille très très bien avec le commissariat de, de la police nationale de Champigny, donc euh, le référent euh, éducation de, du commissariat. Euh, qui oui, parce fait, que vous avez des référents éducation nationale, du moins au sein de la police oui, c'est ça. C'est des interlocuteurs ça. privilégiés. Ouais, tout à fait. Et notamment pour euh, monter avec eux toutes ces actions de sensibilisation. Certaines fois, c'est évidemment, le, le, quand on a 1200 élèves et étudiants, comme c'est le cas à langevin vallon on, on, la police n'est pas en mesure de dépêcher euh, des fonctionnaires pour, euh, on pour mettre des un fonctionnaire de police derrière classes. chaque établissement. Oui. Mais en revanche, quand on sait qu'il y a une tension au sein d'une classe, ça nous arrive de, 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 de demander, et ça fonctionne vraiment pas mal du tout, parce qu'elle est très, très, très aguerrie, si je puis dire, cette fonction de police. On les fait venir aussi sur un, sur un contexte pour engager le dialogue. Et ce que je voulais vous dire par rapport, parce que j'ai été très intéressé par les remarques qui ont euh, Été émise par divers intervenants autour de la nécessité de recueillir la parole de l'élève, d'écouter les élèves parler de ce qu'ils connaissent. Ça, je pense que c'est une piste prometteuse, et en tout cas, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place au lycée. On a monté, dans le cadre du CESC et en appui sur le Conseil de la vie lycéenne, un, un groupe de travail euh, avec des lycéens eux-mêmes pour que. Il nous raconte parce que on, on s'est rendu compte. Enfin moi, je me suis rendu compte qu'on était un peu décalé. Par exemple, les fichas, Moi, je connaissais pas jusqu'à il y a quelque temps. C'est quoi Les fichas. Ben alors les fichas, euh, Peut-être que on pourrait repasser la parole aux, aux jeunes gens. aux jeunes Les fichards. C'est quoi Vous savez, c'est quoi les filles Ah, on a une réponse. Oui ben, un c'est une photo qui, on va dire. Qui est plutôt moche de la personne, enfin d'une personne, oui, qui est euh... oui, une photo moqueuse, désodorante. photo Voilà, et c'est très en cours, et c'est à l'origine, même chez les grands de 17-18 ans, c'est à l'origine de, 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 de différents euh, en, en nombre assez, assez important et peut-être croissant euh, ces derniers temps. Donc en gros, c'est. Tout ce qui, en fait, c'est la version euh, dématérialisée de l'atteinte à la, à, à la réputation. Ouais. Hein, là, il, il porte atteinte à la, à la street crédibilité, si vous voulez. Euh, et donc, euh, notre idée, c'est, on s'est rendu compte, pour vous donner là aussi une petite anecdote de l'intérieur. Allez-y, euh, euh, Dans le cadre des conseils de discipline, donc, les, toutes les composantes de la communauté éducative sont, sont représentées. Hein, il n'y a pas que le chef d'établissement et, et ses adjoints qui sont membres des droits. Il y a aussi donc des représentants, des élèves, des parents. Et des enseignants et des personnels de l'établissement qui sont élus et qui siègent en conseil de discipline. Et donc, au cours d'un conseil de discipline ces derniers, ces derniers mois, euh, j'ai été frappé par la pertinence des, 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 des analyses et des explications que nous a apportées euh, la représentante des élèves qui siégeaient dans ce conseil de discipline. Et, et c'est là qu'on qu a eu l'idée. Je lui dis, mais en fait, euh, euh, il faut qu'on vous fasse venir, il faut que vous nous racontiez, parce qu'on ne, on ne, on ne comprend Enfin, Faire on venir les parents pas. dans l'établissement scolaire. Des parents, et puis là, et puis que les parents entendent le, les jeunes, enfin, quelque chose de mixte. Donc ça, c'est le, 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 la chose que l'on met en place là, dans les mois qui viennent, et c'est... En revanche, ça, c'est quelque chose de nouveau. On n'avait pas fait Eh ben ça. écoutez, c'est très bien. C'est très bien. Juste, j'aimerais amener une petite précision. On parlait de tout à l'heure. Vous venez de, de, de parler de cette expression que je ne connais pas, qui est une expression jeune. Quand j'ai regardé la vidéo du service municipal de la jeunesse, j'ai vu euh, un mot qui a été dit. qui c est, On n'est pas au Cambodge ici. Et j'ai dit, mais j'ai pas compris ce que vient faire le Cambodge dans la. Dans la Calme-toi. Je vais te donner la parole. Euh, j'ai pas compris ce que vient faire le Cambodge dans, euh, dans, cette, dans cette phrase. Et on m'a dit que c'était. Alors, c'était quoi viens, viens, viens me voir. Si Vas-y, tu veux. peux lui donner le micro. Alors pourquoi ça veut dire quoi On n'est pas au Cambodge. En fait, c'est une référence TikTok. D'accord, une référence TikTok. Vous avez vu les inspirations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se mette à la page nous, les acteurs de terrain. Donc, référence TikTok. Ok. Merci bien. C'était juste une séquence émotion. On va continuer avec euh, Monsieur Astruc. Monsieur Astruc, donc vous êtes euh, le responsable des équipes mobiles de l'Éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'équipe mobile Qui peut contacter l'équipe mobile Est-ce que les éducateurs spécialisés les parents, les associations, les services de la ville peuvent aussi contacter l'équipe mobile et dans quel cadre vous intervenez Alors, juste un, un petit euh, propos euh, liminaire. On parle là des, des RICS et donc de jeunes violents. J'aimerais aussi quand même parler, euh, parce qu'il a été question tout à l'heure de protection de l'enfance et j'aimerais bien donc avoir ce versant. Euh, j'aimerais aussi quand même parler de la, la, la culture du témoignage euh, que, euh, que beaucoup de nos élèves ont et pour preuve. C'est-à-dire que on a le mot euh, Poucave et dans le même temps et parallèlement, on a euh, des élèves qui, là, ont bénéficié de la médiation par les pairs, qui prouvent que la culture du témoignage, elle est là aussi. On a l'Omerta d'un côté, qui est vrai, qui est une réalité, je ne vais pas l'apprendre à nos collègues de terrain, euh, mais on a aussi cette culture du témoignage qui est, pour les équipes mobiles de sécurité que je vais vous présenter, euh, une culture totalement fondamentale. Pourquoi je dis ça C'est parce que nous, euh, nous intervenons sur des situations potentiellement violentes. et euh, pour bon nombre d'entre elles, ces situations violentes nous sont annoncées par des chefs d'établissement qui ont l'information de conseillers principaux d'éducation, de, de, de surveillants, mais aussi annoncées par des élèves qui vont trouver les chefs d'établissement ou les enseignants et qui vont leur remettre des messages, des captures d'écran, de, de ce qui circule sur les réseaux. Donc, d'un côté, on a effectivement le drame de cette violence dans laquelle un certain nombre de nos jeunes euh, tombent. Euh, et il faut aussi analyser cette situation à l'aune de la protection de l'enfance et pas exclusivement euh, d'un autre versant. Et euh, on a également tous ces jeunes qui nous aident à intervenir à temps pour éviter également d'autres drames. Maintenant, euh, deuxième liminaire, j'en suis absolument désolé. Je rejoins co complètement la, le, le, le propos euh, sur cette question de la collaboration et de l'exemple que, que l'on donne là. C'est vrai que je suis ravi qu'il qu y puisse y avoir un CLSPD euh, tel que celui-ci. Je suis, je suis ravi de, de savoir que tous nos chefs d'établissement y participent, et ça sur l'ensemble de l'Académie, hein, puisqu'on a la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne. Il y a une acculturation de hein, la participation à l'éducation nationale à ces CLSPD, et les CLSPD, sous l'égide des maires et des, des parquets, euh, nous disent bien que sans l'éducation nationale, on se coupe d'un acteur fondamental en termes de renseignement et aussi en termes de propos éducatifs euh, dont on a besoin. Et ils sont ces CLSPD auxquels j'ajoute la nécessité d'y adjoindre le groupe de suivi mineur, qui permet d'encadrer de, nos jeunes souvent euh, sur l'espace public lorsqu'il n'y a plus personne sur cet espace public ou seul lorsqu'il n'y a plus les parents, l'école, etc., etc. ce groupe de suivi mineur est aussi, pour nous, un rappel, je pense, de se rapprocher à nouveau de ce que sont euh, ces jeunes souvent, euh, souvent euh, isolés. et donc, ces clspd ont la vertu de euh, nous de nous dire avec force que la collaboration, elle est nécessaire. Et en plus de ça, elle permet d'éviter le millefeuille d'actions isolées, énergivores et extrêmement fatigantes, qui créent non plus même le seul millefeuille, mais parfois même la tarte à la crème. Donc je pense que le cumul de, de moyens, euh, très bien pour dire qu'on a les moyens, en revanche, il y a aussi parfois annihilation de, de ces moyens ajoutés, puisque... Euh, j'ai souvent tendance à dire que euh, l'addition, enfin, c'est toujours important que la somme ne soit pas finalement euh, réductible aux éléments qui la composent. Donc les équipes mobiles de sécurité, on oh, y voilà. demande souvent. Allez-y, je vous écoute, euh, monsieur Astruc Donc 60 agents, euh, agents d'État dont l'organisation a été créée euh, il y a maintenant plus de 11 ans et qui est composée de deux pôles principaux. Un pôle qui est un pôle de sécurité, composé donc de euh, 35, enfin, 37 agents de sécurité qui sont avec une tenue de l'Académie de Créteil avec qui sont véhiculés, sept équipes sur l'académie, donc trois équipes sur le Val de Marne, et qui se rendent sur des situations à la fois en prévention, donc si on n'a aucune rumeur. De, difficult... enfin de, 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 de RICS ou autre. On va à la rencontre des chefs d'établissement pour se présenter et dire comment, comment on agit, comment ils peuvent nous contacter. Et puis, on va aussi à la rencontre des jeunes qui sont sur les parvis lorsque les autres sont en cours ou alors lorsque la journée se termine et qu'ils ont du mal un peu à rentrer chez eux. D'accord. Comment on nous sollicite Alors, ce sont les chefs d'établissement les directeurs d'école et les inspecteurs qui nous sollicitent, en gros... C'est-à-dire dans... que vous intervenez aussi sur les écoles primaires Oui, c'est possible, c'est rare hein, qu'on se, qu se le dise, mais c'est rare. Mais un exemple d'intervention des équipes mobiles de sécurité sur une école primaire, euh, c'est lorsqu'il y a un entretien par an euh, qui s'annonce tendu et que pour apporter un peu plus de sérénité, on va pouvoir accueillir ce parent, le mettre en confiance, et que l'entretien qui va se faire avec le directeur ou la directrice d'école puisse se passer au mieux pour que les échanges au bénéfice de l'enfant soient les meilleurs. Donc on intervient effectivement sur les écoles, mais sinon on intervient principalement sur les collèges et les lycées. Je terminerai juste sur, par rapport à la description, enfin la, le, ce que sont les équipes mobiles de sécurité. Donc on a ces agents de sécurité, et puis nous avons également une équipe éducative et psychologique composée donc de 20 personnes sur toute l'académie, avec des psychologues, des éducateurs spécialisés, des chargés de mission, qui vont intervenir sur la prévention de violences, la prévention liée au climat scolaire dans les établissements, et qui vont aussi intervenir sur des gestions de crise lorsque des drames surviennent sur nos établissements. Alors une autre petite question, justement, euh, sur l'année 2020-2021. Quels, quels, quels sont les chiffres que vous avez, si toutefois vous avez des chiffres, euh, concernant l'EMS, vos interventions sur le territoire du Val-de-Marne, concernant ces problématiques de violence ou de RICS hein. Est-ce que vous avez des chiffres à nous annoncer Alors, on n'a pas de chiffres à, non, à les annon à vous annoncer... Est-ce que c'est en augmentation, -à que... monsieur, à ce truc, ou pas Alors, on n'a pas de chiffres à vous annoncer au sens où on les réserve d'abord à des échanges euh, avec les collègues de la sécurité euh, au premier chef. Ce que je peux vous... le, le chiffre que je peux vous donner, c'est que nous, dans nos modalités d'action, il y a ce qu'on appelle la sécurisation. Lorsqu'on a une rumeur de violence importante ou une rumeur avérée, on en a à peu près par an sur toute l'académie, hein, donc trois départements, on a à peu près 1200, 1400 sécurisations sur, 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 nos, sur nos établissements ou aux abords de l'établissement. La question des RIC, ça va occuper à peu près un tiers de ces sécurisations. Donc ce qui est conséquent, je le répète, ce sont parfois des rumeurs, donc de temps en temps, on n'a pas... Finalement, la violence, peut-être parce que nous y sommes, ou peut-être ou peut aussi parce que finalement la rumeur était infondée. Et puis, finalement, il y a aussi des situations qui qui, qui s'avéraient nécessaires, enfin dont, pour lesquelles notre présence était nécessaire. Donc un tiers euh, sur la question des RICS. Augmentation, je ne pourrais pas le dire. Euh, à savoir que les chiffres, comme le disait Monsieur le Député tout à l'heure, on, on les prend aussi avec prudence. Euh, je ne saurais objectiver. Euh, ce qui relève aussi du sentiment, qui est une autre, de la sensation à un moment dans un contexte donné. En revanche, ce qui me paraît important à dire, c'est que s'il n'y a pas forcément d'augmentation en chiffre absolu, ce n'est pas en tout cas ce que nous nous relevons, il y a une gravité qui, euh, qui nous préoccupe, et notamment, euh, parfois, c'est ce que disaient les collègues tout à l'heure, la question de l'usage d'armes, d'armes blanches ou d'armes par destination. Et dans nos modalités de travail, ce qui est très important à dire, c'est que les équipes mobiles de sécurité ne sont pas des policiers. Ils sont des médiateurs, des métiers de la prévention. Et Alors pourquoi lorsque, utiliser le mot sécurité Lorsque nous avons cette, cette situation, enfin cette, ce sentiment vous voyez, de plus d'usage d'armes ou pas, nous tentons d'objectiver ce sentiment, quitte à ce qu'on se contredise nous-mêmes. Et lorsque l'on euh, arrive à objectiver les faits, nous transmettons ça à la police et à la préfecture nous sommes également comme nos élèves le sont parfois des espèces de lanceurs d'alerte j'aime bien ce mot par rapport au PUCAV. on doit tous être des lanceurs d'alerte d'une certaine manière je vais, je vais vous pour, demander euh, de finaliser pour, 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 pour monsieur Astruc je, je suis désolé je, je vous coupe parce que je suis euh, tributaire du temps et euh, en tout cas un grand remerciement pour, pour ces précisions euh, j'aimerais donner la parole à monsieur euh, Gabriel Latangio ici présent, je vous le présente professeur d'anglais voilà, qui, euh, oui, c'est un professeur d'anglais. Donc euh, vous allez pouvoir avoir euh, de l'anglais en ligne. Euh, vous me dites hein, si vous êtes euh, professeur au lycée Paul Robert au Lila, c'est ça, en Seine-Saint-Denis C'est ouais. toujours le cas. D'accord, ouais. très bien. Alors moi j'aimerais 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 juste euh, citer euh, citer juste un, un, un petit exemple sur le 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 recueil de témoignages que vous avez dit qui est euh, très intéressant. C'est on a foiré Internet. C'est un espace débarrassé des yeux d'adultes. Dans lequel les enfants. Non, mais je trouve que dans les termes, il y a des fois, il faut être cru. Il faut être cru pour dire les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est vraiment, vraiment ça aussi. On a foiré Internet. C'est un espace débarrassé des yeux d'adultes dans lequel les enfants se racontent leur propre histoire. Ils se font leurs propres règles. Et naturellement, pour se donner des frissons, ils veulent aller au-delà. Et ça déborde dans la vraie vie. Nos comment Si, si, sans, euh, ça pourrait prendre mille directions. Enfin. Je ne sais pas comment les personnes ici aujourd'hui dans la salle vivent ce moment-là, mais moi je vais vous confier d'abord une émotion que j'ai depuis tout à l'heure. C'est que je suis un peu soulagé de voir du monde quand même. C'est qu'on est quand même un petit paquet de gens à être présents et à se poser des questions. Je reconnais des visages. Hein, Nathalie, on ne s'est pas vu depuis un an. Voilà, Monsieur Astruc, quelques-uns, etc. Comment est-ce qu'on va mettre fin à ce problème de violence adolescente C'est un vrai souci. Je ne sais plus si j'ai dit foiré, on va dire que c'est la transcription. Non, mais ce n'est pas grave. Ouais, c'est non, la non, séquenceur. Non, 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 il n'y a pas de souci. Euh, Personnellement, j'ai envie de parler de violence adolescente. Parce que je pense que Rix, en fait, c'est un versant du problème le plus spectaculaire. Ça fait euh, rêver ou cauchemarder celui qui regarde ces news, parce qu'on s'imagine bande armée contre bande armée, ce qui est aussi une vérité, etc. Mais ce n'est pas que ça. Je pense que la violence adolescente, elle est euh, protéiforme. Elle prend plein de formes, en réalité. Ça peut être le harcèlement, ça peut être la rumeur, ça peut être euh, le règlement de comptes, ça peut être le rendez-vous donné, ça peut être spontanément un acte de violence de un contre 1, etc., pour vous dire mon parcours, je ne parle pas ici évidemment au nom de l'éducation nationale, seulement le mien et peut-être le mouvement que j'ai animé pendant ces trois dernières années. Euh, j'ai été membre d'une communauté éducative qui a été bouleversée par trois homicides. Trois homicides. Le premier en 2018 était une rixe. Un samedi après-midi, c'est pas le temps scolaire, c'est pas à l'école, bien sûr. Toutes ces précisions sont importantes de les dire. Avec les collègues, à ce moment-là, on s'est posé la question parce qu'enseignant, on se dit, on est le premier visage hors adulte, hors soignant, etc., que les jeunes ont face à eux. J'étais persuadé, et j'étais très maladroit, euh, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose en tant que cet adulte face à la jeunesse. Et je n'ai pas convaincu mes collègues, on n'a pas réussi. Une année plus tard, le problème s'est reposé avec un, un assassinat. Cette fois-ci, c'était plutôt un rendez-vous donné, c'était tragique. Et là, euh, c'était assez unanime avec les enseignants, on s'est dit non, il faut qu'on fasse quelque chose tout de même. Et on l'a fait, et on a essayé de réfléchir à cette question d'Ericks. Internet. Oui, c'est Sa Majesté des Mouches de William Golding. C'est-à-dire, on l'a entendu plusieurs fois ce soir, c'est-à-dire un espace débarrassé de, 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 des adultes. Vous savez, moi je suis technophile, hein, je passe mon temps sur Internet, les mêmes réseaux, etc. Donc je ne suis pas en train de dire c'est juste une culture de la violence euh, qu'on impose aux jeunes, on leur donne de mauvaises idées, etc. Mais je pense qu'à Internet, on a vraiment, vraiment raté quelque chose quant à l'encadrement. Il faut partir de l'expérience lycéenne, je crois, ou de l'expérience jeune. C'est-à-dire qu'être un collégien, ce n'est pas que de 8h30 à 17h30. Euh, être un collégien, c'est s'inscrire dans un collectif, c'est avoir des copains, et les interactions qui ont lieu même en dehors du temps scolaire, en réalité, sont autant l'affaire des adultes, je le crois. En fait, par rapport à Internet, il y a des études psychométriques qui ont été menées aux États-Unis, euh, je pense à Jonathan Hyde, quelques autres, moi je suis heureux de partager mes sources, hein, si on peut faire avancer le public euh, qui disent que, euh, en fait, euh, depuis 2010, on a raté un truc. Instagram est une violence terrible pour les jeunes femmes notamment. Et il y a deux évolutions sur la santé mentale de la jeunesse américaine, et je pense que c'est un peu pareil chez nous, juste si on ne l'a pas mesuré, à mon avis c'est pareil, c'est que les jeunes femmes se font davantage de mal. C'est-à-dire qu'on voit les troubles de l'alimentation, les troubles du comportement, les troubles de la personnalité, etc., en fait se développent depuis une dizaine d'années, et on n'arrive pas à le dater autrement qu'en voyant le développement des réseaux sociaux. Donc les jeunes femmes se font du mal, et on voit aussi dans le contexte nord-américain que les jeunes hommes font du mal, une agressivité dirigée vers l'autre. Et je crois que cela euh, il faut qu'on qu sorte de l'idée qu'en renforçant l'existant on va s'en sortir. Alors, je ne suis militant politique nulle part, je parle en mon nom et au mouvement citoyen que j'ai un peu animé, faisons un peu de politique. Il y a des courants euh, qui vont dire que le sujet dont on parle est une affaire d'immigration. Ils sont hors sujet. La violence adolescente, croyez moi, je l'ai vue de mes yeux, elle dépasse très largement la question de la population immigrée. Il y a un courant, peut être plus à droite, qui dirait que font les parents? et eh ben, Parfois, ils sont débordés. Et parfois, peut-être, les parents ne sont peut-être pas aussi beaux qu'on aimerait qu'ils le soient, hein, peut-être. Mais quand bien même, je ne comprends pas comment concrètement on va changer les parents. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été fait en 1999. Il y a un collectif qui s'appelait Stop la violence, qui avait été monté suite à l'assassinat d'un jeune de 22 ans de Beaufaymont. Et on avait tenté ça, hein, de responsabiliser les parents. Il y avait un petit livret de 5 pages. Alors, j'y étais pas, hein, j'avais 15 ans, mais... mais vous voyez, il y avait un livret de 5 pages à destination des parents qui était genre prenons. Prenons euh, le problème à bras-le-corps et allons moraliser la jeunesse. Et ça n'a pas tellement marché. La gauche centre-gauche dirait il faut qu'on renforce l'existant, plus de moyens pour l'école. Vous voyez ce vieux pari hugolien qui est qu'on ouvre une école, on ferme une prison, vous voyez un peu ça. Euh, J'ai des réserves là-dessus. Et l'extrême gauche qui dit surtout n'en parlons pas, parce que si on parle de violence et de sécurité, c'est les terrains de la droite, donc du coup on ne va pas s'en sortir. Donc ils préfèrent ne pas en parler, méthode n'importe quoi. Donc, pourquoi je crois moyen en simplement le renforcement de l'existant, parce que le sol sous nos pieds se dérobe. Internet a complètement rebattu les cartes. Quand il y a le deuxième euh, assassinat dont j'ai été le témoin, voilà, etc., la rumeur parmi la jeunesse que je servais a été terrible. C'était un match de foot. C'était ville deux, ville de victimes zéro. Ils comptaient les morts façon, euh, façon PSGOM. Oui. Ça, ça, cette dynamique-là, je, je pose la question qu'est-ce qu'on en fait c'est-à-dire qu'on a besoin de davantage d'adultes qui, comme nous tous ici aujourd'hui, nous emparons du problème et disons non pas simplement ça c'est l'affaire du commissariat, ça c'est l'affaire euh, du service de pédopsychiatrie, ça c'est l'affaire de ceci, cela, on ne s'en sort pas. Donc si, si tu me permets, enfin, si vous me permettez euh, peut-être une contribution à, 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 à notre conversation aujourd'hui. J'espère que c'est une piste, hein, si elle ne marche pas, elle ne marche pas, mais. Je veux faire écho à ce que vous disiez à l'instant, monsieur Astruc, qui est très important, c'est cette idée qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, ce que vous disiez aussi, monsieur le député, il faut vraiment qu'on arrive à faire travailler les services ensemble. La valeur ajoutée que j'aimerais apporter à cette idée là, c'est qu'il faut que la coordination des services à destination de la jeunesse se voie au niveau de l'enfant même. Parce qu'on peut avoir des rencontres entre proviseurs et commissaires. Moi j'ai bien vu hein, du volontariat de la part de, de, de ma hiérarchie, ce n'est pas le souci. On peut avoir des rencontres comme celles que l'on voit aujourd'hui, où les gens touchés directement ou indirectement par le problème se parlent, etc., etc. Ce qui m'importe, c'est que les enseignants se sentent un peu comme détenteurs de multiples casquettes. On est le confident, on est le coach, l'arbitre avec la réforme du bac. On est tout un tas de choses à la fois. Et en fait, j'y arrive pas. Moi, je suis agrégé d'anglais. Vous voyez, je, je veux bien vous parler d'histoire américaine. Donc Qu'est-ce qui serait important Ce serait la coordination des services à destination de l'enfance sur un seul et même lieu. Les jeunes qui ont commis les actes les plus terribles dont j'ai été témoin. Ils sont connus bah, d'abord de l'établissement où je travaille au Lila. Ils étaient connus d'un autre établissement du primaire qui était une ville plus loin. Euh, le commissariat forcément les connaît. Même le service de pédopsychologie de Robert Debré dans le 19e les connaît. Euh, ils ont un centre d'orientation à Pantin. Et en fait, ce qui me semble important, c'est, il faut un peu haussmaniser... Euh, le, le, le service à la jeunesse. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait qu'on ait une approche planifiée des services à destination de l'enfance. Donc pas simplement le millefeuille dont on accumule de l'argent là, de l'argent là, de l'argent là, de l'argent là. Pour faire mieux encore que les idées du plan Borloo, je crois, ce qu'il nous faut, c'est centraliser sur un seul et même espace tous ces services à destination de l'enfance. Et mon Dieu, les miracles qu'on ferait pour que la jeunesse adhère à la République. Parce que sur un seul et même lieu, vous auriez non pas des pôles médico-sociaux qui viennent en... Ad, en, en Ajouté à l'école, pas simplement ça, mais on aurait l'école comme un élément évidemment central, on y croit. Mais à côté, il y aurait un service de pédopsychologie qui serait dédié, vous voyez, à ça, etc. La vraie question, c'est pourquoi à 15 ans, on a le cœur noir au point tue. C'est ça la vraie question. Et donc, je pense que oui, le vrai chantier, c'est créer un service de pédopsychologie adossé à l'éducation nationale. Je crois que c'est vraiment la clé. Mais écoutez, merci pour, euh, pour cette. Euh Belle, belle, belle réflexion et je vais, je vais donner le, le mot de la fin pour le Pôle éducation nationale à Madame la directrice académique. Si vous souhaitez dire un ou deux mots ou pas, euh, en tout cas, on est honoré de votre présence. On vous remercie d'être parmi nous et euh, ça montre combien cette, cette thématique euh, est, euh, est très attendue de la part des acteurs qui sont présents. Et puis après, on aura tout le privilège et vous aurez le privilège d'entendre les acteurs de terrain puisque c'est eux qu'il faut remercier et saluer dans le travail qu'ils effectuent au quotidien. Madame la directrice. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation parce que c'est vrai que cette thématique que vous abordez ce matin, RIX, comment les prévenir, c'est, j'allais dire, malheureusement une thématique que nous abordons quotidiennement. Le nous est très collectif. Vous avez entendu les personnels de direction parler, c'est un travail de terrain, c'est un travail quotidien, c'est un travail de... De, de chaque instant au sein d'un établissement. Ce n'est pas que l'équipe de direction, d'ailleurs, ou alors il faut l'envisager au sens très élargi. Euh, c'est aussi euh, le regard des conseillers pédagogiques d'éducation, c'est le regard des assistants d'éducation, c'est le regard des enseignants, et Monsieur euh, témoigne parfaitement hein, de ce regard et de cette attention, de cette vigilance. Euh, et puis, euh, il y a ce regard que nous portons aussi. Au niveau départemental. Alors nous faisons peut-être un travail invisible, euh, un petit peu moins visible peut-être que les EMS qui se déplacent et, et qui euh, se déplacent de façon extrêmement précieuse, euh, qui sont à la fois une présence physique, mais aussi des conseils euh, qui sont donnés parce que on, on a tous à apprendre les uns des autres de la meilleure façon euh, de prévenir, de gérer et d'accompagner l'après. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et au niveau départemental, nous sommes aussi en appui, nous sommes aussi en accompagnement. Si nous sommes arrivés un petit peu en retard aussi ce matin avec madame Marzoux, c'est parce qu'on était dans un établissement qui a connu un événement grave hier. Et donc, c'est aussi de notre rôle d'être présents sur le terrain pour accompagner. Mais ce travail, il est aussi invisible parce que le partenariat, il est réel, il existe, il existe avec la préfecture. Il existe avec les forces de sécurité et la police, alors à tout niveau, au niveau local, au niveau départemental. Euh, nous avons euh, des contacts très très fréquents euh, sur les sujets des rixes, euh, qui nous préoccupent, hein, bien évidemment, et nous avons aussi des contacts avec le parquet. Euh, donc ce travail, euh, il, il est réel. Par contre, il ne se voit pas et nous n'en faisons pas publicité, nous n'en ferons jamais publicité. Ce que je souhaitais souligner, euh, ce sont deux choses. D'abord, euh, ce qui me frappe de façon vraiment euh, très importante, c'est que, euh, d'abord, on est toujours l'élève de. C'est-à-dire que quand il y a des X, où, où qu'elles se passent et quel que soit le temps de c'est-à-dire qu'on a vu euh, malheureusement des faits extrêmement graves se passer sur des ponts de l'Ascension, sur des week-ends, sur des soirées, euh, sur des congés scolaires. Hein. Euh, c'est toujours l'élève 2. À chaque moment, on rattache le jeune à son établissement scolaire. Très bien. C'est vrai que c'est aussi un lieu extrêmement important. Mais quand on, on regarde l'attitude des jeunes vis-à-vis -vis de leur établissement scolaire, on est particulièrement frappé au niveau départemental. On le voit parce que c'est régulier. Lorsqu'un jeune est en difficulté, il se confie de plus en plus à un adulte, et ça, il faut quand même le souligner. Lorsqu'un jeune est blessé à l'extérieur de son établissement, il a de plus en plus le réflexe de revenir dans son établissement parce qu'il se sait protégé par les adultes de l'établissement. Et on a vu malheureusement parfois des jeunes arriver, parfois assez gravement blessés, jusqu'à l'établissement parce qu'ils savent que dans ce lieu, ils vont trouver des secours. Et ça, c'est très important. On a même eu des jeunes qui se sont rendus à leur domicile et qui sont revenus dans l'établissement scolaire parce que blessés voilà et ça veut dire quand même je trouve symboliquement euh, que l'établissement est le lieu où on va porter secours où on va apporter une réponse et où on va avoir de la bienveillance. merci madame la directrice pour toutes ces précisions. en tout cas un grand remerciement de vous être déplacée sur ce type de thématique parce qu'on a besoin de la présence des plus hautes autorités pour pouvoir faire avancer le sujet. juste quelques petites informations plan interministériel les parents Premiers éducateurs de leurs enfants, les premiers, les premiers responsables de la transmission des valeurs fondamentales de la vie en société. C'est sur le plan interministériel et ça rejoint ce que vous disiez, Madame la députée Maude Petit. C'est pourquoi la collectivité doit former une véritable alliance éducative. Pour intervenir le plus en amont. Et donc, vous avez des paroles d'acteurs. Ça, ça a été dit par un intervenant campinois. On a perdu tellement de temps alors qu'on aurait pu faire des choses ensemble. Le pire, c'est que nos parents se connaissent. Bien souvent, c'est les parents qui se connaissent. On a agissons en amont de sorte que le jeune ne devienne pas violent et délinquant. Euh, ces exemples ne sont pas médiatisés ces associations sont peu financées. Des grands des quartiers qui ont été jeunes aussi éduquent au dialogue et à la non-violence. Souvent, les acteurs associatifs nous parlent d'enveloppes de, euh, budgétaires. Qui sont, euh, moindres, qui sont moindres. Aujourd'hui, euh, les dotations de l'État ont, ont baissé euh, et ça peut être problématique pour le travail qu'effectuent les acteurs de, de première ligne. Cette phrase-là, et je la dois euh, à M. Yazid Karfi, nous avons besoin d'éducateurs, de médiateurs, d'adultes bienveillants. Par expérience, il suffit de trois éducateurs pour empêcher ou calmer une bagarre plutôt qu'une compagnie de CRS. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de sécurité, ça veut dire qu'à un moment donné, la prévention a pleinement. Euh, Tellement sa place, recréer du lien social, ça revient. Avoir une approche équilibrée entre la prévention, la sanction et la cohésion sociale. Et enfin, un diagnostic partagé entre acteurs locaux. Voilà, je ne sais pas s'il y a un autre slide après. Non, on le prendra après. Je te laisse la parole pour les acteurs de terrain et je me permettrai de temps en temps d'intervenir. Alors, merci beaucoup, Tarek. Merci beaucoup à tous ces intervenants. Euh, donc, il était important aussi d'avoir, euh, entre guillemets, des victimes. Double peine, donc une double peine euh, qui, malheureusement de ce fait, font des actions aujourd'hui, font énormément d'actions. Donc je vais déjà, alors je vais demander alors Aminata qui a pu venir, Aminata Koulibaly, qui vient de Clichy, qui est collaboratrice parlementaire de, du député Stéphane Testé, et qui est sur cette thématique d'égalité des chances. Et je voudrais qu'elle nous dise justement à ce que l'égalité des chances est un facteur négatif par rapport à, ces, à, ce, à cette thématique de RICS. Merci. Euh, bah, pour moi, je pense que c'est une question rhétorique, euh, que c'est une évidence pour tout le monde ici euh, que l'égalité des chances qui consiste en fait à, à avoir une égalité des opportunités, peu importe euh, son origine sociale, culturelle, peu importe euh, l'endroit où on est né, où on habite, est en effet un facteur à ce qui se passe euh, lors euh, de ces RICS. Moi, ce qui me... Qui me, me pèse, on va dire, dans tout ce que j'entends, c'est que je me dis, en fait, ce sont des personnes, des jeunes qui ont 14 ans par là, euh, et qui, en fait, euh, il y a 5 ans, étaient à l'école primaire. Et à l'école primaire, on sait très bien que c'est l'âge où on se dit, euh, ah, bah, plus tard, je vais devenir astronaute, je vais devenir médecin, euh, je vais faire tel ou tel métier. Et on se rend compte que 5 ans après, ou peut-être même moins de 5 ans après, ces, euh, ces jeunes sont happés par leur environnement, ils sont happés par les discours. Environnant aussi, de stigmatisation, ils se rendent compte en fait que peut-être que leur avenir en fait est compromis et que c'est même pire, c'est que c'est sûr pour eux que leur avenir est compromis par rapport à leur avenir professionnel, leur épanouissement, leur place dans la société, la façon dont ils sont considérés et que c'était comme si en fait finalement euh, ils reprenaient possession de leur capacité à. à à gérer leur avenir en se disant, bah, en fait, c'est l'image qu'on nous, qu nous impose, alors je vais me la réapproprier et je vais en faire un, quelque chose qui est comme une fierté. Et, et même pire, je, suis, je ne choisis pas l'avenir, je choisis, je choisis la mort. Et ça, c'est quelque chose qui, en effet, est assez marquant dans, dans tous les témoignages que j'entends. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour que... L'égalité des chances, qui est un principe, un idéal républicain, ne soit plus seulement qu'un idéal, mais aussi une réalité. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, quelque chose sur lequel on doit encore euh, poursuivre nos travaux on doit encore continuer à travailler. Et euh, surtout, ben, la base de tout, c'est la coordination, comme euh, tout le monde l'a dit. Voilà. Merci pour ces petites précisions l'égalité des chances. Si tu me permets, Selma, c'est bien de faire le, 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 le parallèle l'égalité des chances. Je vais donner la parole aux, aux acteurs de terrain. Alors, ils sont tous acteurs de terrain, mais je vais euh, la donner à aller à Monsieur euh, Amadou Kebe, président de l'association euh, France Africaine de Culture. Si tu veux prendre la parole et dire toi, en tant que personne associatif, euh, ce que vous avez mis en place, euh, si tu peux nous faire part de ton expérience, il faut savoir que dans la salle, il y a des gens de Lyon. Qui se déplacent et j'aimerais euh, saluer euh, leur présence pour participer à ce débat. On a aussi d'autres euh, coordonnateurs de CLSPD et je remercie euh, toutes les personnes qui sont présentes. Monsieur Québé, le micro vous est laissé. Bonjour à vous tout d'abord. Ah, euh, S'il se lève, Madame Maude Petit, vous allez voir qu'il est impressionnant. Mais voilà, il est de vous. Il est de vous. Allez, vas-y. Vas-y, euh, Madou. Euh, bonjour à vous tous. Donc, je présente euh, Monsieur Québé, président de l'association france -Afrique, Terre de Culture. On a créé en 2006, suite aux émeutes qu'il y a eu dans les banlieues. Donc le but de notre association avait pour but de réintégrer les jeunes délinquants à travers des projets dits à caractère humanitaire, avec différents partenaires tels la région, Emmaüs, Synergie et d'autres, et la ville de Villiers-sur-Marne bien sûr. Cette association elle a permis de faire voyager, on va dire, plus de 80 enfants à travers 80 endos de Villiers-sur-Marne et quelques-uns de différentes villes adjacentes. À travers le Mali, de leur faire voir, voir qu'il n'y avait pas que le quartier, qu'il y avait aussi d'autres difficultés, et leur faire prendre conscience de ce que c'était la vie et de ce qu'était leur destinée. Donc sur ces jeunes-là, il y avait des jeunes qui étaient victimes de violences, il y avait des jeunes qui participaient à des violences intra-communautaires, voire intra-urbaines, il y avait des jeunes qui montaient sur des braquages. Il y avait des jeunes qui étaient, euh, qui étaient sur le terrain avant du stupéfiant. Et à travers ces voyages-là, on a eu une baisse de 75% de la délinquance sur ces jeunes. Euh, le député Fauvert est parti, mais il aurait dit que tu parles avec précision, tu pourrais te rentrer au, au raid, Amadou. Euh, <laughs> 75% de la délinquance, pourquoi Parce que euh, tout d'abord, je ne sais pas c'est qui tout à l'heure qui disait que les jeunes... Il ne faut pas les laisser dans leur quartier afin qu'il y ait une stigmatisation, mais plutôt les accompagner à ce qu'ils puissent voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques années, depuis qu'Internet est apparu, les gens ont plus tendance à rester chez eux et à rester focalisés sur tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est réseau Snapchat, etc. Ils créent plus du lien avec leur téléphone portable et avec les réseaux plutôt qu'avec les, les autres. Nous à l'époque, je me rappelle en 94-95, effectivement, on faisait partie de ce qu'on peut appeler ces bandes, contrairement aux jour d'aujourd'hui ce qu'on appelle des groupes. On faisait vraiment partie de ces bandes. On a connu aussi nos grands frères qui faisaient partie de ces bandes. Donc on prenait le transport, on allait sur Paris, on allait à la rencontre d'autres populations, d'autres jeunes, de quartier, etc. pour différentes choses. Ça pouvait être pour les après-midi dansantes, ça pouvait être aller à client Aujourd'hui, ces gens-là, non, ils vivent dans le virtuel. Ils bougent plus. Ils bougent plus. Ils, bougent plus. ils font leurs achats à travers Internet à travers les, les, les différences qu'on peut voir. Ils descendent, ils vont au café, ils vont pas plus loin. Il faut dire que c'est aussi un problème sociétal. Après, bon, je ne suis, suis pas sociologue pour pouvoir pour parler dedans. Donc nous, nous à, à, à travers ça, moi j'ai vu l'évolution. Donc peut pour, pour avoir sillonné la banlieue, déf, la, la banlieue et la France. Donc j'ai vu les, diff les différentes problématiques et j'ai décidé de prendre le problème à bras le corps. Alors concrètement, comment tu le prends Qu'est-ce que tu as fait concrètement sur le terrain avec ton association sur ces problématiques de Rix Et on va resituer le débat quartier euh, des Hautes Nous, Champigny. Est-ce que tu as connu ces RIX-là oui, tu, oui, tu faisais partie de ces Rix Oui, je les ai connus. D'accord. Connu. Et qu'est-ce que tu, toi, en tant qu'aîné, en tant que grand frère, qu'est-ce que tu fais Alors, nous, nous, à l'époque, nous n'était pas une preuve d'amour parce que nous, on avait tout. On, est, on faisait partie de, de, ce, de, de cette jeunesse-là dont les parents ont quitté euh, l'Afrique pour venir travailler ici dans les années 50, où euh, effectivement, on n'avait peut-être pas les moyens que, que les parents donnent aujourd'hui à leurs enfants. On n'avait pas les dernières marques. On n'avait pas... On n'avait pas, pas, pas toutes ces choses-là qui nous permettaient, euh, pour, pour, pour d'autres, d'être dans des bonnes conditions. Mais malgré ça, on avait une éducation et un amour, une, un, un amour qui étaient donnés par nos parents. Nous, euh, on, voulait, on voulait prouver à nos amis euh, qu'on était, euh, qu était un moteur à faire de lance, si je puis dire. Nous, un fer de lance dans quel sens Un fer de lance qui pouvait compter sur nous. Qui pouvaient compter sur nous s'il y avait un problème, s'il y avait une problématique. Mais en revanche, quand on rentrait chez nous à la maison, on était euh, les petits moutons dans la bergerie qui ne se pas parler parce qu'il y avait l'éducation. Il y avait l'éducation à la maison. Alors qu'aujourd'hui, non. Les parents, ils ont délaissé leurs enfants. Ah, ça n'engage ça, ça, ça que toi, ce que tu dis. Hein. Oui. D'accord, ok. Ça n'engage que moi. Je le, vois, je, je le vois au quotidien. Je n'ai pas peur de le dire et je le dis clairement. Il y a un abandon, il y a un abandon des parents concernant la jeunesse. Et la jeunesse, c'est entre 10 ans et 23 ans même voire plus, malheureusement. Donc nous, l'initiative qu'on a prise, c'est qu'on a dit, on va cibler les jeunes qui sont en difficulté et ceux qui ne sont pas en difficulté. On a fait un travail de terrain avec les différents éducateurs. On a ciblé ceux qui avaient des grosses, grosses, grosses problématiques, aussi bien, euh, aussi, aussi bien de délinquance, de décrochage scolaire. Et on s'est dit, voilà, on va partir avec eux au Mali, au fin fond du village, et on va leur faire comprendre ce que c'est la vie. Mais leur faire comprendre ce que c'est la vie, c'est-à-dire le travail, à travers le travail et à travers l'engagement qu'eux, ils vont avoir. Et à travers ça, quand on va revenir ici, il va y avoir un suivi avec les différents, les, 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 les différents opérateurs qu'on a sur la ville, c'est-à-dire la mission locale et qu'on sort. Il ouais, y a tout un travail de parcours, ce n'est pas fait. partir au Mali pour partir au Mali, c'est je pars là-bas et il y a un suivi et a après. Il y a eu aussi un travail qui a été fait avec la justice. Il y, avait des, il y avait des jeunes qui étaient en incarcération. On a demandé à ce qu'ils puissent sortir afin qu'ils puissent participer au projet. Donc, ils avaient des bracelets électroniques pour certains d'entre eux et vous avez fait... Euh... Non, ils n'avaient pas de bracelet électronique. Ah d'accord, c'est juste pour qu'ils puissent sortir de, de leur... Pour qu'ils puissent partir avec nous euh... okay. dans ce projet-là. Pourquoi le Mali Parce qu'il faut savoir que... Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont issus de la communauté malienne. Après, c'est une stigmatisation, parce que moi-même je suis malien. Dans tout ça, il y a eu des Français, il y a eu des, il y a eu des, personnes. C'est ce que disait Monsieur Latendresse. Ça touche vraiment tout le monde, Il y a eu des, personnes de toutes confessions religieuses, des Juifs, des chrétiens, des musulmans, des... Bon, bref, il y a eu toutes ces personnes. Mais alors, allez-y, allez à l'essentiel, Monsieur Kubé. Mais c'était aussi pour faire prendre conscience de, Que les enfants là-bas n'ont pas besoin de marque pour aller à l'école. Ils n'ont pas besoin de. de comment dire doivent faire 2 km parfois en marchant pour aller à l'école, voire 3 km. Ici, on prend le bus, on prend, prend ATP. Euh, les difficultés à manger, alors qu'ici, ils ont toutes les conditions. Et tout ça, c'est une pique de rappel pour ces jeunes-là. Parce que quand ils viennent ici, ils se disent Ah, effectivement. Euh, toutes les je ne suis pas à plaindre. J'ai ouais, tout, tout ce qu'il faut alors que là-bas au pays, euh, ils galèrent pour aller à l'école. Ici, c'est euh, limite du luxe. Tout à fait. D'accord. On a fait ça sur différents pays. On a fait le Mali. On a fait le Bangladesh. On a fait le, euh, la, la Bosnie avec euh, un globe trotteur. Vous avez voyagé, euh, monsieur. Hein c'est bien. Hein c'est bien. Euh, mais oui. c'est bien, c'est ce que disait Zacharia. Je crois qu'il faut vraiment ouvrir l'esprit et sortir les jeunes du quartier, les amener à faire autre chose, les rabibocher aussi avec leur histoire, l'histoire de leurs parents, parce que ça, c'est important et je l'ai dit souvent. Nos enfants sont déconnectés de cela, et il y a cet héritage, ils se retrouvent entre deux chaises, quoi. L'héritage des parents qui ne connaissent pas véritablement, celle de l'histoire française pour lequel bah, certains ne s'inscrivent pas dessus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on on, on inscrit des formations Valeurs de la République, laïcité. Je remercie euh, monsieur le délégué du préfet et Samir Moudir ici présent, avec qui euh, j'ai participé à cette formation qui est formidable. Donc, du coup, ces initiatives, elles sont plus qu'importantes. Amadou, Champigny, comment ça se passe aujourd'hui? Quelles sont les relations que vous avez avec Alors, Champigny, avec le tissu associatif? Alors Et ça sera la dernière question. Ouais, avec, euh, avec mes partenaires, euh, Moussa Konate, Adèle Amara, euh, Kula, 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 Mamadou, hein. euh, Mamadou Jabira, etc. Moi, j'ai pas d'étiquette politique. Je n'ai pas d'étiquette politique. Avec ces jeunes-là, avec ces partenaires associatifs, on s'est assis, on a dit, qu'est-ce qu'on fait Nous, on a connu ça, on ne voudrait pas que ça se réitère. Ces jeunes-là, Début, pour des futilités, pour des, euh, des choses qui n'ont rien à prouver, on va leur offrir un meilleur avenir. Donc on s'est assis, on a appelé personne de la ville. C'est tant mieux d'ailleurs que vous preniez on des, des initiatives. Sans... D'ailleurs vous avez oublié de citer deux partenaires. Il y a les éducateurs spécialisés d'Émaux Synergie et d'ACP qui fait. étaient aussi sur ces oui, sur, sur ces prérogatives. Oui. Après. Et moi pour vous dire, moi, moi j'ai participé aux, aux comment dire aux, aux violences qu'il y avait dans les années 94, que je te disais Champlain vers Villiers-sur-Marne. Donc j'étais pas un premier temps, mais on, on m'a mis dedans parce que j'habitais à Villiers-sur-Marne après. D'accord, donc c'est parce que tu habitais Villiers que Tout même à si tu n'étais pas incriminé dans ces problèmes-là, on t'a catalogué. Tout à fait, m'a catalogué okay. direct. En plus, j'étais le gars un peu costaud dans mon rêve. Mais, mais tu l'es toujours, ça. je te rassure. <laughs> tu l'es toujours. Donc, 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 suite à ça, après, c'est un engrenage. Après, Allez, on, on un... conclut, monsieur Amado Et Puis après, c'est un engrenage. Il pourrait écrire un livre, Amado Kébé. Zacharia, il y a de la rivalité, attention. Et ouais. Et puis après, il y a un engrenage qui se fait parce que ce sont vos amis, vous voulez pas passer pour. Comme je pourrais dire tout à l'heure, la balance, parce que demain, vous êtes, on vient chez vous euh, le matin, vous avez les, les policiers directs qui viennent chez vous à 10, 12 parce qu'il y a un enfant qui, euh, qui, qui, qui s'est mangé un coup de couteau, euh, parce qu'il y en a un qui s'est fait tirer dessus, parce qu'il y en a un qui s'est qui, qui mangé un coup de hache, mais c'est arrêté de la vie. Donc vous faites partie d'un groupe, vous faites partie d'un quartier, et bien bah, euh, vous devez adhérer à ça, même si vous ne le voulez pas, euh, psychologiquement, mais physiquement, vous devez être là. C'est une responsabilité que les gens doivent une, prendre. C'est une responsabilité. D'accord. Et, euh, et, euh, Donc toi, et tu es allé et... au contact de, 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 de tes homologues associatifs ou d'autres personnes que tu connais à Champigny, tu discutais avec eux pour qu'eux même fassent de la médiation auprès de leur, leur petit. Donc on s'est donné rendez-vous au, au Quartier des Langues. C'était un lundi soir, je crois, je ne me trompe pas. On s'est donné rendez-vous au Quartier des Langues mm -hmm. avec cinq jeunes de Villiers, cinq jeunes euh, des, euh, du bois la Et on, on, a, on, a, on, on, on a parlé franchement. On leur a dit qu'est-ce que vous voulez de votre avenir Est-ce que vous voulez qu'il y ait du sang qui continue à couler Est-ce que vous voulez que demain vos parents, ils euh, aillent vous enterrer et qu'est-ce qui se passera après Vos amis à qui vous étiez, ils vont faire quoi de vous Ils vont vous oublier, ils vont continuer leur vie, et vous, vous serez où Si pieds sur terre. Donc on leur a dit, on leur a parlé franchement. Et de là, on a fait encore d'autres réunions, et plusieurs réunions, et puis on a on a fait que les les, les, les conflits entre le Champigny et Villiers, ça s'est estompé pendant 3-4 ans. Donc, donc ce que je comprends bien, c'est vraiment un travail collaboratif, associatif qui a été fait, qui a été très fort. Avec d'autres services, j'ai cité les éducateurs spécialisés qui font qu'à un moment donné vous avez pu mettre sur pied ces, ces actions. Tout à fait. Merci à Madou Kebé, on reviendra vers vous tout à l'heure. Je, je, on peut, on peut l'applaudir. C'est quelqu'un comme, comme vous voyez, il aurait pu prendre la parole et animer ce, ce débat, il le fait très très bien. Et, et j'aurais pu être maire. Ah voilà, mais ça on le sait. Ah. Non, alors juste pour la petite anecdote, c'est son deuxième surnom. Ici on l'appelle Monsieur le Maire, euh, à Madou Kebé. Il a un titre de noblesse. C'est le seul élu qui n'a pas été voté, qui n'a pas été élu par, par la population. Selma, il y a Moussa Alors, qui veut parler. Si, tu... si tu, tu, tu peux enlever ton masque aussi. Allez, par contre, on essaye de les faire court. Allez, parce qu'après, on a trois Et... autres personnes. Hop. Et il y a aussi Yamina, pour laquelle j'aimerais que vous passiez. Moi, je voulais juste rebondir à ce qu'il a dit à Mandou, parce que l'effet sur, sur l'organisation, il y a deux choses qui ont été dites. Monsieur, monsieur Yazid Karfi et M. Euh, Abdoulaye. Deux choses qui ont été dites qui m'ont interpellé justement à part ça. Le partenariat, il faut, il faut savoir le partenariat c'est très important. Pour, pour mettre ce, ce séjour de rupture en place, on avait besoin des partenaires comme ACP, on avait besoin d'Emmaüs Synergie, on avait besoin de Devide parce que moi j'étais en tant que chef de service de médiation et, et comme ça s'appelle, la mine de la ville de Champigny. Et ACP aussi. Et, et, y avait et la Maus, situation. Et Synergie. Et la situation, c'est nous. Si voilà. jamais on veut remettre et tout et contextualiser et, Adel. et, et Adel. oublier et personne, à il y avait Adel. tout le monde. Hein. Voilà. voilà. Et comment ça s'est passé en vrai Et comment ça s'est passé Il avait raison, M. Abdoulaye, qui disait il faut partir. Par rapport à cette réunion qui s'est passée, en fait, euh, il y a eu un séjour qui a été mis en place. Et quand ce séjour a été mis en place, c'était mis à, à Toussir. Il y avait deux minibus c'est de Villers-sur-Manne et c'est de Champigny. Et comment ça s'est passé? On a pris à peu près 200 km. Sur 200 km, je dis à Adèle, ce qu'on va faire? Adèle avec la mine. Et on dit, et de 200 km, on va s'arrêter. On va, va s'arrêter de son service. On va prendre un café. On va le laisser entre eux. Bon, ils n'étaient pas pour. Ils n'étaient pas contre. Dis, Vous vouliez que je, ça, ça parte en. J'ai dit 200 km. On ne peut rien faire sur 200 km. Il ne peut pas se battre. 200 km pour qui rentre dessus, c'est impossible. On a pris le risque, on est parti, on a pris nos cafés, on est revenu, on a fait 20 minutes de 20 minutes, on revient, parce qu'il faut savoir qu'on a, on a pris les personnes, on a pris vraiment les personnes qui se sont ramassées des coups de couteau. On n'a pas pris des gens hasard. Il vraiment des personnes concernées de, du, du séjour. Bref, pour aller plus vite, euh, lors du de, de séjour, et bon, chacun de son côté, chacun mangeait sur son côté, premier jour, deuxième jour. Après, ça commence à, à mélanger, commence à faire des activités ensemble. Et pour vous dire, on a fait un veillé, c'est là qui sera m'a choqué, c'est pour ça que je veux rebondir sur ce qu'il a dit à Mandou. Quand on a fait la veillée, euh, la veille avant de venir euh, à surveiller, il y a un jeune qui dit Écoute, hein, tu sais, c'est moi qui t'as planté. Et l'autre, jeune, il dit Tu sais, c'est moi qui t'as balafré derrière les, les fesses. Pour vous dire que. Ah, carrément, c'était précis, c'était carrément. Ouais, on a, précis, on a en oui. cru, hein. Et j'ai dit Adèle, franchement, on a gagné. On a gagné. Pourquoi on a gagné Parce qu'ils se sont regardés, et ils se sont dit Les choses, c'est moi qui t'as fait ça. Et je dis Moi, ce jour-là, il n'y aura plus de problème de survie, euh, entre eux. Et jusqu'à présent, ça fait cinq ans qu'on a fait ces jours. Aujourd'hui, Dieu merci, il n'y a plus d'incident entre, entre Villiers et le bois Et Bois-la-Bé. Voilà. Merci, merci Moussa. Juste, Selma, je vais donner la parole peut-être à, à Yamina pour expliquer le travail. Tout à l'heure, j'ai parlé du kiosque jeunesse à Champigny. Je sais qu'il y a un travail qui a été fait. Je ne vous ai pas oublié, Madame la, la, la députée. Mais avant de donner la parole à Yamina, je vais donner la parole à Madame la députée pour qu'elle puisse nous faire le petit mot de la fin et elle va nous quitter. Allez-y, Madame oui, la merci députée. Merci, vraiment. Je suis désolée. Je suis obligée de partir. Je suis sur le marché de Noël tout à l'heure à Villiers, encore en, circons en circonscription. Euh, vous dire déjà, Tarek, que vous avez mené demain de main de maître cette conférence. Je, et je vous en remercie. C'était vraiment très, très intéressant. Dire aussi combien c'est relativement important de travailler en concertation tous ensemble, et on a pu voir que tous les acteurs locaux prennent leur responsabilités pour le faire. Je vais rebondir du coup sur la question du CLSPD. Juste vous dire qu'il y avait peut-être encore deux acteurs qu'il aurait fallu inviter. Je mets pas en cause on votre vous organisation, non, non, mais vraiment. On vous euh, je pensais par exemple au services judiciaire, parce que c'est important que en aval, il y a une réponse judiciaire forte qui soit apportée. Les victimes ont besoin aussi de savoir que les coupables, les agresseurs, seront punis, voilà, et prennent conscience et responsabilité de leurs actes. Donc ça, c'est très important. Et puis en amont, il y a un autre acteur qu'il aurait peut-être fallu euh, inviter. Ce sont les bailleurs sociaux, parce que les bailleurs sociaux sont eux aussi euh, relativement euh, impliqués justement dans tout ce qui est social, dialogue social, etc. Et quand on pense à bailleurs social, on pense aussi à aménagement du territoire. Tout à fait. Donc il y a un sujet aussi à ce niveau-là qu'on n'a pas, qu pas Alors, abordé. Alors, madame la députée, si je peux oui. juste apporter juste une réponse sur la oui. justice, ils ont été invités, le TIG a été, euh, du moins le, TIG, le tribunal judiciaire oui. a été invité, et on a invité aussi la PJJ à venir être présent sur oui. cette oui. réunion. Par contre, sur les bailleurs, vous avez tout à fait raison. Euh, C'est une première expérience qu'on a et encore perfectible. Aujourd'hui, on va en tirer toutes les expériences qu'il y a avec les acteurs de terrain pour nourrir bien. et pour que ce soit le début de plein d'autres choses. Chose mais vous avez vous bien fait. fait. Et puis, juste une dernière chose. Je suis, Madame partir, la députée. Vraiment, je suis Allez désolée, je ne pourrais pas entendre tout le monde. Euh, vous dire qu'on euh, a parlé tout à l'heure euh, des, euh, des réseaux sociaux, de la responsabilité des parents et d'Internet, en fait, qui est très, très accessible aujourd'hui euh, à nos jeunes, en fait. Et euh, vous dire que dans quelques semaines, euh, puisque je vais probablement travailler avec lui, donc je le précise aussi... Euh, euh, tout de suite. Il va y avoir une proposition de loi qui sera portée par euh, mon collègue euh, Bruno Studer, qui est président de la commission euh, des affaires culturelles et de l'éducation, euh, pour faciliter le, le recours du contrôle euh, par les parents des outils qui permettent d'accéder à Internet. Donc il y aura un travail qui sera fait sur ce sujet-là aussi. On n'en est pas encore euh, au débat, hein, mais euh, la, la commission va avoir lieu dans quelques jours et probablement le texte sera examiné en séance à l'Assemblée nationale en janvier. Donc ça c'est un point à suivre aussi vous voyez que les parlementaires prennent leur responsabilité. Mais c'est très bien c'était une question que je vous avais posée vous y répondez C'est important après il faut, faut contrôler bien évidemment qu'elles soit mis en place euh, correctement. Je vous remercie C'est moi qui vous remercie madame la députée d'avoir été présente de nous avoir donné votre expérience. Merci à la salle, salle si nombreuse aussi à tous les techniciens. Un grand merci. Un grand à, mer un grand enfin, à et vous. Merci euh, à tout le monde. Euh, on peut applaudir aussi madame la députée mot de petit un grand merci. Merci madame la députée bon bon marché de Noël. Yamina Yaminamara pour le service municipal de la jeunesse, la chef du service municipal de la jeunesse. Voilà. Bonjour à tous. Alors déjà, je tiens à remercier euh, bah, déjà Tarek pour cette, euh, cette organisation et Salma et surtout surtout euh, mes équipes du service jeunesse parce que j'ai une su. Honnêtement, euh, j'ai j'ai encadré beaucoup d'équipes et je suis contente du résultat au bout de six ans. Euh, je suis arrivée sur Villiers euh, par sollicitation de Tarek à l'époque, on, champ... la... on travaillait ensemble sur champ... sur euh, Charenton, Saint-Maurice, Maison-Alfort, où on rencontrait effectivement pas mal de, de, de problématiques. Et avec Tarek, on, on, très rapidement, on a été un peu sur la même longueur d'onde et on a été dans l'obligation de se rapprocher. Pas parce qu'on avait des affinités à l'époque, mais surtout parce que, de fait, les jeunes nous ont imposé cette rencontre puisqu'on avait, bien sûr, des conflits intervilles, et euh, rien de mieux, effectivement, d'aller travailler avec les personnes de terrain euh, directement. Euh, Aujourd'hui, sur Villiers, euh, moi, je suis arrivée il y a six ans avec Tarek, je une l'équipe de Tarek, et c'est vrai que beaucoup de travail, sincèrement, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, surtout sur, effectivement, cette question de partenariat et de proximité, travailler ensemble. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée, on a rencontré les établissements scolaires, on a travaillé ensemble, et c'est vrai que ce n'était pas gagné. Moi, j'ai la chance d'avoir un parcours un peu assez atypique. Euh, j'ai beaucoup travaillé à l'éducation nationale, donc je connais très très bien le secteur de l'éducation nationale. Le TCPE, et hein, et je balance. les CPE, voilà, pendant, pendant voilà, 5 je ans. Euh, entre autres, une année euh, en Seine-Saint-Denis. Et, euh, et après, ensuite, j'ai quitté l'éducation nationale pour venir dans le monde associatif. Et ensuite, j'ai eu la chance de quitter le monde associatif pour venir dans le monde de la fonction publique. Et effectivement, euh, les discours ont évolué. Et franchement, je, je le vois, beaucoup, beaucoup de choses ont été faites chez tous les acteurs. Moi, je me souviens à l'époque, euh, le service jeunesse, c'était des rigolos. Quand L'éducation nationale, on nous prenait pour des rigolos. Aujourd'hui, bah non, on est respecté, on s'écoute, on travaille ensemble. Et on a eu peur, et je, et, et, et je regarde l'éducation nationale, quand on a su que sur le territoire, on allait avoir un changement de principal, on a tremblé, je vous le dis, hein, oui, est avec un bien beaucoup fait, de franchise. Mot. Et, et, et aujourd'hui... On est ravis, mais vraiment, on est ravis parce que tout ce qui a été fait en amont continue. Ça continue. Aujourd'hui, on a l'éducation nationale qui travaille en commun, qui va chercher les acteurs de terrain, les médiateurs, nous, sur la ville. Et je remercie euh, notre élu, euh, Emmanuel Phillips, ici présent à la jeunesse, qui nous fait confiance. Euh, un jour, moi, j'ai dit Parlez-moi de la jeunesse qui va bien. On m'a regardé avec des grands yeux parce qu'effectivement, on parlait. Beaucoup de problématiques sur, sur, sur Villiers à l'époque. Moi, je, mon premier jour à Villiers, quand je suis arrivé à Villiers, j'étais au nous et je me suis retrouvé embarqué avec 60 CRS, 60 jeunes en face sur le sur, face à face, et je me dis à quel moment ça va se taper dessus. C'était terrible, cette scène a été terrible. Pourtant, j'en avais vu d'autres. Et c'est vrai que le travail a été fait. On a, il y a deux ans, je crois, Tarek pris la décision et on l'a proposé à nos élus de dire voilà. Séparons la jeunesse de la médiation, s'il vous plaît. Voilà. Il faut un service à part entière. Moi, la jeunesse, c'est toute la jeunesse. Arrêtons de stigmatiser. Notre élu nous a accompagnés. On a quitté le quartier prioritaire. On est parti en centre-ville. Les familles sont venues en centre-ville. Ce n'est pas pour autant qu'on a délaissé le quartier prioritaire. Le travail a été ensuite de mettre en place, effectivement, une personne référente du CSPD. Moi, j'ai été responsable au CSPD pendant, pendant un an sur la ville de, de, de Charenton. Et on a des profils intéressants dans le secteur de l'animation et de la jeunesse. Beaucoup de CSPD en France sont tenus par des personnes, et j'en discutais longuement avec euh, le député, sont tenus par des, par, 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 par des anciens policiers ou des anciens gendarmes. Aujourd'hui, on a, en tout cas sur villiers sur une personne qui est issue de l'animation. Et nous, la compétence qu'on a dans l'animation, c'est qu'on a ce travail de partenariat. C'est important pour nous, ce partenariat. Et aujourd'hui, le CSPD, comme il est constitué, donc avec la médiation qui est directement rattachée au cabinet du maire, qui est, ce sont des questions qui sont centrales, ça fait partie vraiment des orientations politiques importantes, avec effectivement des outils qui sont mis en place, des moyens moi, des outils où on a une équipe de médiation dédiée. Moi, mes, médiateurs, pas des... mes, mes animateurs, ce ne sont pas des médiateurs je le dis avec beaucoup de sincérité. Au même titre Ce que sont... les médiateurs ne sont pas des éducateurs spécialisés Exactement. à chaque Exactement. Au même titre que les éducateurs ne sont pas des éducateurs Mais Yamina, spécialisés. Yamina, juste si tu peux recentrer juste Yamina sur le le, le comment vous travaillez vous service municipal de voilà. la jeunesse avec le service municipal de la jeunesse de Champigny pour recentrer euh, le débat sur les sur les RICS et comment voilà. on, comment on travaille sur le programme voilà. d'activité ensemble. Vais... Voilà. Donc excuse-moi. Je vais hein. revenir non, raison, je vais revenir un peu sur, 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 sur effectivement l'outil le, le concret. Nous aujourd'hui avec Champigny, c'est des on, on, on les deux services jeunesse travaillent ensemble. Donc ça veut dire que chaque période de vacances scolaires, on a une programmation qui est mise en place, une rencontre avec des projets en commun. On a initié à la suite de, 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 de l'équipe euh, du groupe qui a été fait majeur qui était parti sur un séjour, on a continué cette initiative en proposant chez les plus jeunes des séjours, et il y en a eu un cet été qui s'est très très bien passé, un séjour sur des 11-14 ans, Villiers-Champigny. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'eux sont très très loin des problématiques des, plus, des, des anciens, bien au contraire. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de décloisonner ce besoin, en tout cas, de, euh, de, de se mettre en groupe, en bande, ou d'être dans une rivalité qui n'est pas forcément très objective. Donc aujourd'hui, ça, ça, ça se concrétise comme ça, régulièrement des rencontres, les équipes se connaissent, ce qui que, est déjà ce bien, ce qui est très très est, important, bonne avancée. Avant d'avoir mis, avant pris en rencontre avec les jeunes, ce sont les équipes qui se sont rapprochées, qui se connaissent et qui aujourd'hui travaillent avec beaucoup de simplicité. Alors il y a eu un séjour euh, prévention qui a été proposé euh, par le service municipal de la jeunesse, par euh, porté par euh, Marine. d'ailleurs qui était un Alors non, très bonne... je, je vais juste te retenir, ah. ce n'était pas un séjour prévention. <laughs> ah excuse-moi. Non non, c'est un séjour, c'est vraiment un séjour entre euh, deux services, services, deux services jeunesse avec des jeunes. Ou la thématique c'était la moto, une prévention routière hein, je parlais moi. Voilà, Ah oui, excuse-moi, j'ai pas été jusqu'au jusqu bout du mot. C'était ah sur la thématique de la prévention routière. Ouais, oui. C'est pas pareil. Ah oui, oh oui, Donc, prévention non, routière. On a pris on a, alors mais qui naît, mais tu as raison de préciser, c'est qu'on a pris l'action de la sécurité routière puisque quoi qu'il en soit la sécurité routière, c'est un rapport à la règle et à la loi. Quelqu'un qui respecte le code de la route, c'est quelqu'un qui respecte la loi. Donc on est parti de cette, de, 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 de ce travail pour finalement aborder plusieurs sujets sur euh, la question euh, de, des valeurs et de la règle et de la loi. Donc, si j'ai bien compris, des programmes d'activité que vous travaillez mutuellement, de ça. façon commune. Euh, à quand les kiosques jeunesse euh, intercommunales Ah, pourquoi pas Voilà, donc <laughs> je, lance, je lance une idée. Belle idée. Un, un, un grand remerciement. C'est vrai que je salue la présence donc, de Monsieur Emmanuel Philippe maire adjoint donc, en charge de la, de la jeunesse ici présent. Euh, Est-ce que tu souhaites donner la parole à. Alors, oui, parce qu'elles sont venues de loin, et puis nous, on va après enchaîner euh, Alors, sur Paris avec un reportage. Allons. On continue les RICS. Alors justement, euh, pour le coup, euh, j'ai trois personnes qui sont venues de très loin. Notamment, j'ai euh, Awa. Alors Awa qui de est Hawa Alors Hawa, ah, c'est se présenter aussi. Donc euh, une maman qui a perdu son enfant lors de Rix, malheureusement. J'ai Nathalie, mirimta Merci Nathalie, parce qu'elle a enchaîné sa nuit d'infirmière et elle est venue directement. Donc, merci bien, euh, voilà, elle est tellement dans le combat qu'elle n'en même plus et j'ai Maxime Xenou aussi, merci beaucoup de ta présence qui est directeur général alors thématique Outre-mer parce qu'il était important aussi de voir un peu la visibilité de ce qui se passe là-bas et surtout sur tout ce que tu as entendu donc du groupe SOS Jeunesse donc je vais déjà donner la, la parole à Awa et puis je te laisserai donner également la parole aux mamans qui sont, qui sont venues de Villiers donc Awa, euh, rapidement par rapport à alors tu as perdu ton fils Ismaël suite à ça tu as développer une association où aujourd'hui tu fais beaucoup d'actions est-ce que par rapport à ce que tu fais aujourd'hui tu as eu beaucoup plus d'informations sur la réalité du terrain ou avant justement malheureusement cette perte tu n'étais pas du tout au courant de, de cette thématique merci de m'avoir invité ici et si je suis là c'est parce qu'il y a un problème sur les risques et je ne connaissais pas Villiers uh, j'étais jamais venu mais après une réunion à la mairie, aujourd'hui, je, je fais partie oh, de cette famille de villiers sur marne Effectivement, j'ai perdu mon fils oh, le 13 janvier 2018 à la rue Roquette. Et je me demandais si c'était une risque ou bien si c'était oh, un problème de jeûne. Mais il a fallu que je parte à la justice pour comprendre ce qui s'est qu réellement passé. Parce que quand mon fils est mort, il y a eu beaucoup de, de choses qui ont été dites dans les réseaux, dans les médias. Et on pensait que c'était la drogue, on disait que c'était un problème d'enfant, de, 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 d'amour, de, mais je ne sais pas quoi. Mais moi, vraiment, j'attendais de faire la justice, de, 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 de connaître la, la vérité. Et cette vérité, c'était seulement que des jeunes du 19e sont venus à un anniversaire dans le 11e. Il y a eu des provocations et c'est Ismaël qui est décédé. Et ce jour, il était à la, dans le 11e parce qu'il devait faire son clip puisqu'il chantait, il faisait du foot. Et il a reçu un coup de couteau au dos. Un coup de couteau de 30 cm. Tout à l'heure, quand j'ai entendu Talek parler de 25 cm, ça m'a tiqué parce que moi, mon fils a reçu un coup de couteau de 30 cm. Et c'est très, 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 très dur d'avaler, de voir mourir son fils dans la rue pour euh, des banalités. Et depuis ce temps, moi, je n'avais jamais entendu parler des risques. Après, j'ai fait des recherches. On me dit que non, c'est un mot policier. Et après, j'ai créé une association qui porte le nom de mon fils. Puisqu'il s'appelait Ismaël Diable Junior, l'association c'est HDJ. Et depuis la création de mon association, je, je milite auprès des familles et auprès des associations. Ce partenariat-là, je ne peux pas le faire seul. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être beaucoup pour avancer, mais à trois, on peut aller plus loin. Qu'on soit seul, on peut aller plus loin. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Nathalie. Quand elle a perdu son fils, je suis allé frapper à sa porte et on a pleuré ensemble. On a passé des moments difficiles. On allait en enterrer nos enfants. On se retrouve souvent à Pantin parce qu'elle y va souvent les vendredis parce qu'elle a le temps. Moi, je passe souvent les, les dimanches. Et ainsi va la vie. On va pas arrêter de vivre parce qu'après la mort, il y a l'amour. C'est ça qui nous donne la force d'être assises aussi aujourd'hui, de parler de notre association. Moi, personnellement... Je n'avais jamais voulu créer une association. Cette association, c'est le père d'Ismaël qui m'a dit on va faire des actions auprès des jeunes, moi je vais m'impliquer. Je lui ai dit bon, comme toi tu as un papa, pour une fois, on aura un papa avec nous. Et depuis ce jour, on, on mène des petites actions. On a essayé, dans, parmi nos actions, on n'a pas. J'ai créé, euh, j'ai appelé une action qu'on appelle la chaîne qui nous rassemble. Cette chaîne qui nous rassemble autour de nos valeurs, de nos problèmes, d'éducation de nos enfants. Et quand on se retrouve avec les mamans, on parle de tout. On parle de nos droits, de nos devoirs. Et il y a des mamans qui s'interrogent pourquoi nos enfants ne votent pas. Point d'interrogation. Pourquoi nos enfants ne sont pas impliqués dans la vie euh, de, comme les autres euh, enfants. Point d'interrogation. Et on n'a pas pu se réunir à cause du Covid. On a fait un petit film qu'on appelait La chaîne qui nous rassemble. Cette chaîne où on a donné la parole à des mamans qui ne parlent pas français. Parce qu'il y a des mamans qui parlent pas le français comme moi, qui avons eu la chance d'aller à l'école depuis l'Afrique. Mais on a donné la parole à des mamans qui souffrent comme nous, qui, qui ont parlé en Wolof, en, en, en Sarakouli, en, en Bambara, et en, en Peul, et en arabe aussi, parce que c'est ça qui fait la mixité en France. Et ça pour dire qu'on, avec tous nos partenaires, quand il y a un problème à Villiers, on pense que nous, on est concernés. Nous, on avait peur de venir vivre dans les banlieues, comme mon fils me disait, maman, on ne va pas vivre dans un banlieue, il y a trop de violence, mais la violence nous a trouvés à Paris. C'est pour nous dire que... Nous sommes tous concernés par la violence. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Et je voudrais que, aux autorités, qu'on nous ouvre les portes de l'école. Quand on veut aller parler à nos enfants dans les écoles, il y a des tracasseries il faut passer par l'académie il faut passer par un tel. Je pense que face à la violence, il n'y a pas de titre. Face à la violence, on n'a pas besoin d'aller frapper la porte d'un ministre pour dire qu'on s'ouvre qu'on nous laisse les portes des écoles. Même s'il faut nous laisser à l'entrée des écoles pour qu'on puisse voir nos enfants. Nous exprimer dans les écoles, qu'on nous ouvre ses portes. Je vous remercie. Merci beaucoup Awa, pour ce message. Je vais. Euh... Alors en effet, les deux enfants se connaissaient. Voilà, les deux les deux enfants qui ont été malheureusement assassinés se connaissaient. Et pour le coup, euh... donc Nathalie, une très belle rencontre, Nathalie, euh... militante également sur le terrain avec beaucoup d'action et présidente. Maintenant, on la voit. Euh... Souvent dans des reportages, à expliquer ce qui s'est passé et justement d'où ces interventions, et présidente de la Fédération des Mères Combattantes. Merci Nathalie encore d'être là. Bonjour à tout le monde. Je m'excuse. Je vais enlever mon masque. Il n'y a pas de souci. Je m'excuse du retard de ce matin parce que j'ai passé la nuit et c'est une nuit blanche. Et bref, je m'excuse encore une fois. J'avais constaté dans la salle que. Malheureusement, il n'y a pas de concernés, les jeunes. Il y a autant de filles que j'apprécie. Elles sont là, elles sont à nos côtés, mais peu de, très peu des de, de garçons. Alors moi, mon fils euh, a été assassiné euh, le 24 octobre 2010. Je revenais du travail, donc je l'ai croisé. Il me dit, maman, je vais juste en bas voir les copains, je reviens je revenais du travail justement il était aux, aux environs de 18h30 19h et euh, il me dit voilà donc c'était des périodes des vacances euh, je dis ben, bon ne tarde pas trop et euh, 20h 21h revenant du travail je me suis allongée dans le canapé mais ben, le sommeil m'a pris j'ai pas pu vérifier à quelle heure mon fils devait rentrer et à 23h 23h30 minuit les copains viennent frapper fort à la porte. Et il y avait son frère qui était parti sur le lieu et qui est revenu avec les copains pour me dire que maman, il n'est plus là. Et ça résonne encore dans la tête. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de pleurer. Je rejoins ce que Gabriel a dit. On identifie ses enfants dès la crèche. Dès la crèche, il y a déjà, aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de parents qui vivent seuls avec leurs enfants. Il y a beaucoup de filles qui font des enfants trop tôt, précoces, et qui sont tout seuls avec leurs enfants. Les parents qui désistent. Quand euh, il est parti, mais euh, je ne sais pas si le Amadou, nomadou, vous oui. a dit que les parents désistent. Oui, on constate tout ça. Il y a certains moments. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les mamans sont en première ligne. Il y a des mamans que je félicite aujourd'hui, sans couler dans le 19e. Il y a énormément de mamans. Il y a euh, Mado qui fait énormément de choses qu'on ne reconnaît pas. Moi, je dis stop. Les mamans ont assez fait. Il faut aujourd'hui que les pères prennent aussi leurs responsabilités. Le problème, les enfants, ces garçons ont la tension interne. L'environnement, vous pouvez mettre des milliards, mais tant que ce problème ne se résout pas à la source, on ne peut jamais s'en sortir. C'est vrai, moi j'ai fait beaucoup de pays pour en arriver là. Et j'ai toujours dit aux enfants si vous allez quelque part, que vous voyez juste à côté là en Italie, vous revenez, vous allez voir autre vision des choses. Donc il y a beaucoup de moyens. Pour les enfants, il y a des études au niveau de, 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 de soutien scolaire, il y a des associations. Là, vous parlez de sortir, il y a énormément de choses. Mais qu'est-ce qu'on a échoué C'est pas de mettre milliards sur le terrain ou quoi que ce soit. C'est d'aller à la source. Déjà identifier, chercher l'environnement de l'enfant. Pourquoi cet enfant Parce qu'aujourd'hui, c'est le milieu qui est plus frappant, c'est subsaharien. Cette ville, eux, dans mon service, il y a des enfants de souche, des blanches, des françaises. Eux, ils ne vont pas aller se bagarrer. Ils ne vont pas aller. Mais ils s'automutilent. Il y a des enfants qu'on alimente par alimentation parentérale. Donc, il y a la violence partout. Mais comment on en arrive là Et donc, aujourd'hui, on identifie juste les jeunes qui partent, qui vont s'entretuer, les rixes, tout. Mais ces rixes là c'est dû à quoi on est tous responsables. Je vais juste m'arrêter là. Avant-hier, je partais. C'était hier, pardon. Hier, je partais pour chercher mon imprimante. J'ai traversé la rue. Il y avait deux jeunes qui étaient très polis. Je les ai vus grandir. Ça fait 20 ans que j'habite dans le quartier. La dame passait. Bonjour les dealers. Voilà. Et ça s'est passé devant moi. J'ai laissé même dans le message du groupe, j'ai 87 groupes des mamans. Donc, on est tous responsables. Est arrête, arrêtons d'hystériotyper nos jeunes. Si l'école, si vous voyez qu'il y a des, des, euh, un jeune qui a peur d'aller dans un établissement, approfondissez vos questions. Pourquoi il ne veut pas y aller il y a Moi, dans mon, le, le lycée de mon fils, il y a deux enfants qui sont morts le même jour. Deux enfants. Qu'est-ce que le lycée a fait Est-ce qu'ils ont mis des cellules psychologiques Non. Quand il y a l'attentat, on, on nous fait plan blanc, on appelle tout le monde. Mais quand ces enfants, qui les a accompagnés Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est les professeurs. Et encore, ils peuvent pas aller faire tout ce que les psychologues, chacun reste à sa place et on doit coordonner le travail. Aujourd'hui, ces enfants sont livrés à eux. Vous allez dans le, coin, le quartier, ils sont regroupés. On, est, on peut bien vous dire des choses, on peut mettre les choses en place. Mais donner les moyens au moment, les moments qui sont. Les premières personnes qui doivent intervenir, c'est les pères. Tant que les pères sont assis et que les choses vont, et là, on va commencer à bien discuter. Sinon, c'est que platonique. Alors c'est très bien ce que, ce que vous dites, hein, j'en parlais tout à l'heure avec, euh, avec une de mes collègues et je disais que c'est vrai qu'on on parle souvent des mères, vous, vous venez d'indiquer euh, la présence des pères qui est nécessaire, euh, les enfants ne se font pas tout seuls et c'est la responsabilité de toute la, toute la société, de tous les acteurs et c'est très bien. En tout cas, un grand remerciement pour, pour, vos, pour vos parcours. Euh, je sais que ça doit, c est, c est, ça doit être extrêmement difficile de se reconstruire quand on perd euh, sa chair. En tout cas, un grand merci d'avoir fait ce témoignage parce que si ça peut permettre de, de faire avancer les choses. Et tout à l'heure, quelqu'un disait c'est vous, madame, qui avez dit euh, je regrette de ne pas avoir les jeunes présents concernés par cette problématique. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, l'expérience qu'on est en train de faire, c'est une expérience qui doit être euh, perfectible. Aujourd'hui, j'ai conscience qu'il y a plein de choses encore à améliorer et c'est justement avec ce type d'intervention qu'on amènera à améliorer. Et en effet, depuis tout à l'heure, on parle de euh, si on doit travailler avec le jeune, on doit l'intégrer. Dans cette problématique-là, en tout cas dans, ce, dans cet écueil, bah, c'est quelque chose qu'on mettra en place. Un grand merci. Juste une petite parenthèse. Allez, y petite le 18, parenthèse et après. Le 18, 250, le 18 décembre, on a organisé parce que c'est les périodes des vacances. Oui. Et comme c'est les vacances, c'est là où ça cogite tout dans la tête et il peut faire n'importe quoi. Donc, on a, il y a 250 jeunes qu'on a regroupés avec les clubs de prévention, centres d'animation. On va identifier les talents du quartier. Oui. pour dire que voilà, ce n'est pas que des délinquants. Donc, si vous voulez passer... C'est C'est au centre d'animation Place des Fêtes. D'accord, OK, très De bien. De 17h ben... à 22h. Eh ben il y aura à peu près la... 250 jeunes si vous voulez passer. Merci pour l'invitation. La... Est-ce qu'on peut donner la parole à Penda Voilà, Penda qui va parler. Alors, je ne sais pas s'il y a une maman aussi de, de champignons avec toi, comme ça vous allez pouvoir nous parler de ce que font les, les, les mamans et comment les mamans travaillent avec les papas. Est-ce que ce que vient de dire madame, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent On est frappé de voir les mères qui vont en première ligne, mais très peu les pères. Est-ce que c'est vrai D'abord, je dis un grand bonjour à tout le monde. Et je remercie toutes les personnes qui, sont, qui ont pris la peine de venir à cet événement qui nous concerne tous. Et surtout les champignons, il y a Mordac, il y a Boalabé, ils ont pris la peine, surtout ces samedis matins, ce n'est pas facile euh, de se lever tôt euh, pour participer à... Euh. Comme on dit tout le temps, pour nos enfants, il n'y a rien qui est de trop. Ça aurait été plus tôt, on a, on nous serons présentes aussi. Et je suis désolée de voir que certaines personnes sont parties euh, parce qu'ils ont eu d'autres occupations. Il y a de ça, et puis chaud, on, est, on est très mauvais sur le timing. Là, sur parce le coup, je prends ma part de responsabilité. donc, voilà. du coup, euh... Voilà, parce qu'il y avait des papas comme des mamans qui étaient là tout à l'heure. En tout cas, dans les cas des villiers, je vais parler euh, concernant les cas des villiers, on n'a pas ces problèmes avec les, avec les papas. Les mamans et les papas sont présents. À chaque fois qu'il y a des événements qui concernent nos enfants. Vous savez, euh, je vais faire un peu historique parce que c'est pas facile euh, d'être une maman déjà et d'être un papa. Parce que à, à l'instant où on porte un enfant, euh, déjà on commence à être responsable. Parce que on est heureux, on attend l'avenir de cet enfant, on prépare son avenir. Une fois que l'enfant est venu, nous voulons le meilleur pour cet enfant. Nous voulons l'éduquer du mieux que nous voulons. Et transmettre des valeurs que nous-mêmes, on nous a données. Mais par contre, ce n'est pas facile parce que les, ce sont des êtres humains. Ce n'est pas comme des ordinateurs qu'on programme. Ils ont leurs propres pensées à eux. Ils réfléchissent comme nous, on réfléchit. Donc, on sait, on prend, on, nous, on propose, mais aussi, ils décident aussi de faire certaines choses. Donc, du coup, ça ne rend pas le travail facile. Mais nous sommes là à nous battre parce que nous sommes dits ce sont notre responsabilité. Puisque ce sont nos enfants, on ne va pas les laisser faire n'importe quoi. En tout cas, ici à Villiers, à chaque fois qu'il y a des incivilités dans ce quartier, les parents ils ont été présents pour dire non, on ne s'attaque pas aux biens publics, non aux interbagarres entre les quartiers, non aux bagarres même au sein du quartier de Villiers-sur-Marne. Nous, les parents, on a toujours été présents. C'est pour cela même qu'on a créé un groupe WhatsApp avec tous les mamans pourquoi Pour faciliter la communication. Dès qu'il y a des événements, tout de suite, le message est passé sur WhatsApp et tout le monde a l'information. Et on, si on doit intervenir, on intervient direct. Et nous, nous, sommes, nous intervenons pas parce qu'il y a des événements aussi, parce qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, qu'on intervient, non. Nous faisons de la prévention aussi. C'est comme les émettes 2005. Nous avons pu éviter des pires ici parce que nous, les parents, nous nous sommes mobilisés plus tôt en disant que... Si on ne fait pas quelque chose, dans tous les quartiers, ils sont en train de péter, ils sont en train de brûler toutes les voitures, mettre des feu partout, les écoles sont brûlées, nous on a dit non, on a ramassé nos enfants, on les a dit, vous voyez qu'est-ce qui se passe à la télé, nous ne voulons pas de ça chez nous. Les pauvres personnes qui ont leurs voitures ici, ils n'ont rien à voir avec dedans. Les écoles, l'école n'appartient à vous, ce n'est pas à l'État. Les enfants de l'État, le gouvernement, ils ne sont pas dans cette école, c'est nous les pauvres qui vont dans cette école. Donc, il ne faut pas toucher à nos écoles. Et ça a servi que chez nous, il n'y a pas eu de dégâts conséquents. Donc, quand il y a eu des problèmes inter-quartiers avec Champigny et, et Villiers, nous avons pris euh, contact avec les Champigny. Depuis 1998, on travaille ensemble avec euh, les Champigny. Nous avons été présents chez eux comme ils sont venus chez nous. Et notre travail a apporté beaucoup. Les gens nous demandent ça fait aussi longtemps que vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que ça peut résoudre et oui, ça résout pas mal de choses. Ça a évité le pire. Ça a évité la vengeance entre les enfants. Parce que si on n'était pas intervenu, qu'est-ce qu'ils vont faire On est venu attaquer à Villiers. Villiers aussi va attaquer à Champigny. Notre intervention limite tout ça et met des freins à tout ça. Donc, tout le travail qu'on fait sur le terrain a beaucoup apporté et a apporté ses fruits aussi. Parce que je veux dire que le travail qui s'est fait à Villiers, on s'est fait en partenariat avec le service jeunesse, avec le service médiation. Nous ne sommes pas seuls. Et moi, à Penda, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de tous les parents qui étaient là et qui sont présents dans cette ville. Tu les appelles à chaque minute que tu dis, venez, on descend en bas, il y a un problème. Ils sont là. Ils ont toujours été présents. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais passer le micro à Fatim Sangare qui est à côté de moi. Pour alors Fatou, vous êtes de Champigny, Madame, c'est ça Vous habitez Champigny Oui, c'est ça. D'accord. Le, le Bois Labé ou les Mordacs Mordac. Les Mordacs. Les Mordacs, très oui. bien. Alors, comment et vous travaillez avec les parents euh, du quartier des Hauts nous Bonjour tout le monde. Bonjour Madame. Je, je remercie tout le monde d'être là et je remercie Penda de nous euh, inviter, de, de travailler avec nous depuis longtemps. Et Mordac, on a créé l'association parce qu'au début Mordac était calme, il n'y avait pas beaucoup d'immigrés au Mordac. Donc, le travail était un peu simple. Donc, après, les femmes ont vu qu'il y avait des arrivées. On a dit qu'il faut créer une association. Donc, on a créé l'association et il y a les nouveaux venants. Il y a beaucoup de femmes qui, qui étaient analphabètes. La famille était analphabète. Donc, le problème maintenant, quand les, les, les immigrés arrivent, je crois qu'il faut les accompagner parce qu'ils viennent. Ils n'ont jamais été à l'école, ils n'ont jamais fait une grande ville. Ils viennent seulement ici, ils viennent à Paris. Donc, c'est des gens, ils sont perdus. Donc, ils ont même perdu le regard des autres pour sortir. Donc, avec l'association, on a mis l'atelier de couture sur place. On les faisait venir, on échangeait ensemble. Donc, ils commençaient, elles commençaient à avoir confiance en eux. Mais le problème n'est pas là encore. Quand ces femmes-là mettent les enfants au monde, les enfants, ils n'arrivent pas à se comprendre parce qu'ils ne parlent pas français. C'est les enfants qui signent tout pour eux. Il y a, même si à l'école, on leur donne une convocation, les enfants signent, ils ne montrent pas à ses parents. Donc, les parents ne sont jamais à l'école pour aller représenter leur, leurs enfants. Donc, l'école nous a contactés qu'on ne voit pas les femmes, les parents, alors que les parents n'étaient pas au courant du tout. Donc, on a intervenu sur ce côté. Et ça a été une réussite. Après, on a intervenu sur la médiation pour accompagner les femmes là dans les hôpitaux, dans les dispensaires, et de leur montrer leurs droits, parce qu'il y avait qui n'avaient pas de papier, qui avaient peur de sortir, ils connaissaient pas leurs droits. Donc après la continuation, on a eu à travailler avec le le le, la, le, le le comment de service dire. administratif pour l'immigration, non, euh, non Non, rien à voir. Non. Le, le Forum social mondial ah, oui, qui nous a contactés, c'est passé au Mali. Donc, oh, on a dit, bon, ça c'est un gros projet pour nous, on vient de débiter. Et la ville nous a accompagnés, le service de, de l'immigrant nous a accompagnés, toutes les associations. Donc, on a pris plus de jeunes, on a été au Forum social à Bamako. Et ça a été un échange et une réussite pour ces jeunes-là à l'époque. Quand ils sont venus, ils ont changé, ils ont eu d'autres mentalités. Après, on a continué, on a été au Kenya, on a été à Dakar en 2011. Vous aussi comme Amadou, vous voyagez, madame. <laughs> C'est ça, vous faites plein de, plein de destinations. Donc, ça a ça, ça fait un effet. Donc, après, le problème de Villiers, ça a été un problème urgent. Donc, Penda nous a contactés. Il y a eu une urgence à Villiers. Il y avait eu des enfants il y avait, qui ont été poignardés. Qui ont été, po, été Poignardé. poignardés. Oui. Donc, l'urgence, les parents de Villiers, on a pris un rendez-vous, on est parti au Bois-Labé, on a rencontré les femmes de bois et Mordac. Donc, il y avait une, une, une soixantaine de, de personnes à l'époque dans la salle. Que et des mamans ou des mamans des papas Des mamans, il y avait plus de mamans malheureusement que de papas. Et la, la jeunesse était là parce que Villiers avait amené leur, la jeunesse, les papas et les, les mamans. Donc les élus nous ont accompagnés, donc on a échangé. Et depuis, l'échange a continué. Mais Villiers, nous, nous, les deux côtés, on a continué aussi sur le terrain. Mais nos femmes, on a demandé de faire une formation de médiation sur nos femmes parce qu'on occupe l'espace public pour que ces jeunes-là... Et avec les mamans, ils, ont, ils ont, c'est pas peur, ils ont une autre façon de, voir, de sortir quand ils voient les, les, les parents. Alors si je puis me permettre, vous avez tout à fait raison, vous dites tout à l'heure que vous, en tant que parent, vous intervenez, mais vous n'avez pas de mandat, il n'y a pas d'accompagnement à la formation pour les parents pour le faire, si ce n'est que votre bonne volonté. Et ouais. ça, c'est déjà très bien. Ouais. Euh, je, je remets le, le parallèle avec les annonces du gouvernement. Est-ce que vous avez fait des demandes, vous, au Bois-Labé, euh, à Champigny, les mamans, est-ce que vous avez sollicité la préfecture pour obtenir des, des financements des subventions pour pouvoir non, faire on vos actions nous, on de, de terrain des subventions. Bon, Les subventions, on nous donne, mais c'est des maigres subventions. D'accord. Oui, euh, une nouvelle subvention, on demande toujours, mais c'est la même subvention qu'on nous donne. Et on met les projets dessus. Okay. Je vais vous demander juste de, de, de terminer, de conclure, madame, pour qu'on puisse donner... Euh... Donc, euh, ah. vers la ah. fin, de, avant le Covid, il y avait une urgence aussi au Mordac. Et le, et le, le lycée Longevin, j'ai entendu parler de ça. C'était le problème de Langevin. À... Langevin-Vallon, il est là. Le... Langevin-Vallon. Ah, il est là. On, oui, on avait essayé de mettre un groupe de, de mamans pour aller les voir. D'accord. Et, et alors, vous avez été les voir avec, ou pas Avec le Covid, on n'a on a pas pu travailler ensemble. Très bien. Il est là, Donc... le, le proviseur du lycée Langevin-Vallon. Si <laughs> vous souhaitez après euh, nouer des contacts, <laughs> n'hésitez pas. Voilà. Échangez vos numéros de téléphone, Donc... ça sert aussi à ça. Donc vraiment, je remercie Villiers parce que depuis là, on assiste à toutes les réunions de Villiers, on échange, on y travaille ensemble. Merci. Bah, merci à vous. Allez, Penda, vraiment, alors vraiment de façon très très courte. Alors, Madame, très très courte. Est-ce que vous êtes possible C'est la voix de Sonikara. C'est la voix de Sonikara, De voix de Soniké. Formidable. Allez-y, Madame. D'accord. Ok. Allez-y, Madame. Très rapidement. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et Penda, merci vraiment pour l'invitation et merci pour votre accueil à, à Villiers. Et nous, surtout, la lutte contre la violence pour les enfants. On, on, est, on travaille là-dessus. On fait beaucoup de réunions. C'était l'association Soniche. Elle est ici à Champigny ou, à, ou à du Champigny. moins à Champigny ou Villiers À Champigny, Champigny d'accord. Très bien. D'accord. D'accord. Il y a des représentants de Villiers dans cette association. Ok. Et vraiment, je suis très très ravie pour la, le, la conférence. C'est très très important au niveau des jeunes. Euh, on est on est on est on lutte contre la violence. On, on, on a fait beaucoup de rencontres avec les élus de Champigny. Et vraiment, il faut qu'on serre la ceinture. Les enfants, c'est notre avenir. Bien sûr. Et des rencontres, c'est pas seulement de parents. Il faut qu'on invite les jeunes aussi. Oui, c'est ce qui a été dit et c'est voilà, euh, voilà. bien ancré. Euh, voilà. Mais c'était une première et c'est vrai qu'on ne pouvait pas. Très, très mais c'est important, vous avez tout à voilà, fait raison de le préciser. Les parents, oh oui, très les important. Maman, les papas, bien sûr. Souvent, c'est les mamans qui sont là, mais les papas, c'est rare. Quoi. Et là, c'est quelque chose. Et les réunions, c'est très important. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, c'est bien. C'est vrai, vous avez raison de dire ça. Il y a la théorie, il y a aussi la pratique. Voilà. Et justement, la pratique, c'est intéressant aussi. Après, on, on invitera le public à discuter avec les, les partenaires, si vous le souhaitez. Comme ça, on pourra peut-être échanger voilà. les numéros de téléphone. En tout cas, c'est -ce notre, que... hein notre lutte. En tout cas, votre association Sonique, c'est ça, qui est à D'accord. Oui. OK, très bien. Bah, écoutez, ça sera un des acteurs qu'on notera sur le, sur le papier. Allez, dernier, euh, on peut l'applaudir, madame. Merci, merci beaucoup, en tout cas, pour ces interventions. Est-ce que Maxime, vous êtes capable de nous la faire très rapidement Oui, Alors, ce que Maxime, vous pensez, je sais que vous êtes un grand rapport, bavard, mais euh, là, sur rapport le coup... À, à, à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été, tu, 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 tu vas avoir l'honneur de conclure cette conférence. Ah, il conférence, va falloir conclure très rapidement. Et je te passe le micro. C'est dommage parce que j'avais un message pour le proviseur de Langevin-Vallon. Ah dites, -lui, euh, je, je lui je lui dirai, il n'y a, a pas de problème. L'indication mais... suivante, c'est que personne n'est complètement assigné à, à sa résidence et à son lieu de naissance. J'ai grandi au Mordac. J'ai été élève au lycée Langevin-Vallon, j'ai fait toutes mes classes. Et aujourd'hui, je suis directeur général d'une organisation nationale. Donc, c'est possible. Et donc, c'est sur une. Avec ah, ben bah voilà, plaisir, un forum de l'orientation, que demande le, le peuple. Avec grand plaisir. Mais je veux dire qu'encore une fois, rien n'est définitivement écrit et qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut agir. Et tout ce qui a été dit ce matin, merci pour l'animation, merci pour l'initiative de, de cette manifestation, extrêmement passionnant. Euh, et puis permettant de mettre en lien tous, les, euh, tous les, les acteurs de terrain. Bien sûr, tous les acteurs de terrain et tout le lien entre la prévention, la protection de l'enfance, l'éducation, et on a dit combien le rôle de l'éducation nationale était tout à fait essentiel, et on a souligné l'absence des acteurs judiciaires, mais comme je viens de ce milieu-là aussi, je peux dire aussi tout le sens qu'a la justice quand il faut rappeler la loi, et à certains moments, il est très important effectivement de, de rappeler la loi. Je ne vais pas reprendre les... Les sujets qui ont été abordés parce qu'ils l'ont été tout à fait bien et illustrés par euh, des acteurs de terrain et puis des, des personnes qui ont été touchées dans leur chair, comme tu l'as dit très bien Tarek, euh, par les phénomènes qui sont mis en, en discussion aujourd'hui. Juste un mot pour dire, parce que j'ai une autre casquette et qui me fait moi aussi beaucoup voyager, en particulier dans les Outre-mer. Les phénomènes qui sont décrits ici euh, valent euh, à l'international sur, sur la Terre entière, j'allais dire, valent dans la France hexagonale et valent aussi dans nos, nos, nos territoires d'outre-mer, euh, qui sont confrontés de la même façon aux mêmes enjeux. Euh, les agglomérations, la situation des enfants et des jeunes et les difficultés rencontrées par les enfants et les jeunes dans les Outre-mer. Donc là aussi, il y a des stratégies possibles. Personne n'est inscrit, encore une fois, dans quelque chose de définitif. De définitivement acter, de définitivement écrit, il y a toujours des choses à faire, et on peut mobiliser les énergies de tous les acteurs réunis. Et évidemment, le, le, la séquence de ce matin en illustration, on ne peut rien faire tout seul, mais on peut faire beaucoup de choses en tout étant ensemble dans les bonnes instances de coordination. Ça a été dit aussi tout à l'heure. Euh, il y a beaucoup d'instances de coordination. Il faut identifier les bons acteurs et les bonnes instances, et euh, ensemble, on peut faire arriver, on peut arriver tout à fait à changer les choses. Merci. Un grand merci, Maxime. Je vais, je vais juste très rapidement euh, apporter juste quelques perspectives et solutions, du moins, qui ont été proposées et qui ont été euh, à l'origine des sources que je vous ai citées. Un Grenelle de l'enfance en danger. Euh, il y a le, la Fédération française de la sécurité urbaine qui propose une politique globale intégrant largement la prévention, les collectivités territoriales, la société civile, en s'appuyant sur les savoirs du monde et de la recherche, les expériences existantes en France et à l'étranger. Et puis on a. Euh, voilà, des, des, un certain nombre de choses. Si on veut passer l'autre slide, comme ça je vais aller directement. Voilà. Les actions qui ont été mises en place sur le territoire villérin, je, je vais les parler très rapidement. On a mis en place un recueil de témoignages avec des acteurs de Champigny, de Villiers, mais pas que, euh, pour témoigner un peu des problématiques de RICS. Ce recueil va être utilisé dans les espaces d'échange, dans les établissements scolaires, pour pouvoir discuter avec les jeunes. Et la formation des intervenants se fera à travers un organisme de formation. Et on a prévu de faire un. Bafa approfondissement sur les RICS, circulation de l'information, les actions entre les deux services municipaux de la jeunesse, la médiation familiale, un diagnostic de territoire entre les deux CLSPD. Et enfin, pour terminer, les projets dans la ville, dans laquelle la ville a collaboré, il y a le séjour de rupture, qu'a cité Moussa, les chantiers éducatifs mixtes qui ont été portés par les éducateurs ACP, euh, et, euh, et euh, ah, ACP et Emmaüs Synergie. Merci de l'aide. Et Galadbox sur la thématique des, des RICS et enfin porté par le tissu associatif la médiation mise en place d'actions sportives et festives performant euh, et ça c'est tout l'intérêt d'une association qui avait été portée par euh, un jeune homme qui était président d'une association à torcy d'ailleurs. j'invite à aller voir il a développé tout un concept autour des pairs parce qu'on mobilise souvent les mères en pensant que bah y a quelqu'un qui existe lui a développé l'inverse c'est-à-dire a développé un concept pour sensibiliser euh, les pairs et une action de prévention mobile qui a été financée euh, dans le cadre du fipd pour l'escale boxing club qui s'appelait euh, box avec les mots. Je remercie la, la présence de Samir Guirib aussi ici présent qui a contribué il y a fort longtemps de cela, je crois, à l'avancée des médiateurs euh, euh, au plus haut niveau. Un grand remerciement, je sais que tu es très intéressé euh, par la politique de la ville, à Madame Hamon, ici présente du point écoute de Champigny, que je remercie euh, de sa présence. Vous vous doutez bien que vu le temps, si je laissais les questions aux partenaires, ça serait euh, un peu difficile. Par contre, je vous invite, si vous le souhaitez, à discuter directement avec les interlocuteurs, prendre les questions. Bien entendu, on prendra en considération les remarques et les observations que vous avez faites, hein, qui sont tout à fait instructives. Je n'ai pas la prétention de dire que cette action va résoudre quoi que ce soit, mais au moins, elle permet de mettre en avant les acteurs, les initiatives locales. Et ce n'est pas une demi-journée qui nous suffit, vous avez vu. Peut-être qu'un colloque de trois, quatre jours nous permettra peut-être de rentrer dans ces, dans ces problématiques de fond. Un grand remerciement aux acteurs qui ont participé, à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Un grand remerciement au service logistique technique, michael Greg, le service communication Samira, parce que je sais que vous avez fait un travail titanesque, merci messieurs. Voilà, toujours exemplaire. Et on vous laisse la possibilité de pouvoir discuter autour de ce qui reste en termes de café et de viennoiserie. Et euh, on vous donne rendez-vous très prochainement. Merci, au revoir. Et merci à toi, Tarek, surtout, euh, d'avoir... Euh... Je ne sais même plus, j'ai même plus les mots, mais merci beaucoup. On peut applaudir, Tarek, et merci de votre présence.